Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour les joueurs du dimanche. On est jeudi, mais on va quand même jouer avec Rofellos et pas à n'importe quel jeu, puisqu'on va jouer à Magic The Gathering. Nouvelle édition qui vient de sortir ou de ressortir, puisque comme son l'indique, c'est Ravnica Remastered. Ça veut dire qu'on prend l'univers, ou plutôt le plan Ravnica, et on le remaster. Et donc c'est plusieurs sets qui ont été réédités, retravaillés pour sortir ici dans une édition que l'on s'est procurée, que comme vous pouvez le voir sur le bordel qui est sur cette table, un peu tard, on s'est procuré un peu tard, on l'a eu lundi, et en vrai j'ai eu des choses à faire, mais le principe ça a été de builder à partir donc de boosters de cette édition, notamment, alors j'ai récupéré en tout deux boîtes, on les voit pas, deux boîtes classiques de boosters de draft. Attention, ce sont les derniers boosters de draft qui existent, puisque bientôt il va y avoir, à partir de la prochaine extension, des boosters de jeu. Et en gros, c'est un mix entre les deux boosters qui existaient jusqu'à maintenant. Et on a même récupéré une petite boîte de collector booster qui, malheureusement pour mon bon Max et les quelques-uns qui ne suivraient pas l'anglais, ne sont qu'en anglais dans cette édition. Mais ça amène de très jolies cartes. Donc, tu peux me montrer filer ça. Oui, tu peux montrer ça, effectivement. On a ce genre de joyeuseté dans ces si boosters. Je vous les montre, du coup, ça veut dire qu'on passe... En habillage, TCG, attends, c'est parti. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, non, mais si, parce qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est ça. Oh là 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 là, c'est beau. Non, il y a des trucs, il y a des trucs. On n'est pas, alors évidemment, les caméras ne sont pas tout à fait centrées parce qu'on a essayé de prendre l'antenne vite, on avait du retard et j'aime pas être en retard. Donc on va recadrer ça. Regardez, 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 ça se fait tranquillement, regardez, voilà. Mais habillage dédié à Magic, avec le tapis dédié à Magic. Franchement, on devrait être pas trop mal. Mon bon Rof, toi, t'es ici. Pareil, je vais te... Non, mais toi, en fait, t'es pas trop mal. Moi, je suis pas mal, là. Pas mal. T'es pas mal, donc je vais te laisser comme ça. Juste, t'es pas dans le bon sens, donc je vais quand même te retourner, mec. Retourne-moi. Tu as mon consentement, mon cher. Et voilà. Et maintenant que tu es retourné, tu es bien. Évidemment, les noms, tout ça, on va les changer au fur et à mesure. D'abord, on va vous présenter un petit peu très succinctement les decks qu'on va jouer. Mais avant ça, Rof va pouvoir vous expliquer un petit peu comment il a construit ses decks. Oui. Pourquoi on s'est mis dans cette vision, c'était quand même pour vous montrer un petit peu ces petites cartes. Et regardez comme elles sont magnifiques. Oui, on a Ilarg notamment... un des sortes de dieux. Ouais, il est à la fois sanglier et dieu. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup. C'est quand même pas mal. Il vient, si je ne m'abuse, de la guerre des Planeswalkers, puisque la guerre des Planeswalkers se passait à l'époque. Nicolas Bolas avait ramené plein de Planeswalkers pour leur absorber leur essence vitale, leur étincelle de Planeswalker sur le plan de Ravnica. Donc, comme disait Max, en fait, la première édition Ravnica, c'était en 2005, ça ne nous rajeunit pas. J'y étais, j'y fus. C'est très sympathique. Le gros principe de Ravnica, c'est les guildes bicolores. Donc là, en l'occurrence, c'est une carte, bien jouée, c'est une carte qui est monocolore, mais en fait, on avait notamment l'apparition de ces splendides terrains qu'on appelle les Shocklands, parce qu'ils mettent deux quand ils arrivent en jeu, si jamais on veut les avoir dégagés. Et ils ont fait une frame magnifique, all frame, bien sûr, sur certaines cartes que Max adore. Voilà. On avait des cartes moches, on les a rendues belles, si on ressortait les moches. Ça, chacun de juger. Attention, tu vas avoir des gens... faire des ennemis. Ah bah oui, tu vas te faire des ennemis, parce que ça, c'est... En fait, les premières 10 années de Magic... Il y a un débat, là. Il y a vraiment un débat entre ça et ça. Il y a un débat, là. Écoute, en tout cas, ce sont deux très bonnes cartes. L'une pour avoir du mana, et l'autre pour pouvoir transformer... Enfin, transformer. Tu vois, il y en a un dans ton jeu. Tu vas pouvoir... Mais tu vois, je t'ai mis la version française. Alors celle-là, elle est particulière, parce qu'elle a un design un peu manga. Il y a un design un peu manga, oui, tout à fait. Mais il y en a un peu pour tous les goûts. En fait, ça qui est bien, c'est que soit des cartes normales pour les gens comme nous qui s'en foutent un petit peu, soit des trucs un peu old frame, soit des trucs un petit peu japonisants ou autres. Bref, voilà, du textless, enfin pas du frameless, j'allais dire. Bref, il y a de quoi faire dans les boosters collector notamment. Et donc, ton objectif, c'était de faire potentiellement 10 decks pour avoir toutes les guildes de Ravnica. Ouais. Ça veut dire que tu as à chaque fois des bicolores qui, en fait, mixent les couleurs qui sont complémentaires et ennemies. C'est ça. Hop là, donc tu peux zoomer, mon cher Max, pour montrer un petit peu ce que tu dis. Voilà, en fait, à la base, donc ça c'est le pentacle de Magic, blanc, bleu, noir, rouge, vert. Et en fait, le principe, c'est que assez vite dans Magic, les bicolores dominants étaient les associations de couleurs alliées. Donc par exemple, le blanc et le bleu et le noir. Par contre, le blanc et le noir étaient des couleurs ennemies. Et en fait, dans Magic, pendant un petit moment, c'était plus rare d'avoir des cartes gold, donc de multicolores, de deux couleurs ennemies. Et sur Ravnica notamment, c'est tout le monde a logé à la même enseigne. Il y a 10 guildes, des associations de toutes les couleurs, quoi. Et donc en tout, ça fait 10 associations. Oui, redis-moi la deux couleurs ennemies. Bah, par exemple, le rouge et le blanc. D'accord. Et pourquoi pas rouge et bleu? Oui, c'est pareil. Ah, ils sont ennemis aussi? Oui. D'accord. C'est vraiment les plus éloignés. C'est voilà, ce qui touche. Donc chaque couleur a deux ennemis et deux alliés. Ouais. Ouais, c'est bien foutu, hein, c'est pas mal foutu. Voilà le principe des couleurs alliées et ennemies. Mais donc, comme je le disais, dans Ravnica, avec ses guildes, eh ben, il y en a pour tout le monde. Chaque guilde avait vraiment son propre, on va pas évidemment toutes les faire, mais ses propres mécaniques, avec son propre lore, ça a franchement très bien marché, et notamment avec les landes comme ça, qui singeaient un petit peu les premiers bilans qui n'avaient aucun défaut, par le fait d'être non basique. Le fait de dire, je suis à la fois une forêt et une île, permet non seulement bah, d'ajouter soit du bleu, soit du vert en l'occurrence, mais d'aller se faire fetcher, c'est-à-dire que si jamais tu as une carte qui dit, allez chercher une forêt dans votre bibliothèque, alors tu peux aller chercher cette carte-là. Ce qui, du coup, est intéressant. Et le petit backlash, c'était de prendre 2 points de vie si on voulait qu'elle arrive détapée. Ce qui, pour moi, en fait, on a fait les terrains les plus équilibrés, les bilans les plus équilibrés de Magic, à savoir, vous pouvez les avoir détapés, mais ça vous coûte un petit peu de ressources de vie. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de cartes dans nos decks. Non. Alors, quel est le format que j'ai voulu faire? Et c'est, je pense, vraiment le truc que je vais faire. J'ai pas mal réfléchi à ça. Comment vous proposer sur une seule extension, parce que bon, d'habitude, c'est soit du scellé, mais le scellé, en fait, c'était uniquement avec 6 boosters, et donc bah, vous allez avoir des decks qui sont un peu middle. Ou alors, ça va être du construit, mais dans ce cas-là, généralement, le construit, ça s'accompagne d'autres éditions. Et donc, j'avais pas spécialement de quoi faire des decks construits avec des mythiques en x4, etc. Pour l'occasion, puisque bon, c'est bien d'avoir su 3 boîtes, là, mais ça ne suffisait pas. Et donc, j'ai fait une sorte de mix que j'ai appelé le scellé maximisé Singleton. Voilà, pour tout savoir, mais en fait c'est précis. C'est précis, mais c'est très simple. Vous prenez le format paquet scellé, donc, ou limité, à savoir c'est 40 cartes minimum dans un deck et pas 60, comme dans un format construit. Je rappelle hein, la différence, format construit, on ramène un deck de chez nous, et le format limité, eh bien, on fait avec l'imitation du moment, à savoir soit 6 boosters, et on construit avec nos 6 boosters pour du paquet scellé, soit 3 boosters qu'on va drafter, pour du draft. Donc là, ça se rapproche plus du scellé, mais bon, c'est un peu pareil. Le paquet scellé, avec donc, pourquoi maximiser? Parce que, en l'équivalent de 90 boosters, parce que j'avais aussi fait une avant-première chez Play-In, donc j'ai eu à peu près l'équivalent de 90 boosters, j'ai récupéré quasiment toutes les cartes, en x1, quasiment. Et donc le but était de dire, ben, je vais pouvoir mettre dans ce scellé toutes les cartes que je veux, mais je vais quand même me limiter, et je me suis limité grâce au Singleton, à savoir chaque carte en un exemplaire, sauf les terrains de base, et je me suis autorisé les terrains communs bicolores qui arrivent juste en jeu engagé en x4, parce que bon, quand même le but c'est qu'on sorte normalement, quoi. On va essayer de faire le moins de non-parties possible, et sinon tout le reste c'est donc en x1. Et à partir de là, je me suis dit, bah voilà, je vais faire un deck de chaque thème, donc de chaque association de couleurs. J'ai pas eu le temps, mais il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux de faits. On va les jouer, et pendant, vous inquiétez pas, pendant que Max réfléchit, je vais vous en faire 4 autres, il n'y a pas de problème. Il était vraiment là en train de dire, ah non mais t'inquiète, parce qu'en fait, je vais dire pendant que tu vas jouer, pendant que tu joues, je build, t'inquiète, ça va le faire. Petite précision, certains se disent peut-être, bah, parce que vous étiez peut-être pas là cet après-midi, mais je sais que ce pull, enfin Max, et oui, vous avez peut-être déjà vu le jaune, et bien le violet est désormais arrivé, alors... Pas tous, on est encore en train d'en recevoir, c'est un peu long et complexe comme ma bite, mais ouais. Toujours est-il que voilà, version Twitch, n'est-ce pas, et du côté de Rof. Et moi j'ai une version Dimir un petit peu, puisque c'est un noir-gris avec du bleu, voilà, que je trouve assez bien, assez sobre. Le bleu est assez électrique, mais le gris est assez sobre. Je l'aime bien. Je me sens bien en tout cas dans ce bon suite. On est pas mal, on est pas mal. Et ça régale, vous les aurez bientôt, ceux qui les ont commandés bien sûr. Ceux qui les ont pas commandés, eh bien vous ne pourrez plus les avoir parce que c'était des éditions limitées. Mais on compte sur Max pour refaire d'autres vagues avec d'autres couleurs, etc. Si vous êtes sage, pour le moment... si vous êtes sage. Pour le moment, je ne sais pas. Bref, je vous propose qu'on commence direct à, oui, à game. Juste avant ça, moi, j'aime bien avoir votre avis quand même sur le setup. Alors, le tapis, ce n'est pas encore le nouveau tapis. Ce n'est pas le tapis que vous pourrez acheter. C'est ceux qu'on avait à l'époque de le stream. Il va être en refait, redesigné. Mais en attendant, ça fait très bien l'affaire. Donc, pour le moment, vous vous contenterez de ceci. Par contre, l'habillage, lui, a changé un petit peu. Ouais. Voilà. On a fait un petit truc un peu propre. On est dans une carte Magic. Voilà, on a nos petits points de vie comme ça qui vont monter, qui vont descendre, n'est-ce pas? Et petit pseudo que je vais changer d'ailleurs, parce que je m'appelle Rofellos actuellement. Tout à fait, il y a un qui va. Et surtout, tu vas... Alors, je sais pas si me dire un peu les trucs. Ouais, ouais, je te dis les... Alors Maxildan, d'accord, vas-y, c'est quel type de deck que je joue? Alors, toi, tu joues un deck qui est Selesnya, S-E-L-E-S-N-Y-A. Comme ça? Voilà. Et, ouais, et tu peux mettre token. Selesnya token. Token. Alors attends, tu retiens le tiret. À chaque fois, tu mets des tirets. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, bah, c'est juste ça sépare les deux mots. Quoi. Non, 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 non. Je vois un espace, ça suffira. Voilà. Okay. C'est un token avec un S. Le token, s'il y en a plusieurs, et tu es blanc et vert. Petite seconde, j'ai des petits trucs à gérer. Oh, c'est cru dans Motus. C'est Selesnya. S-E-L-S-N-Y-A. C'est pas facile. Okay. Canapé. Selesnya token, c'est bon pour moi. C'est quelle couleur? C'est blanc et vert. C'est blanc et vert, donc on va enlever toutes les couleurs sauf deux que on va transformer en blanc. Ici même. Hop. Allez, regardez, on a fait ça bien. Ah, c'est propre. En blanc et vert. Et ben c'est bon. Le vert est déjà là. Ok. Et toi, tu joues quoi? Ah, papa, c'est pas fini. Oh là. C'est pas fini, évidemment, puisque... Alors, attends, là, je fais une bêtise. Ouais, c'est bon. C'est pas fini, tu m'as dit blanc-vert. Yes. Ne me dis pas que tu as un truc. C'est vert-blanc. Ce sera vert-blanc, hein, si tu veux. Oh là là, c'est beau. Voilà, donc là, on est pas mal. Et de ton côté, c'est quoi? Et moi, je joue un Izzet. Donc, c'est bien bleu-rouge. Exactement. Moi, je suis bien bleu-rouge. Et mon Izzet, le thème, c'est... Je vais juste changer le deuxième que je vais mettre en bleu, du coup. Appelle ça Izzet Spell. Ok. Spells. Alors, c'est Y-Z-Z-E-T, c'est ça? Je sais pas combien il y en a des Z. Oui, il y en a deux. Tu as bien raison. Comme ça? Oui. Izzet Spell qui va beaucoup jouer avec les éphémères et les rituels. Alors, techniquement, à Magic, un sort... C'est un truc qui est sur la pile, même si c'est une créature, mais je pense que vous l'aurez compris. Izzet Spell, ça le fait bien. Ah, c'est un I, pardon. Tu m'as dit Y. Ah, d'accord, c'est un I. En fait, je me concentre sur les deux Z. T'avais raison sur les deux Z, mais t'avais faux sur le... Ok. Eh ben, je crois qu'on est pas mal. Voilà, Izzet Spell, Selesnya Token. Je crois que ça ressemble à une carte Magic. Ouais, on est bien. T'as de la gueule. GG, mec. On est pas mal, faut juste que je nous recadre un peu. On sera bien. Recadre-nous, frérot. Hop là. On essaie de vous faire des setups d'enculés quand même. franchement. Je suis un peu fier. On est pas mal? Ouais. Ah ouais, je t'ai pas encore mis le compteur de points de vie. Bah, tu me feras confiance. Alors, du coup, on démarre pas à 0. Non. On démarre à 20. Il n'y a pas... Non. T'as pas mis de base quand tu fais un début du duel? Ah, mais faut que je... Ouais, je peux le faire. Non, je sais pas, hein. Si, ça prend 2 secondes. On va le faire, On va le faire 20. Et on va le faire 20. On est bon. Donc là, ça veut dire que si je fais moins, que d'un coup, je fais... Ouais, ça marche. Ça marche? Tout marche, mec. Bah, t'es le boss, mec. Ok, et bien on va partir donc sur, je répète, nos decks de 40 cartes qui, singe un petit peu ce que vous pouvez avoir en scellé, mais qui le maximise, puisque notamment il y a quasiment toutes les rares de chaque couleur qui va être dedans. Et voilà. Donc ton but, toi, en tant que token, alors c'est un deck plutôt rampe. Tu vas voir, tu as pas mal de choses qui vont te permettre d'accélérer ton mana pour pouvoir jouer des grosses bêtes, plein de tokens, bref, faire des trucs un peu sales. Et moi, de mon côté, je vais essayer de contrôler un petit peu, j'ai plus l'aspect contrôle, en jouant pas mal d'éphémères de rituels qui vont te gérer et après pouvoir en profiter. Voilà, je vais te laisser commencer parce que... J'avoue, j'ai pas écouté mon deck parce que je faisais autre chose pendant que tu parlais. C'est pas grave. Je vais le découvrir. C'est pas grave. Le duel d'essai n'est pas en 25 points de vie, ça n'a jamais été en 25 points de vie, le duel combat. J'ai mis un peu de musique de fond, mon bon SKFR, tu as raison, elle était désactivée, normalement c'est bon là. Voilà, tu me diras si tout va bien. T'as mis une petite musique, on est bien là. On est gigaïen, mais bah écoute, c'est parti, je te laisse commencer. Tu as l'avantage en termes de... fait du travelling, oui, tout à fait. De tempo, j'ai l'avantage en termes de skill. C'est parti. Je t'autorise un petit mulligan gratuit. S'il y a besoin. C'est écarté, je vais plier là. Et c'est parti pour le show, mon cher Maxildan. Est-ce que je garde cette main ? Regardez cette main. Mulligan, le mulligan, c'est tout ou rien. Tout ou rien. Mais tu as le droit à un gratuit si tu veux. La vache. Ah oui. C'est un format où on... C'est un format où tu prends ton temps. Hein. C'est un format où on prend son temps. Ouais, ouais. Si t'as... Allez, j'y vais. T'y vas? Ouais. Ça peut être moins bien, donc on verra. Bon, t'as un mulligan gratuit hein, si tu veux. Hein. Ouais, mais je crois que c'est pas trop mal. Ouais. En fait, en gros, moi je joue plutôt contrôle, donc t'as un peu le temps de te poser, et toi en fait, tu vas. Si c'est pas trop mal, garde, et puis. En fait, on va avoir des jeux qui sont moins forts que des decks, je sais pas, les decks commandeurs par exemple qu'on a la dernière fois étaient plus forts. Ah, tu vois, non, ça reste un scénario. Je viens de voir un truc, je mulligan. Alors, fais voir ta main. En fait, regarde. Moi je vois ça. Je me dis, très bien. Ouais, ouais, jusque-là ça va. Deux blancs, deux verts. Oui, sauf quoi. Et puis derrière, je vois un sort à 3. Bon, ça va. Ouais. Et derrière, je vois. Ah oh, putain, des trucs qui coûtent la peau des couilles. Oui, sauf qu'en plus, c'est pas des créatures. Bon, allez. Bah, ça, c'est techniquement une créature. Ça aussi. En fait, les deux sont techniquement des créatures. Ah, j'ai pas lu. Allez. J'ai pas le temps. Là... Je découvre mes cartes. Oui, mais tu as le temps, je te dis. Moi, j'ai le temps de débile pendant que tu réfléchis. Non, mais. On va pas laisser du blanc et les gens ils se font chier. Y a non, je peux parler en même temps. Créer un jeton de créature 4-4 verte et innocence dans le petit nom, puis peuplé. Je n'aime pas ce que dire peuplé. Créer un jeton qui est une copie d'un jeton créature que vous contrôlez. Ah ouais. Donc, au pire des cas, tu mets 2-4-4. Oui, pas mal. Mais coûte 8. Oui. T'as bien fait de me mulliganer. Mais juste le principe de dire. J'ai pas de créa. Non, j'ai pas lu les cartes. Ça me fume un peu. Je regarde juste le coup et je suis en mode bon, bah déjà, celle-là, je la jouerai jamais. Donc ça dégage. On est d'accord que le mulligan, c'est je remélange tout avant de reprendre. Le mulligan, c'est tu remélanges tout avant de reprendre. C'est vraiment. Ah, ils ont fait mieux comme mulligan depuis, effectivement. Enfin, c'est pas mieux. C'est. Plus... Non, c'est mieux. Moi, je sais qu'à l'époque du duel commandeur... Ouais. À l'époque du duel commandeur... Et encore, ils ont un peu changé la règle du mulligan. Normalement, quand tu... Normalement, bon, là, on a le droit à un mulligan gratuit. Mais quand t'as pas un mulligan gratuit, tu pioches... Non, non, non. Il n'y a pas si longtemps, le fait que tu pioches 7 et que tu remets en dessous. Il y a encore... Ah, quand on était à le stream, c'était déjà le cas. Quoi. Ouais, ouais, mais il y a encore 6, 7 ans. Oui, mais sur 30 ans de Magic, pardon, c'est bah pas... Non, mais quand je te dis ça fait 10 ans, me dis pas... Non, non, c'est pas si vieux. Ça doit faire 6 ans, je crois. Ouais, ok. Tu vois, ça me semble le bout du monde quand même. Eh bien, en fait, moi, j'ai plus joué sans ce mulligan-là. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Ce mulligan donc, permet... Tu es vieux, Rofellos. Oui, ouais, c'est ça. Ça. Mais je suis pas beaucoup plus vieux que le jeu. Hein. J'ai 7 ans de plus que le jeu. Mais il est vieux. Ouais. Mais toujours aussi bien, notamment parce que vous allez, comme si jamais vous découvrez Magic, t'as bien pioché 7, bon, de toute façon, quoi qu'il tu pioches 7. C'est un jeu qui a une barrière à l'entrée qui est assez faible, contrairement à Yu-Gi-Oh, je trouve. En tout cas, pour comprendre le jeu. Est-ce que ça va mieux? Ah. Ouais, ouais, ça va, ça va. Vas-y, on est parti. Mieux? On est parti. Qui commence? Toi. T'as un dé? Non, c'est moi qui commence. Non, vas-y, vas-y. Parce que t'es meilleur, c'est ça? Connard. Exactement. C'est pour ça. Exactement, je suis un connard. Allons-y. Je pioche pas au début, évidemment. Et on va commencer par un jardin. Pardon. Oh, il est fort. Ouais, je suis un grand joueur. Je vous propose un petit jardin du temps. On a un vrai bilan dans chaque deck. Voilà, un bilan. Un de plus. Et je ne peux pas... Du coup, il arrive tap. Donc, est-ce que je dépense 2 points de vie pour pouvoir jouer tout de suite un truc? Si tu as un Bird of Paradise que tu possèdes en exemplaire dans ce deck, tu peux. Sinon, laisse-le dégager. Laisse-le engager, c'est très bien. Ah, il n'y a pas d'animation de début de duel. Les gens sont tristes. Oh là 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 là, début du round. Évidemment que si, il y a une animation, enfin. Les enfants. T'as raison, Evito, j'ai complètement oublié. Shocklands ou Ravland n'est pas bilan d'attention. Alors, je peux très bien dire bilan, parce que c'est un land qui ajoute du mana de 2 couleurs différentes. Écoute, c'est quoi, on va y aller. Mais je vais essayer d'aller plus vite que toi. Mais effectivement, je vais perdre 2 points de vie. Les bilans originaux. Du coup, je vais essayer droit. Je vais faire un truc que tu vas probablement trouver dégueulasse, mais je crois que je m'en fous. Je vais activer. Et je vais jouer. Parce que à part Birds, t'as quoi? Oui, non, c'est très bien. Hein? Et je mets l'étendue de l'utopie que je vous montre. Très bien. On va montrer des cartes, hein, c'est quand même le but. Le but, c'est de vous montrer un peu l'extension. Hein. L'étendue de l'utopie, enchantement aura, donc je vais enchanter une forêt, en l'occurrence c'est une forêt et une plaine, donc j'ai tout à fait le droit de l'enchanter. Et au moment où l'étendue de l'utopie arrive sur le champ de bataille, je vais choisir une couleur, donc là tout de suite maintenant, et à chaque fois que la forêt enchantée est engagée pour du mana, son contrôleur ajoute un mana supplémentaire de la couleur choisie. Donc je vais du coup enchanter la seule forêt que j'ai actuellement, à savoir le jardin du temple, et donc à chaque fois que je vais utiliser le jardin du temple pour générer soit de la forêt, soit de la plaine, eh bien, ça va me générer un truc de plus. La question, c'est quelle couleur je choisis? Donc, ça va forcément être forêt ou plaine. Alors, juste pour les couleurs, je t'ai laissé la première fois, mais ne dis jamais, en ma présence, j'ajoute une forêt ou j'ajoute une plaine. C'est du vert ou du blanc. Quoi? C'est une forêt ou une plaine? Non. Ok, la forêt fait du mana blanc. Et fait, ouais, bon, ouais. Non. Tu vas m'emmerder sur des détails comme ça. Tu sais, je l'ai laissé passer la première truc, je t'en mode... Fais attention, parce que quand on va arriver sur du Dragon Ball, du Flesh and Blood, je vais te faire chier avec des détails. Ok. C'est ridicule. Bref. Donc, blanc ou vert? Dis-moi. Ça dépend. Parce que t'en as main, frérot. J'ai 3 cartes sur les 40. Le deck, il est équilibré. Comment? Il est équilibré? À peu près. Ok. Il y a un peu plus de vert, mais en vrai, c'est relativement équilibré. D'accord. Bon. Je vais faire du vert. Du vert. À partir de maintenant, ça te file du vert. À moi de jouer. Et donc, c'était un bon tour 1. C'est toi qui as l'avantage en termes de tempo. Perdre 2 ton fouet à ce moment-là de la game. Et en plus, moi qui joue un peu plus contrôle, je te l'ai dit. J'accélère direct. Voilà, il faut que tu dégueules ta main. Et moi, du coup, je vais être derrière. Ok, je suis content de l'avoir fait. Allons-y. T'as bien fait. À moi de jouer, je pioche. Je vais jouer une porte de la guilde d'Izzet. C'est le bilan qui arrive en jeu engagé. Et c'est à toi de jouer. Porte de la guilde d'Izzet, je vais d'étape piocher. Et j'ai entendu un petit bruit. Ah non, je crois que c'est un de mes câbles là-bas. Enfin, raison, c'est vrai. Alors, mes petits amis, autant sur des jeux comme l'Orcana, je peux peut-être me gourer un petit peu. Alors, je dis pas que je suis non plus à. Je suis pas le plus expert. Bah, une île, une montagne ou un marais, tout simplement. Non, la réponse est Grixis. L'association bleu, rouge et noir. C'est pas la question. Je disais forêt, plaine. Et il dit, t'as raison, c'est vert, blanc. Non, je sais pas sur quoi il a dit, j'ai raison. On parle d'autre chose, d'accord. Mais le nom de bleu, rouge, noir comme association, on dit Grixis, effectivement. En fait, ils ont tous des noms. Vous pouvez trouver d'ailleurs les multiples pentacles de Magic sur Google. Tapez association couleur Magic dans Google, ou tapez pentacle, diagramme, Magic, et vous allez voir, toutes les associations ont des noms. Que ce soit par 2 ou par 3 couleurs, il n'y a pas de truc à 4 couleurs. Non, enfin, il y a certaines cartes qui ont 4 couleurs, mais c'est ça. N'a pas de nom. Et ça n'a pas de nom, que je sache. C'est bizarre. C'est vrai, peut-être tu le feras un jour. Parce que franchement, tout a un nom, sauf les 4 couleurs. Voilà. C'est à moi de jouer du coup. Il y a un nom pour 4? Ah bon? Ce serait quoi alors? Je suis curieux. Alors là. Ah bon? Bah pour 5, on dit généralement. Après, on dit quoi ta couleur? Je pose du coup une plaine. Les 4 couleurs primaires. Les 4 couleurs primaires. Et même pour 5, bah 5 c'est multicolore. Non, bah multicolore c'est censé être. On dit pentacolore pour ça. Pentacolore. Okay. Parce que multi, ça peut être 2 couleurs. Tout. Ouais, Les combinaisons de 4 couleurs portent le nom des créatures Néphilim à 4 couleurs de un pacte de guilde. Donc déjà, c'est pas un pacte de guilde, c'est pacte des guildes. Et ensuite... Alors, non mais je vous dis, sur Magic, je vais être très précis. Il est imprenable. Et ensuite, c'est un nom qui est non officiel. Effectivement, il y a eu, je crois que c'est les premières cartes qui ont existé à 4 couleurs. Le Néphilim qui n'était pas top en plus. Non, parce que c'est pas vraiment... Déjà, les Néphilins sont dégueulasses. Déjà, les cartes, en fait, ils ont fait des cartes à 4 couleurs qui sont nulles. Les Néphilins ? Néphilins ou Néphilim. Néphilim. Ouais, bah, je pense... bah, pourquoi tu dis le M ? Jamais, mais parce que c'est un nom qui existe dans d'autres univers et ça se prend Néphilim. Ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Il est fou, lui. Bon, il n'empêche que c'est des cartes... ils ont fait, pour la première fois, des cartes à 4 couleurs qui sont nulles. Donc, en plus, tu peux même pas... Enfin, franchement, elles sont dégueulasses, ces cartes. Okay. Et elles sont moches. Allons-y. J'ai posé une plaine. Ouais, est-ce que je peux donc générer là tout de suite maintenant 3 manas d'un coup? Je pense que tu vas m'ouvrir. Bah pour le moment, pour 2 manas. Et donc, un blanc et un vert. Je vais jouer ceci. Oui. La prédatrice de Selesnya, ça tombe bien avec le nom de mon deck. C'est une créature elfe et chaman. Alors, c'est une 1-2, d'accord? Relativement basique. C'est une rare, c'est ça? Non, c'est une Unco. C'est une Unco. Et donc, sa capacité, elle dit que pour un mana et le fait de l'engager, eh bien, je peux engager une créature dégagée que je contrôle et ça me permet de créer un jeton de créature 1-1 vers Saprobionte, qui est un genre de plante dégueulasse. C'est pas faux. Hein, donc, en gros, c'est au lieu d'attaquer avec cette créature ou je ne sais quoi, je vais l'incliner, elle, ainsi qu'une autre, et ça va créer un Saprobionte. Alors, j'ai l'impression que ça me coûte le bout du monde. J'espère donc que... Ah non, c'est une 1-1 nulle. J'ai l'impression que c'est le bout du monde pour créer des 1-1 nuls. Ah, mais créer des cartes, créer des créatures à Magic, c'est pas facile. Hein. Pas cadeau, hein. Ouais, c'est pas cadeau. Ouais, il faut l'utiliser beaucoup. Très bien. C'est posé. J'ai le mal d'invocation. Fin de tour à toi. Ok. J'essaie de pas placer. Et j'aime bien, c'est que lui, pendant que je fais 2 trucs, il réfléchit. Ça va. Le deck d'après. Je réfléchis. Mais c'est pas grave, je vais parler, je vais meubler. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est beau? Est-ce que vous passez un bon moment? Et c'est pris 2. Ah, je veux game du Magic. Ben, c'est le but. Hein, allez, dégage-moi cette merde-là. Je lui ai mis 2, je l'ai molesté. D'accord, avec un rituel? Ouais. D'accord. Attends, je... très bien. Il avait vraiment rien à faire. Donc tu l'as tué parce que toi tu savais qu'en fait... Bah je sais qu'en fait c'est pas mal. Hein. En fait, si tu me chies une bête par tour, ça va être trop lourd. Parce qu'en plus, cette carte-là, elle a besoin d'être là, Max. Elle a besoin d'être là pour pouvoir faire son effet. Mais en fait, dès que tu vas poser une bête, tu vas pouvoir, entre guillemets, la forcer à l'engager pour pouvoir directement faire son effet. T'as pas besoin d'avoir... t'as raison, c'est fort. Donc, relou. Ok, bien joué, bien joué. Bah ouais. Bien joué. Dans un premier temps, je vais poser une forêt. Donc là, je peux déjà invoquer des trucs à 4. Ce serait fou. Putain, je retire 2 cartes. J'ai du mal avec le peuplé. En gros, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui me disent « Fais un token, puis fais-en un deuxième ». Ouais. Donc le principe de peupler, c'est qu'en fait, tu vas avoir des cartes qui vont peut-être te mettre des 4-4 vols ou des 6-6. Et qu'en fait, si jamais tu peux peupler, mettons, tu peux les recréer. Bah, tu peux ça. D'accord. Donc par défaut, par défaut, joue ta carte, c'est le truc qui met des piafs. Ouais. Mets de 1-1 vol, parce que ça peut être cool. Mais cette carte-là, si tu l'avais piochée plus tard ou si tu peux la jouer plus tard, peut-être que tu aurais eu autre chose. Et donc pour une plaine et 3 forêts, eh bien, je vais créer 2 piafs. C'est un éphémère. J'aurais pu le faire à n'importe quel moment, mais... C'est vrai. Ouais, j'aurais peut-être dû, même. Ah oui. Garder, dire à toi de jouer, t'invoques un truc, et je dis « Ah, avant le début de mon tour, boum !» Ce qui change pas grand-chose. Ça aurait pas changé grand-chose, mais... Ah si, ça va peut-être te faire d'autres choix parce que t'as vu mes trucs. Non, mais il faut que je m'améliore. Ah ouais. Il faut que j'arrête de jouer comme un singe. Et ceci pour que vous appreniez à faire les bons plays. Donc là, j'aurais dû attendre, je suis un con. Voilà, à toi de jouer. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir avancer. Maintenant qu'on sait la vérité. Ah, je monte l'oiseau, il est beau. Je vais. Et après, vous montrer les cartes. Ok. Et attends. On a dû toucher au tapis. pas centré, ça m'énerve. Ah, vas-y. Bonjour, je suis le guild mage d'Izzet. J'ai une tête un peu bizarre, mais je suis un peu bizarre en même temps. Izzet, le principe de l'heure de ce truc-là, ce sont des sorciers un peu fous, qui utilisent plein d'énergie pour faire des étincelles. Et lui, donc ils sont tous deux pour deux, en tout cas les guild mages de l'époque. Merci, Silent. Pour 3, je peux copier un sort d'éphémère que je contrôle en état de mana inférieur ou égal à 2. Je fais une nouvelle copie. Et pour 3, avec du rouge, je fais la même chose avec un rituel. En gros, ça me permet de copier, mais par exemple, si jamais j'avais joué ce truc-là, j'aurais pu dire, bah, je le joue pour 1, et pour 3, je le copie, et je le tue tes 2 piafs. Bah... Et puis c'est une petite de 2 pour 2, ça fait plaisir. Je vais mettre une autre porte de la guilde d'Izzet, go. Ok. Je redresse. Pardon, excusez-moi pour le zoom. Je redresse. Je pioche. Je joue une forêt. J'ai donc 5 mana. Très bien. Bon, on verra. On verra. J'attaque. Tu attaques, j'ai pris 2, mon cher Max. Tu as pris 2, et c'est une fin de tour. Combien de cartes en main? 3. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce deck qui peut se jouer en éphémère, là? J'attaquerai bien. Le problème, c'est qu'il connaît mon deck, c'est un peu chiant. Ah, c'est pour ça que je laisse commencer, j'ai l'avantage. Ouais, après, j'ai peut-être rien aussi. Peut-être rien. C'est peut-être du bluff. Que des trucs qui coûtent 6 et que tu serais baisé, quoi. En flash, je crois que t'as pas grand-chose. Hein. J'allais, j'attaque. Ok. Eh bien, pour 3. Non. Hop. Ça marche. Pour 3. En fait, je préfère faire ça et ça. C'est mieux. Et garder une forêt et une plaine. Si tu veux. Je vais jouer regroupement. Ouais. Et du coup, je vais sélectionner 2 créatures qui vont infliger leur force à une de tes créatures. C'est risqué, hein, ce que tu as fait. Hein, parce que si jamais j'avais en réponse de quoi tuer ta bête, tu ne mettais que 1, ma bête passait pas, du coup tu perdais ça. Mais tu l'as eu. Ok. En fait, je me suis dit, est-ce que j'attends ou pas? Je me suis dit, bah écoute, c'est un éphémère. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, si c'est un truc qui... si c'était juste détruire une créature ciblée, bon. Mais là, ça te demande à ce que t'es bête. Et en fait, moi, en jouant en rouge, je pouvais vraiment cramer en réponse. C'est pas le cas. Bien joué à toi. De mon côté, voilà ce que je vais faire, mon cher Maxildan. Je vais jouer un conduit de vapeur. Et je vais prendre 2 de base. Donc, c'est mon bilan de... C'est mon Ravland. Donc, je veux bien que tu me mettes 2 dans la gueule. Je t'aide un petit peu parce que je trouve que tu vas pas assez vite pour me mettre des dégâts. Et je vais jouer, mon bon Max, de quoi te calmer un petit peu tes ardeurs en jouant un dracon crépitant. C'est une X4 vol. X étant le nombre d'éphémères rituels que je possède en exil dans un cimetière. Je possède une molestation, donc c'est pour l'instant une 1-4. Ouais, mais ça permet de te calmer un petit peu. 4, c'est un peu chiant. À toi de jouer, mon bon. À moi de jouer. On redresse, on redresse, on redresse, on redresse tout et on pioche. À ce tour, je vais jouer une plaine. Et parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana. Je vais voir ce que je vais faire. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est fort. Les capacités d'une carte, c'est éphémère. Oui. Par défaut, sinon c'est indiqué. Ok. Tout à fait. Très bien. Je crois que je vais d'abord faire ça. Pour 2 plaines et en fait pour tout, pour 6. Voilà. Wow, ouais. Je vous propose ceci. Qu'est-ce que tu me proposes de beau, Maxildan ? Protecteur de l'Urbis. C'est une créature humain et claire. C'est une 1-1. Mais, quand le protecteur de l'Urbis arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 4-4 blanche vol avec le... Bah, c'est tout. Avec le vol. Blanche ange avec le vol. Donc voici un ange. Ça va se taper dans les airs, hein, dans cette partie. Ça va se taper dans les airs. Oui, en fait, j'ai oublié de drôle là-dessus. D'accord, j'ai 4 créas. Ça vient d'arriver, donc ça ne peut pas encore attaquer. Ça, si j'attaque, je vais me taper dans son dracon. Tape-moi dans le dracon. Donc, fin de tour. Ouais. Oui, excusez-moi, j'ai expliqué ça et du coup, j'ai pas... J'avais oublié de piocher. Mon cher Maxildan. Bon, ça se passe pas trop mal. Bon, chacun place ses petites forces. On verra bien ce que ça va donner. Moi, j'ai actuellement une 1-4 qui est surtout là pour Keblo. Hein, on va pas se mentir. La petite 4-4 vol va un peu me faire chier. C'était le but. C'était le but. Eh ben, écoute, on va passer par le vol. On va mettre. Donc j'ai mis un terrain tapé et je vais jouer une petite mystique bruissant. Tu peux zoomer dessus. Puisqu'il est intéressant, il va pouvoir. Je t'en prie. C'est donc une 1-5, ça tank plutôt bien, mais c'est que par terre. Donc, voilà. Et en fait, à chaque fois que je lance un sort d'effet mode rituel, crée un jeton de créature 1-1 bleu oiseau, illusion avec le vol. D'accord, donc ça, faut que je m'en débarrasse vite. Ouais, faut que tu gères un peu tout là. À toi de jouer. À moi de jouer, c'est vrai. On redresse tout et on pioche. Papalapapin. D'accord. D'accord. Ouais. Oui. Ouais. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors là, j'ai un dilemme. Ah! J'ai un dilemme. Et... Bah, je compte sur ton honnêteté pour me répondre le meilleur. Comptez sur mon honnêteté. Merci Captain Moumout pour ton sub. J'ai un dilemme. Je vais jouer, c'est à peu près sûr, c'est un enchantement donc je vais le jouer avant d'attaquer. Car je ne peux pas le jouer en éphémère, je vais jouer l'annuaire de Teysa. Très bien. Donc, c'est une carte qui va me permettre de donner +6/+6 à la créature de mon choix. Et, c'est un peu le jeu du truc je suppose, au moment où tu devrais me tuer cette créature, parce que genre tu vas vouloir t'en débarrasser, eh bien je pourrais taper 3 mana verts pour dire hop hop hop, avant que tu meurs, je récupère mon enchantement et je crée un jeton 6-6 ivre créature. Donc en gros, je donne un bonus et quand son hôte meurt, le parasite sort et crée une ouais, je vois plus comme le fait que donc tu as mis +6/+6 et à tout moment, si jamais tu peux payer 3 et que tu le veux, tu peux dire, au lieu d'être boosté, je fais une 6-6. Ça change quoi? Bah, ça change par exemple pour le peuplement. Tu sais, quand tu peuples, tu peux copier le truc. Donc là, tu pourras copier une guivre. Okay. Ça change que peut-être que si jamais je te mets par exemple un enchantement qui dit que ta bête peut ni attaquer ni bloquer, voilà, tranquillement, tu peux faire ça. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est que dans l'idéal, c'est au moment où je vais te tuer cette bête-là, tu dis en réponse, je paye 3. Et voilà, je vais toujours me garder 3 mana verts et dire je suis prêt. Voilà. Maintenant, là, mon dilemme était de dire. Est-ce que je mets +6/+6 à une créature faible pour qu'elle devienne une créature forte? Ou est-ce que je mets +6/+6 à une créature qui est déjà forte pour qu'elle devienne monstrueuse? J'ai l'impression, là, moi, mon play, ça aurait été de la mettre sur un oiseau de merde. Parce que ça devient du coup un oiseau 6-6, qui est un token, et que je peux déjà, du coup, avec le peuplement, recréer une 6-6. Et en plus, pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Exactement. Parce que si je mets une 10-10 et que tu me dis tuer une créature de votre choix, bah, je suis bien baisé. C'est bien le petit nom que j'attendais. Le fait de pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est très bien. Du coup, là, si moi j'ai un anti-bet, je vais hésiter entre celui-ci ou celui-ci. L'avantage de le faire sur... En fait, si ça avait été une 3-3 vol, ça passait pas ma X4. Donc ça vous pouvait peut-être le coup de dire, bah vas-y, j'ai une... En vrai, même comme ça, je pense que tu préfères vraiment avoir ça sur une petite bête. Ok. Le seul cas où ça aurait pu être délicat, c'est si jamais tu vois qu'il me reste, genre, je sais pas, 2 mana, tu peux me dire, parce que je joue rouge, bah, s'il me la tue en réponse, parce que c'est vraiment l'enfer. Hein. Mettons que j'avais 2 mana de disponible, et un éphémère en... On n'a pas de dés. Si, si, on a des dés. D'accord. Ça, on n'a pas de dés, là. Bah, pour mettre... Non. On fait pas ça. 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 Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'on fait pas ça. Il y a marqué +6/+6 sur la bête. C'est pas des marqueurs. C'est pas écrit sur la bête. Bon, si tu veux. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, suis-moi. Si jamais j'avais 2 mana d'étape, Il n'aurait pas fallu faire ça parce qu'en fait, il y avait de fortes chances que je puisse faire en éphémère. Je mets deux blessures à ta bête ou une. Et en fait, là, c'était l'enfer parce que elle meurt avant que je mette le truc. Ça, et je perds ce truc-là est dans la pile, cible ça. Ça, ça meurt. Et ça, du coup, n'a rien et meurt aussi. Donc, tu fais du... je faisais du 2 pour 1. C'était l'enfer. Le fait que je sois full tap, tu peux évidemment faire ça là-dessus et me bourrer le cul. Et je pense que ça va être un move. J'aurais du mal à gérer. Hein. Et ben voilà, là on est bien. Et du coup, je peux te bourrer le cul direct, effectivement, puisque... Alors, je ne vais pas attaquer avec lui pour le moment, mais par contre, je peux attaquer avec tout ça. Tout à fait. Et moi, du coup, je peux me prendre une énorme tub. Je suis à 16. Là, je prendrais du coup 7 plus 4, 11. Bah, je passe à 5. Hein. Ok. Bien joué. Ça va être compliqué. Je vous cache pas cette game. En fait, il y a une carte qui peut vraiment bien me sauver. J'espère la piocher. À moi de jouer. Ah, mais tu sais pas ce que j'ai en main. Tu peux taper tes landes. Bien sûr. À toi de jouer. Et c'est perdu. Ça m'aide pas. Quoique. Ah, c'est maintenant ou jamais, mon reflin. Hein. Non, mais ça va, je vais tenir. Bon, là, je vais... Stop, misplay, stop. Créature verte uniquement, je peux pas enchanter. Ah. Enchanter créature verte, effectivement. Puis alors, moi, j'y allais. En fait, cette carte-là est une carte rare, mais qui était à l'époque, mais qui était pas très bien. Alors. Et c'est vrai que là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je lui ai fait confiance. Il y a des gens qui sont au taquet. Bah, j'avoue que j'ai pas fait gaffe. C'est la dernière fois. C'était quoi, nananana? On recommence. Ah ouais, enchanté créature verte. Ah ouais, putain, heureusement que le chat est au taquet. Mais c'est vrai que mettre ça sur une bête avec le vol, ça aurait été fort. Bah ouais, ça me semblait bien. Je suis un petit peu déçu. Alors, on recommence. Alors c'est à ton tour. Moi, de toute façon, j'étais full tap. Ouais, je sais très bien, c'est cette carte. Bah, le problème, c'est que je n'ai pas de créature verte. Ouais, bah maison ou fais autre chose. Attends d'en avoir une. Ça vole pas, ça? Non. Voilà. Je prends 4. Ça, c'est bon. Fin de tour. Ok. J'ai pas le choix. Pioche. Donc, je disais quoi? Ah bah ça... Hein, ça refroidit. Même, hein. Ça refroidit un petit peu. Alors... Putain, le vaso 7-7, c'était bien. Hein. Je vais mettre 4 blessures sur ton ange. Je vais mettre un feu démoniaque qui met 4 blessures sur l'ange. Quoi ça ressemble? Feu démoniaque. Le feu démoniaque inflige X blessures à n'importe quelle cible. Si une créature ayant subi des blessures de cette manière devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc en gros, tu me tues. En plus, je vais pas dans la défausse. Acharnement. Si vous n'avez pas de carte en main, ce sort ne peut pas être contrecarré et les blessures ne peuvent pas être prévenues. Ce n'est pas la dernière carte que tu joues, donc t'as pas d'acharnement. Par contre, tu infliges combien? 4. Elle est morte. Alors, de toute façon, c'est un token. Quoi qu'il arrive, il aurait assez existé. Moi, comme j'ai joué un feu démoniaque, eh bien j'ai joué un rituel. Du coup, c'est une 2-4. En l'occurrence, elle, donc, du coup, va être 2-4. Tu sais quoi, les... Alors, ben, juste, on va pas le mettre. On va dire qu'on met pas dessus quand c'est pas des marqueurs. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Et comme c'était bien un rituel, eh bien j'ai du coup créé un petit token. T'as qu'à avoir des dés avec écrit plus 1 plus 1. Comme ça, on verrait la diff. Mais même, on pourrait croire que c'est des marqueurs plus 1 plus 1. Non. Ce que je dis, c'est que les dés avec les marqueurs avec le plus 1, ça servirait uniquement de marqueurs plus 1. Oui. Et les trucs qui ne sont pas des marqueurs plus 1, on mettrait des dés classiques. Ben, c'est toi qui commande. Hein, j'ai mis ça, et puis je vais passer en mode agro. Attends, je suis à 12, faut pas que je fasse le malin. Mais j'ai envie de faire le malin. Je trouve que sur le matériel TCG, alors je parle pas des styles évidemment, Game Genic régale, mais tout ce qui est truc pour clarifier le jeu, des dés, des tokens, des machins. On n'a pas tout ce qu'il faut. Je vais faire le malin avec mon dragon. Game Genic arrive sur Star Wars, ils vont proposer des trucs. Mais sur le reste... Est-ce que tu prends 2 points de dégâts ou est-ce que tu bloques avec un oiseau? Tu attaques ça qui fait 2, est-ce que je bloque avec un oiseau? Je prends 2 de dégâts. Oui. C'était la bonne réponse. À toi de jouer. Je pioche. Bon, il n'y a rien qui se déroule comme je le veux. Ça commence doucement à me casser les couilles. Ça commence doucement. C'est vrai qu'on a des Game Genic plus petits. Ouais, c'est vrai que ça pourrait servir. Mais... Des Game Genic plus petits. Ah, des dés plus petits. Ouais, ah, mais ça sert à rien, c'est illisible pour les gens. Oh, ça va, tu vois les 2 points. Hein. Bah, ils sont là-bas, si tu veux. Est-ce que j'ai envie de faire ça? J'ai l'impression que je viens de lui broyer les couilles. Donc on dit que c'est quoi? Donc on dit que c'est des modificateurs de points de vie et d'attaque. Donc, tac, Et en gros, on peut dire que si on les met là, bah, ça modifie l'attaque. Si on les met là-bas, ça modifie la défense. Tu veux qu'on fasse comme ça? Par exemple. Hein? Hop. On transforme en... 2-4. Une carte en... C'est clairement Hearthstone que j'ai pensé. C'est lisible ou pas? Non, en vrai, ça va. 2-4. Ça va, je prends. C'est quoi, je prends? Parce que là, vraiment, on voit que c'est quand même bien différent. Bon. On en a plein. C'est pas le problème. Bon. Merci pour l'idée. C'est intéressant. Ah, il se tâte, hein. 12. Ouais. C'est vrai que je peux faire ça. Je peux faire ça, mais je crois que c'est de la merde. C'est quand même très dommage. Putain, je suis à deux doigts de dire fin de tour, là. Ça me saoule, j'ai l'impression que tu vas me dire, mais non, mais joue tes cartes, Max. Ok, je vais jouer mes cartes. Ouais, si. Pour 6 plus 1, car j'ai convocation. Ouais. Je vais jouer un éphémère qui va chercher un truc. Pour 7, un rituel. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Garde tes cartes, Max. C'est vrai? Oh, ouais, c'est nul à chier. Bah ouais, c'est nul, mais j'ai là dans la main, gros, je suis en mode fin de tour. Je sais que c'est décevant, ça arrive. Ah, là, j'étais en mode, bon, je vais booster, je vais attaquer, je vais en tuer une, et puis l'autre, jamais je bloque. Soit tanké. Jamais je bloque, je m'en fous. Là? Bah non. Bah, tu bloques rien? Ah, je bloque ça avec ça parce que c'est gratuit. Et tu prends. Et derrière, tu mets 4 au vol, c'est nul. Bah ouais, mais tu prends déjà 4. Ça se fait que 8 points de vie. Ça, c'est censé te faire gagner la partie. Oui, bah sauf que pour le moment... J'ai plus rien, frérot. T'as pas eu de chance. Et en fait, c'est quand il te manque une bête verte. Et pourtant, il y en a plein des bêtes vertes. À moi de jouer? Bah ouais. Ouais. Ah, du coup, j'ai plein de mana. Je pioche. Alors, moi, bah du coup, je vais faire un petit peu mon truc. Pour une fois que je joue mes cartes et qu'il m'écarte tes cartes. Je vais commencer par faire une idée radicale. Ça va me permettre de piocher une carte. Et comme j'ai un éphémère de plus... Tu vois le principe. Oiseau. 3. Bah, au moins, je déroule mon deck. Ouais, bah toi, ça se passe bien. Tu feras le tien tout à l'heure. Je suis tout seul, là. Je pioche. Ensuite, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça, du coup. Je vais attaquer, je pense, direct. Relancer, c'est vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défonçant d'une carte en plus de payer ses autres coups puis exiler cette carte. Est-ce que j'ai envie de le faire, là, tout de suite? Non, je crois que je vais juste faire ça. J'attaque avec ma 3-4 et avec ma 1-1 vol. Ok. Comme je t'ai mis, 4 dégâts, je vais pouvoir faire un petit éclairer la piste et dire... Tiens, vas-y, tu peux la zoomer. Exiler les deux... Donc, pourquoi je joue pour 1? Parce que je t'ai touché... Enfin, t'as perdu des points de vie, ce tour-ci. Et donc, exiler les deux cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Comme c'est pas précisé face cachée, je vais te les montrer. Ouais. Si. Attends, c'est quoi? Exiler. Je suis pas censé voir ton exil. Si. L'exil, c'est face visible par défaut. Ah ouais? Ah oui, comme le site. J'ai récupéré 2 montagnes, donc c'est pour ça que j'ai bien fait de pas jouer ma montagne. Ouais. Donc ces 2 montagnes-là, je vais les mettre là pour l'instant. Et jusqu'à la fin de mon prochain tour, donc je pourrais la jouer celle-ci à... Ah non, tu as joué 2? Ah, c'est trop fort. Enfin, je vais du coup jouer cette montagne-là. T'as châté en plus. Je vais... T'as pris 2 cartes utiles du coup. J'aurais préféré avoir d'autres cartes. Hein. T'es content d'avoir du mana? Ouais, je suis content d'avoir du mana, je crois que j'aurais préféré avoir d'autres cartes. Ah, t'en as peut-être plein la main, d'accord. Je vais faire une saut de grenouille. Alors ceci dit, c'est... Montre-moi ça. Non, c'est nul. Ah, c'est nul parce qu'en fait, t'as des 1 vol de merde là. Je vais plutôt jouer ça. Jouer une prophétresse brûlante. Tu sais que tu peux les mettre dans ton sens. Comme j'ai joué éclairer la piste, j'ai un autre token et lui il a 3. Il a... Ah ben non, oui, ça, lui il a 4. Chaque fois que vous lancez un sort non créature, la prophétresse brûlante gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour, puis regard 1. Ok. Ça se passe bien, Rofellos? Tranquille, à toi de jouer. On fera une petite revanche. Exil est toujours visible sauf quand il y a marqué Exil face cachée. Ah, il était temps. Bon. J'ai fait de la merde un peu. Ouais. 1, 2. 3, donc j'ai joué mes deux blancs. J'ai joué... Attends, j'ai joué vert, blanc, blanc. Ok, maintenant il m'en faut 2 de plus. Je vais jouer ça. Et donc, pour 5, je vais jouer... Parce que là, on est d'accord, je ne pouvais pas attaquer avant, hein, je suis une salope. Je suis une salope. Je vais jouer ceci. Ah! Alors, c'est... Ah bah. Est-ce qu'on peut, hein? Phytohydre! Si des blessures devaient être infligées à la phytohydre, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle à la place. Ce qui est du coup très fort, puisque, en fait, elle bloque vraiment, c'est... Elle est, si elle est en jeu et que j'ai pas de bête avec le vol, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, à la place de prendre 5... À chaque fois, je vais tanker et boum. Ouais. Bon, c'est très, ça peut être très chiant. Ouais, mais... Genre si t'as un 14-14, ouais. Je suis là, je fais boum, 14. Ouais, c'est ça. Et en plus, je meurs pas. C'est fort, sauf que bah, ça n'a pas le vol. Ouais, bah, d'accord. Et puis, sur une carte qui dit détruire une créature ciblée, ça peut la détruire. Petite combo, hein, je vous l'ai dit, si jamais... mais ça vous parle. Cette carte-là, il y a une petite combo dans l'édition. Voilà, c'est un peu farfelu, hein. Enfin, même moi, je l'avais en scellé, je ne l'ai pas joué parce que c'est faut quand même avoir... C'est un combo infini. C'est un combo qui t'empêche de mourir. Pas mal. Bon, désolé, j'ai qu'une version... ah, c'est un truc qui la redresse? Non, j'ai qu'une version old school. Alors, le bouclier du paria. Allez, c'est cadeau. Toutes les blessures qui devront vous être infligées sont infligées à la créature équipée à la place. Ouais. Et là, si t'avais eu les deux, là j'aurais été dans la merde. Parce que dès que je te mets des blessures à toi, ça va sur elle, qui monte, qui grossit. Bon, tu vois un peu le principe. Bah en fait, une fois que t'as ces deux-là de poser, t'as gagné quoi. Bah non, parce qu'en fait, si j'ai un truc qui dit détruire une créature ciblée, détruire un artefact ciblé, bah, il faut les avoir. Renvoyer à la main une créature ciblée, bref. Il y a 1000 trucs pour la gérer, mais c'est vrai que si jamais je peux pas. Si jamais je joue rouge pur et que je peux pas gérer autre chose qu'en mettant des blessures, je passe un mauvais moment. Bon, j'ai joué ça, elle a le mal d'invocation, mes autres créatures ne peuvent pas attaquer, sinon elles vont se prendre des murs. Fin de tour. Je vais jouer mon terrain. Alors, t'es à combien? 12? Oui. T'as pris les points de vie tout à l'heure? Oui. T'as utilisé 6 mana. Non, c'est 5. Non, c'est 5. Donc ça c'est good. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. C'est good, elle coûte 5. Moi, eh ben, écoute, je crois que je vais faire ça parce que je manque un petit peu. Jardin du Temple, il me crée pas 2 mana, hein, il me crée 1 au choix. Je vais jouer un Charme d'Izzet. Ouais. En choisissant le mode suivant. Piocher 2 cartes, puis donc c'était un charme, ça veut dire qu'on a, je joue entre plusieurs trucs. J'aurais pu mettre 2 blessures à une de ses bêtes, je vais pas mettre 2 blessures à sa phytroïde, c'est quand même un peu con. J'aurais pu lui cramer un oiseau, mais c'est pas forcément le but. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 2 cartes et je vais m'en défausser de 2. Je t'ai mis le plan zoomé là, comme ça tu peux la placer parfaitement avant que je l'affiche. Ok, parfait. En détail. Je vais défausser 2 landes. Ok. 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 Je vais jouer un... Donc, alors, il est combien du coup mon dragon? Je crois qu'il a 5, puisque j'ai rajouté un truc. Et du coup, je trigger ça et ça. Donc, je vais mettre un oiseau en plus, qui peut pas attaquer. Et je vais dire que du coup, elle va gagner +1/+0, puis regard 1. D'ailleurs, c'était pas très mal à ma part, parce qu'en fait, avant de faire le charme... En fait, en gros, quand je joue le charme, la prophétesse, il y a son trigger qui va sur la pile au-dessus. Donc avant de résoudre le charme, j'aurais pu faire Scry 1. Tant pis, je ne l'ai pas fait. C'est my bad. Je vais le faire maintenant. Je vais les mettre ça en dessous. Et ce sera bon pour nous. Je vérifie quand même que j'ai toujours 5, mais je crois que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est vrai que j'ai le truc qui permet de relancer. Bon, ouais, je vais le faire. Est-ce que tu me casses la gueule? Oh oui. Je vais faire l'effet de relancer là. Pour 2, je vais faire idée radicale. Relancer, ça veut dire que je dois me défausser d'une carte. Et donc je vais rejouer ce truc-là. Par contre, elle va être exilée. Quand je fais ça, je recrée un oiseau parce qu'il y a ça. C'est lui qui crée des oiseaux? Ouais, c'est lui qui crée des oiseaux. Je vais regagner +1/+0, je vais refaire regard 1. Par contre, il y aura une carte de moins dans le cimetière du coup. Combien tu me mets? Je fais d'abord le scry avant de piocher. Je fais le scry et je vais la garder au-dessus, donc je vais la piocher. Ensuite, je vais décider de mettre, de renvoyer en ta main pour 1 cet oiseau, donc en fait il meurt. Et je vais piocher une carte, je trigger l'oiseau. fais confiance sur le... Je trigger... donc ça, je trigger ça qui donne +1/+1, donc elle a +4. Et normalement, au cimetière, j'en ai un de plus. J'attaque avec ça, ça, ça. Là, ça lui donne des +1/+1. Ça, c'est nul à chier. Ça, ça. Et j'en ai créé combien aujourd'hui? Oh, c'est nul à chier. J'ai créé 3. Parce que tu as +4/+4. Oui, mais tu as bloqué avec ta fitroïde, je suis pas con. Ouais. Hop là. Et du coup, j'attaque avec tout ça. J'attaque avec tout ce qu'ils veulent. Tu mets 1, 2, 3, +5, 8. Bon, la messe est dite, hein, je crois. La messe est dite, ça sert à quoi de tanker? Rien du tout. Hein. Je garde un oiseau parce que je suis en mode, on sait jamais. On fait la 2. On fait la 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on va aller au bout. Tu vas aller au bout? On va aller au bout parce qu'on sait jamais. C'est à moi de jouer? Ouais. Ouais. On va voir. Ouais, j'aurais aimé avoir ça vraiment plus tôt. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 6 manas. J'ai 6 manas et je peux rien faire de spécial à part ça. Et en fait, j'ai pas eu... Là où tu sais à quel moment tu m'as baisé, donc effectivement, bravo, tu as gagné, regarde. En vrai, je pense que tu m'aurais... Si t'avais pu faire ton +6/+6 sur ta... sur ton... Oui. Désolé, je connaissais pas assez la carte. Avant, c'était une rare, mais j'ai jamais été joué. Si j'avais fait le +6/+6, je pense que t'étais baisé. Et il y a un autre truc aussi. Si j'avais eu effectivement une créature verte plus tôt, et en fait il y a un moment où je pouvais faire quelque chose d'intéressant, et en fait mon ange là, tu l'as tué, ouais. Ça passe à mon tour, ouais. Et là je pioche un truc qui permet de peupler. Mmh. J'étais en mode, ah j'aurais bien aimé avoir 2 anges 4/4, oui. Et en fait au moment où je peuple, j'ai que des oiseaux de merde et je suis en mode bah super. Ce qui pour... Là où pour moi t'as misplay, c'est que t'as joué ce truc là sur une de mes 2/2 de merde. J'étais en mode, je sens qu'elle va me faire chier cette carte, je m'en débarrasse. Ça aurait pu, mais... Je les connais, hein, les cartes qui démarrent. Je suis une 1-1, je vais devenir une 18-18, je suis en mode, allez, ça dégage. Bon, écoute, on soit bien d'accord, mon deck n'est pas du tout sorti comme il aurait dû. En fait, j'ai bien fait de te niquer ça, parce que t'étais en mode, c'est pas ouf, machin, tout ça. Si tu avais commencé à me pondre des 1-1 qui étaient vertes, t'aurais posé ton +6/+6 dessus. Ça a fait la game, hein, le fait que je gère ça. Hein, parce que vraiment, sinon, c'était une autre paire de manches. Parce que moi, je gère pas les 7/7. Hein. Dans ce jeu-là, il est bien pour mettre des petits dégâts. Alors, j'avais abrogation, ce truc-là que je t'ai joué, qui permet de gérer pour un token. Un mana X, d'accord, dans la main de son propriétaire. Et X, c'est quoi? C'est ce que tu joues là-haut, d'accord. Donc en fait, comme les... cher. Mais non, zoom. Zoom sur abrogation. Renvoyer un permanent au terrain ciblé et une valeur de mana X. Donc si c'est un token, il y a une valeur de mana 0. D'accord. Donc tu joues juste un bleu, terminé. Pour un bleu, je tue du coup n'importe quel token et je pioche une carte. C'est pixel contre toi, mais il fallait que je le pioche, et c'est ça que quand j'ai commencé à te laisser faire là, c'était ça qu'il fallait que je pioche, je l'aurais pas eu à temps. Ok, hein. Ouais, ok. Tu me mets en fait, le truc c'est ça, c'est que moi il fallait que je grossisse sur des petites merdes, et tu m'as tué toutes mes petites merdes, donc je suis en mode bon bah super. Ok, bien joué. Alors mon ressenti sur cette game. Bah, t'as une frustration de dire au bout d'un moment, t'as une carte que tu peux pas jouer. Faire, quoi. En fait, j'avais que dans la main, j'avais que des trucs qui coûtaient 7 de mana et que je pouvais même pas jouer sur mes trucs. Je suis là, bon bah. Go next. Hein. Allez, jouons vite. Allons-y. Revanche. En revanche, c'est parti. Et là, on a repassé à 20 directement. Ouais. Ça, c'est beau. Allez, je te fais confiance. Sur le fait de bien mélanger? Oui. Je vais garder. Ouais, tu peux jouer. Je suis le plus grand mélangeur de France. Donc ouais. Je n'en doute pas. Pas de danger. Je n'en doute absolument pas. Bon. Est-ce que je peux jouer à Magic? Hop là. Ah voilà. Ah voilà, là on joue à Magic. Ah bah parfait. Bah vas-y, commence. Allez. Tu commences encore? Ouais. Allez, tu vas commencer toutes les games. Il est beaucoup trop confiant. Tu commenceras toutes les games. Il veut juste pas m'entendre râler en fait. C'est ça. Non, c'est juste que je sais qu'en fait commencer un avantage. J'ai un avantage parce que je joue à Magic depuis longtemps et parce que j'ai fait les decks, donc en plus je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Donc tous les jours tu poses une plaine fin de tour à toi. Ok. Moi je vais poser une montango. Je pioche. C'est quoi? Si ah, merde, fais ça, ça fait ça, et ça fait ça. D'accord, d'accord. Je crois que ça change rien. J'ai envie de remélanger ma main. Je pose une plaine, et pour deux, je pose un cachet de Selesnya. Oui. Qui pour un me permettra de créer un mana de chaque couleur. Tout à fait. À toi de jouer. Ça permet de ramper. Il y a un cachet dans chaque deck. À moi de jouer, je draw. T'as le droit d'en mettre qu'un? Bah dans comment dire, dans la formule que je me suis en formule Singleton, c'est vrai. C'est bien le Singleton. Ouais, en fait, en plus, ce qui est bien, c'est quoi? C'est des petits decks de 40 cartes, mais au moins ça permet de voir des cartes un peu différentes. Tu l'as bien relevé. Je vais mettre la petite prophétesse qui n'a pas eu le temps de faire grand-chose tout à l'heure, mais qui en vrai est plutôt sympathique. Et on commence à la connaître. Puisqu'elle permet de se booster et de regard. Ça, c'est fort, le regard. À moi de jouer, et je vais désormais poser... ceci, elle arrive engagée, c'est la porte de la guilde de Selesnya, donc elle peut créer du vert ou du blanc, mais elle arrive engagée. Ouais. Et actuellement, je peux donc avoir 3 manas. Exactement. Pour 3 manas, qu'est-ce que je te mets? Ah, c'est bien. Je vais commencer par engager le cachet de Selesnya pour créer du vert et du blanc et poser un Birds of Paradise. Oui, bon, il arrive un peu tard, mais on est quand même content d'avoir ce petit Bird Fall que j'ai pu récupérer donc, dans un deck Ravnica Remastered. Bird, qui est une carte qui a 30 ans maintenant, hein, et qui peut ajouter une mana n'importe quelle couleur. C'est franchement, c'est une... souvent imité, rarement égalé. Enfin, 0-1, incline-le, ajoute un mana n'importe quelle couleur, qu'on soit bien d'accord. C'est une créa que je vais mettre là, et tu sais que tu peux la tuer, quoi. Tu veux. Parce qu'en vrai... je vais jamais faire autre chose que de faire du mana, si. Si je fais une tu lui mets plus 6, plus 6, t'as une 6-7 vol. Pas sûr d'avoir envie de mettre plus 6, plus 6 sur une 0-1, quoi. Vol, c'est trop bien. Oui, elle vole, d'accord. J'en ai d'autres qui volent. Justement, ce serait parfait. Ok, ok. Si tu l'avais eu tout à l'heure, l'oiseau, il aurait été l'autruche de paradis, quoi. En plus, même pas, parce que... en fait, elle vole, mais si je mets plus 6, plus 6, ça veut dire que je vais vouloir attaquer avec. Ouais. Et du coup, je peux pas l'incliner pour créer du mana. Certes. Mais si déjà t'as mis 6, non, mais enfin, comment dire, c'est pas impossible. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est pas son but premier. Tiens. Son but premier est de le mettre tour 1 pour pouvoir faire tour 2. J'ai déjà 3 manas. J'aurais aimé, je suis une salope pour le moment. J'y vais. Ouais. Tu m'as pas mis des elfes de Lianoir? Il y en a pas. Il y en a pas dans cette extension. Alors. Il y en a pas. J'aimerais bien, mais il y en a pas. Remarque, ça, c'est encore mieux. Je vais jouer idée radicale. Quand je lance un sort non créature, je vais d'abord faire Scry 1. Je vais mettre ça en dessous, et je veux bien piocher un land, s'il vous plaît, merci. Ça, c'est là, et je vais du coup poser le land. Il a 2-3, je te mets 2. Attends. Fin de tour. À moi de jouer, je redresse mes manas. Et mes petits amis. De toute façon, mes petits amis. Je pose cette unique lettre E ici. Ouais, ça peut être rigolo. Et je joins ensemble. Ça peut être rigolo, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Bon, allons-y. Dans un premier temps... dans un premier temps... donc là, je peux avoir... ouais, je vais les associer. Je peux avoir 1, 2, 3, 4 manas. Ok. 5. Wouh! Grosse fiesta. Ah bah ça rampe, hein. Ouais. Il y aura des tournois / matchs en commandeur multi ou duel sur les créneaux Magic. Et oui, on fera tout. On fera tout. En fait, c'est pas compliqué. Quand vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura ça sur cette chaîne et que ça, c'est du TCG, il y en aura. De toute façon. Ok. Blanc-vert, vert-blanc. Oui. Et bleu. Parce que j'ai le droit. T'as le droit, Et je pose une phytohydre. Une phytohydre, mes petits amis, qui arrive sur tour 4 et qui me calme un peu mes ardeurs, si je peux me permettre. Parce que là, elle arrive effectivement à un moment... elle peut être un peu chiante. Bah, c'est une 1-1 pour le moment. C'est une 1-1. Mais juste, en gros, tu peux plus attaquer. Bah, tant que t'as un qui vole, t'attaques. C'est vrai que ça me calme. Ça calme le sol. Bien joué. C'est la reine du sol, la phytoïde. J'arrive avec la reine de l'air, t'inquiète. Oh, je m'en doute. Alors... j'aime bien le jeu, quand même. Mais oui, ça passe bien. Je vais faire une recherche compulsive. Ouais. Un joueur ciblé, ce sera moi, pioche 3 cartes. Ce joueur se défausse ensuite de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte de terrain. Je vais d'abord faire un scry. Je vais garder ça là. Puis je vais faire donc recherche compulsive. 1, 2, 3. Je vais défausser une porte de la guilde Izzet, donc je n'ai que un terrain à défausser. Je vais mettre un rouge, et pour un rouge, je vais te mettre 2 blessures sur ton bird. On n'en parle plus. Ok. J'attaque? Non. À toi de jouer. Je t'ai fait confiance, mais on est d'accord. D'ailleurs, quand je joue, quand je joue molestation, je vais faire un scry. Tu m'as évidemment pas attaqué. Je vais garder. À moi de jouer. Bon bah le bird est bolté. Hein. Oh, il a fait son taf. Hein. Il s'est fait fumer sa mère. Bolt the bird, effectivement. Le fameux. Attends, j'ai pris mes dégâts moi. Non, tu m'as pas mis de dégâts, t'as juste une créature. Ouais. Enfin, ouais next. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te mettre là? Moi tout mec. Ok, on va tranquillement garder ça. Et nous allons... 1, 2, 3, 4. Ah, quoique. Mais alors du coup, oui. Je peux attaquer. Bien sûr. Merde. Sauf que tu vas pas défendre, je vais te mettre 1 et elle sera engagée, elle pourra plus défendre, c'est de la merde. Donc je la laisse comme ça. Il faudrait que je... Putain, une phytohydre avec vigilance. Ouais, c'est hein, relou, hein. Relou, relou. Bon. Allez. Pour 4, je vais faire ceci. Oh, c'est bien ça. Créature, chevalier, c'est une 4-4, elle a vigilance et quand elle meurt... Quand elle meurt seulement, elle créera 2 jetons de créatures 2-2, vertes et blanches, elfes, chevaliers avec la vigilance. Donc en gros, quand elle meurt, elle se divise en deux. Exactement. C'est une hydre. Allez, voilà. Ouais. Ouais. Je vais les mettre de côté. Et une 4-4 vigilance que j'ai pas envie de tuer, ça commence à être un peu relou, mon cher Maxildan. C'est vrai, à toi de jouer. Là, en vrai, t'aurais peut-être pu attaquer. Parce que ce truc-là est tellement chiant. À moins que je la bounce, mais... Là, commencer à me gratter de 1, ça me semble être ok. Bon, c'est bon, vas-y. C'est au cas où tu me dis, bah je tue ça et je te rentre dedans. C'est vrai, c'est vrai. Surtout sur un deck rouge-bleu. Non, parce que tu vois, si je te tue ça, t'as 2-2-2 en fait. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est que si jamais je peux te la bouncer éventuellement. Ouais. Ça va. Mais je pense que la phyto, au bout d'un moment, faut qu'elle y aille. Ok. Je vais jouer les cartes, ça c'est sûr. J'ai vraiment pioché pile de quoi. Oh, l'enculé. Oui, mais non, bah, du coup, t'as fait de pas attaquer avec ta vidéo. Ouais, bah voilà. J'ai vraiment un truc qui fait ah bah ça marche. Bon, mais bon, ça va pas pour tout de suite du coup. Non, bah là, on va tranquillement se, se détendre dans un premier temps. Je vais mettre. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Je crois que non, hein. Je vais faire ça et ça. Je vais mettre un conduit de vapeur engagé, je vais mettre un guilmage d'Izzet, tu l'as vu tout à l'heure, et je vais mettre un électromancien gobelin qui va juste avoir faire en sorte que mes sorts d'éphémère rituel que je lance coûtent 1 de moins à lancer. Ok. Pour l'instant, pardon. Fort. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est contrairement à l'autre game, on va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux, et au bout d'un moment, bah. Alors là, tu m'as fait peur, parce que du coup, j'ai plus envie de t'attaquer, avec ce que t'as dit. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Hâte de voir sur Star Wars Unlimited. Eh bien, ce sera en mars, voire peut-être avant. On verra. Et oui, on va tout faire. On va tout faire. Il y en aura pour tous les goûts. Si vous aimez bien le TCG, tous les jeudis et dimanches soir. On est rare. Merde, Simic. Je vais vous lire un petit peu. J'aime tellement Magic, ça me donne envie de rejouer mon Niv-Mizzet Commander. Ah bah parfait. En plus, là, je joue Izzet, donc ça doit être motivé. Ouais. Je crois qu'on va faire ça. C'est bien. Ok. Écoute, j'attaque avec tout. Il lui a poussé des couilles pendant la nuit. Écoute, bah j'ai pris 5. Hein. Ah! Bah ouais, parce qu'en fait là tu me fais un peu peur, je veux dire. C'est bien. Tu as pris 5. Très bien. Et ben, du coup, je vais faire 1, 2, 3. Et je vais jouer ceci. Et je vais créer un jeton créature de 2, verte, blanche, ouais. Elf, chevalier, vigilance. Ça marche. J'ai l'impression que tu vas me jouer beaucoup d'artefacts et d'enchantements. Enfin, enchantements, si, mais. Non, non, mais j'ai pas grand chose. En fait, ça permet de casser. Sur la convocation, t'aurais peut-être pu engager lui pour avoir. Si jamais t'avais besoin d'avoir 2 manas pour jouer quelque chose. L'avantage de la vigilance dans ce jeu-là, c'est que du coup, tu peux attaquer puis après faire la convocation. Oui. T'as une petite 2-2. En fait, pour l'instant, de toute façon, ça passe. Bon, ça, non, ça va se prendre ça, mais. Ok. De toute façon, tu as besoin d'avoir plein de bêtes. Là, comment ça, tu peux attaquer pour faire la convocation, c'est-à-dire bah là, tu as pu attaquer avec ça. Oui. Et puis, si ça, si... Parce qu'il y a la vigilance. D'accord, bien sûr. Ça. À moi de jouer. À toi de jouer. À toi de jouer. Et bah, c'est parti, Yugi. Je joue. Pas mal. Bon, il me fait chier, lui. Hein. En fait, j'ai pas mes petites bêtes vol de tout à l'heure. Ah. Ça change un peu tout. C'est moins le malin quand il. T'as pas son dracon de merde, là. Ouais, c'est vrai. Alors, je vais remettre ta copine Mystique Bruissant. Il faut que je la tue, hein, ça te fera les pieds, ça. Faut que je la bute très, ça te fera les yep. Et en vrai, bah, ce sera une fin de tour, hein, parce que je peux pas faire grand-chose avec ta 4-4 de mort, là. Attends, on va gérer ça. Ouais. 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 J'avais pas déjà des trucs verts, si. Ouais. On va faire ça. J'attaque avec tout. Donc, ça va engager, ça attaque comme ça. Ok. Ouais, je t'enlève. Qu'est-ce qu'il a qui booste ce con là? Je mets 1? Ouais. Je suis tombé dans ton piège. Oui, évidemment, mais bon, tu t'en doutais. La oui, question, mais bon, c'est qu'est-ce que je fais? Alors, parce que j'ai tant de possibilités. Ça, c'est mieux. Et je crois que c'est le meilleur play. Ok. Ça, c'est ce qui me fait le plus chier, on est d'accord? Oui, 100%. Je te l'ai un peu offert, mais en même temps, j'ai pas envie de me prendre 4 non plus. Quoi. Ouais. Et elle, juste, elle s'annule, donc elle reste. Bon, je crois que ça me va. Je vais faire ça pour 2. Je fais assurance. Mais plus 1. C'est fort. Et indestructible. Bon, indestructible me sert pas, mais... Ouais, mais ça te permet de bien jouer, hein, ça permet de mettre... En plus, un marqueur, ça hein. Un marqueur plus 1, ouais. Ouais, donc là, du coup, ça reste. Ça. Ouais, ça reste. Ouais. Et elle est indestructible jusqu'à la fin du tour, mais bon, là, ça ne servira plus. Et là, les deux s'annulent. Bien joué, bien joué. Ce que je pouvais faire mieux, je crois pas. Je crois pas pour le moment. N'hésite pas, dès que tu peux, à faire quoi? Garder du coloré... Garder du coloré pour... Du bicolore. Enfin, ouais. Il faut vraiment taper en priorité les... D'accord. Ouais, sauf qu'en fait, je dois incliner ça pour faire un double. En fait, tant que je garde ça, c'est pareil pour moi. Certes, mais... C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Parce que sinon, en général, je garde du bicolore, bien sûr. Là, ça ne change rien. À moi de jouer? Bah, j'ai attaqué. Et je vais garder ces 2 de mana. Ok. Bon, faut que je fasse maintenant, sinon je vais me faire ouvrir. Donc, j'arrive en fait. J'arrive. Réfléchissons. Je vais faire comme ça, je pense. Je vais, mon cher Maxildan, faire un feu démoniaque à x égale 5. Tiens, vas-y, bah... Bon, vous l'avez commencé à connaître, le x égale 5. Alors, enfin, feu démoniaque à x égale 5, d'accord, on l'a. Sauf que... Donc, tu me tues ça. Alors, attends, je réfléchis. 1, 3, 4, 5, x... De toute façon, ça changera. Hein. Baiser, donc en fait il vaut mieux que je mette ça. Avant je vais mettre une île, mais en gros ça revient même. Je vais donc faire un rouge. Alors, en gros je paye x égale 5. Sauf que je paye que 5 parce qu'en fait l'électromancien fait que les sorts coûtent 1 de moins à jouer. Donc j'ai bloqué x est égal à 5 pour payer 6, je paye 1 de moins et du coup j'ai bien payé 5. Et comme tu l'exiles et que tu ne l'avais pas en défausse, du coup elle ne sort pas, elle est exilée et donc elle ne crée pas. Cette créature subit des blessures de cette manière, devait mourir ce tour-ci, exilale à la place. Donc sinon, sinon ça aurait été compliqué. Ça dégoûte. Quand j'ai fait ça, je vais avoir plus 1 plus 0 ici et je vais faire un regard 1. Je vais garder cette carte-là, comme ceci. Puis, je vais... Maintenant que j'ai fait ça, j'ai donc une 2-3 ici. Ouais. Je vais attaquer avec ma 2-3. Ouais. Je crois que j'attaque avec tout, en fait. À 18, je réfléchis. Si tu me tues une carte, je m'en fous un peu. Ça, c'est sûr. L'autre, je crois que j'ai un peu envie de le garder. C'est 2 ou moins. Bon, je m'en branle. Ouais. Boum! Donc là, tu mets 2, 2, 2. Ouais. Tu peux en tuer une si tu veux, tu peux faire ta vie. Donc est-ce que j'en tue une mais que je perds ma créature ou que je dépense mon mana? Ou est-ce que je prends dans la bouche? Dans la chebou, directement. Je prends dans la bouche, c'est à moi de jouer? Non. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Tu prends du coup... 6 et je vais jouer 1, tu as fait ton truc de rouge là. Ouais. Je suis à combien? Je peux me permettre ou pas? Je l'écarte. Je suis à 14. Ouais, je vais me permettre. Ouais, éclairer la piste, du coup, comme je t'ai mis une blessure, ouais. Je vais exiler les deux cartes. Alors avant ça, ça trigger ça. Donc ça met, ça fait regard 1. Je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Et du coup, je vais t'exiler les deux cartes. Abrogation qui détruit ce qu'il veut et éclair chercheur qui inflige 4 blessures à une créature ciblée et à chaque autre créature ayant le même nom que cette créature. Ouais, ça va. Ah, c'est bien pour tuer plein de tokens. J'ai l'impression que c'est un peu mon counter ton deck quand même. Peut-être sans le vouloir. Ah, parce qu'il y a ça? Bah, t'as plein de trucs qui niquent des tokens. Abrogation, et abrogation, c'est vrai. J'en ai qu'un. Hein. Ça, c'est vraiment le compte. Enfin, t'as mis ça là, mais... Ça, c'est vraiment le compte de mon deck, quoi. Mmh. Peut-être pas faux. Ouais, c'est peut-être pas faux. Si, si. C'était pas le but. Non, je me doute bien que c'était pas le but, mais j'ai l'impression que j'ai aucune chance. Mais à part ça, on est bien. Ça va de jouer. C'est cool. J'ai l'impression que j'ai aucune chance, mais à part ça, on est bien. Bah, c'est vrai. Non. Tu peux m'enlever dessus, mec. Là, tu pioches le truc qui met plus 6, plus 6, là. Ah, ah, 12 tours qu'on l'attend. Putain, j'en avais au début, hein. Et puis après, plus rien. Ok. Alors... On a 5 mana. On a 5 de mana. Bon là t'as plus rien, je peux un peu te rentrer dans l'urètre. Ah, tu peux y aller. T'allais dire dans l'urètre. Tu peux, ouais, tu peux aller où tu veux. Vraiment. Ok. Va où bon te semble. Je réfléchis. Je réfléchis... J'attaque avec ça, c'est sûr. Oui. Je mange pas de pain. Puis, je... Et puis, je fume. Rof, tu peux lancer l'abrogation. Non, je peux pas parce qu'il me faut un bleu. J'ai pas un bleu. T'es à 12, je suis à 12, fin de tour, à toi de jeu. Ok, on t'a pas attaqué avec la phytohydre. Ok, non, ça marche, je comprends pourquoi. Donc le mec a râlé en disant oui, j'ai du mal là, il fait rien. C'est louche cette histoire. C'est louche. Ok, ça c'est dans mon exil, je peux jouer à ce tour-là et après ça disparaîtra à jamais. On va commencer par faire une abrogation pour 1. Ça me paraît bien. Donc, je veux mettre ça là-dessus. Une réponse. Oui. Pour 1, 2, 3, je vais faire défense née des racines. Ça marche pas. Comment ça marche pas? Je veux pas la détruire, je veux la renvoyer en ta main. Ah, tu veux juste en créer une autre? Peupler? Oui, tu peux peupler. En fait, j'ai encore une main de merde. C'est pas possible, t'as 1000 cartes en main. Pourquoi tu joues pas ça? Non mais, bah parce que en fait c'était soit au tour d'avant je faisais ça. Oui. Non mais là, en mode j'essaie de te baiser à ce temps-là. J'ai essayé de te baiser à ce temps-là. Mais là, en gros, t'es en train de me proposer un truc qui va mettre. Qui va juste mettre une 2-2 vigilance. Mais je pensais pas que t'aimes la bounce. Il était là depuis tout à l'heure le truc. Oui, mais j'ai pas lu ta putain de carte. Je croyais que juste tu me détruisais, je savais pas que tu bounçais. Mais non, je joue ça à ton tour. Oh, j'ai pas le temps de lire toutes tes cartes à l'envers. Il est gentil lui. Oh, bah alors, tu connais pas tous les sets de Magic depuis 23 ans. Il faut lire. Bon, là évidemment que tu mettais une 3-3 vol. Bah ouais, mais bon, ça me coûte tout quoi. Enfin, ça me coûte tout. J'étais en mode d'acheter full tap, plus ça. Non, plus ça. Non, ouais, plus ça. Et j'étais en mode, bon bah voilà, j'ai ça. Ouais, t'as une 3-3 vol. Bah, ça me fait bien chier une 3-3 vol, hein. J'ai des 2-2 de merde, moi. Hein. Oui, d'accord. Regarde ça en ta main. Ouais. Bon, donc, à mon tour. Je me suis dit, il va essayer de me buter un truc. Je vais non seulement l'empêcher de le buter, mais en plus en créer une autre. Ça me semblait être pas mal. On sait pas que t'allais boule. Lui, il croit que je connais toutes les cartes. Mais en fait, si tu connais pas, tu lis. J'ai pas le temps, on est en émission. Regarde, t'es comme ça. Là, j'aurais dû faire ça. Dans ce cas-là, il faudrait qu'on joue avant l'émission. Pour pouvoir tester les decks. Ah, comme ça, je connais tous les decks. Ok. Je vais. Tu te rends pas compte, toi, tu connais tout par cœur. Mais... Je vais te mettre ça en. Donc dégage-le. Ouais. Puis, comme j'ai fait ça, je vais trigger ça. Donc elle a plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et je vais scry avant de piocher. Je scry. Courage, Max. On a déjà vu la carte au match d'avant après. C'est vrai. Mais déjà, au match d'avant, j'avais pas tilté qu'elle bounçait. Il m'a fait boum, ça dégage. Bah, j'ai dégagé, tu vois. Je vais la garder en. Je vais la. Piocher ou pas? Je sais pas si c'est bien de la piocher. Non, autant avoir une carte active. Je vais la dégager et je vais piocher du coup cette carte-là. Ah non, je vais poser une Lilo qui leur a 2, ça va le calmer. De quoi? Je vais poser une Lilo qui leur a 2, tu vas voir. Moi, faire le malin. Ok, ça c'est good. Ensuite, je vais payer 1. Je vais jouer pour 3 mana, ça me coûte un de moins. En fait, ce qui m'a fait hésiter à poser ça. Ça sur ta bête. Du coup, elle meurt. Ouais. Ça fait bien le coup de la poser. Bah, c'est mieux que de mettre une 2-2 de mort qui aurait pu mourir tout pareil. Ok. Moi, je l'ai pas posé parce que j'étais en mode ça coûte le bout de la terre et c'est qu'une 3-3, il va s'en débarrasser comme ça. Donc, j'étais en mode je préfère le surprendre. J'ai 3 ici et je vais faire un scry. Scry d'une carte. Vous êtes témoin. Il va dégager. Il m'a dit bah, évidemment qu'il faut faire ça. Et il me fait jouer un truc pour juste me casser la gueule mieux. Là, j'ai encore moins de cartes dans les mains. C'est super. Hein. Il me fait rigoler. Mais le problème, c'est qu'à cause de ton hit de merde, vous savez quoi? En plus, tu viens de me la buter avec la carte qui était en... ici. Oui. Oui. Donc en fait, si je l'avais pas posée et que j'avais attendu le tour d'après, t'aurais pas pu. Donc j'aurais pas dû la poser, j'avais raison. Qui peuvent permettre de gérer ta merguez. Ta merguez. Je vais... tu sais ce que je vais faire, là? Vas-y. Je vais y aller en mode touchousse. Ah oui, casse-moi la gueule, t'as gagné. Je vais y aller en mode touchousse et je vais attaquer avec... Par contre, j'ai encore pas une mana. Hein, tout. Garde ça en ta putain de... Mais j'ai pas fini. Je rentre t'attaquer, là. En fait, sois un peu avec moi. Bah, je suis avec toi, mais là, tu vas infliger X. Je vais en tanker 3 et après, fin du buzz. Donc, t'en tank 3, ta bête devient 4-4. Ouais. Tu prends... 4. 1, 2, 3, 4. Et donc? Puis, comme t'as pris 4, je vais pouvoir jouer pour... un. Alors, du coup... T'as encore un truc qui... Comment ça s'appelle? Cette fonction de mort, là? Pistage là? Ouais. Enfin, c'est quoi? Relancer? Non. Voilà. Je cherche. Cette merde. Spectacle. Ouais. Je vais faire une lanterne chromatique qui me permettra d'avoir du mana en gros. Je vais l'engager pour avoir du rouge. Ah, attends, c'est la première fois qu'on la voit. T'as raison, t'as raison. Ne nous emballons pas. À défaut de me voir gagner, on va au moins voir des cartes. La lanterne chromatique. Les terrains que vous contrôlez ont. Ajoutez du mana de la couleur de votre choix, trop fort, enfin Ça sert pas à grand chose. Ça évite. Ouais. Bah ça, en fait, ça. Moi, j'ai des cartes qui coûtent 3 bleus, 3 rouges, ça peut être intéressant. Ah, d'accord. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix en plus. Donc ça crée un mana et en plus, ça fait que tous tes manas sont multicolores. Ouah. Sympa. C'est sympa. Et je vais la jouer. Donc, et pour un, je vais faire embrocher les critiques qui fait la même chose que tout à l'heure. Sauf que ça te permet de mettre 3 blessures. Donc pour un, embrocher les critiques inflige 3 blessures à n'importe quelle cible, sauf qu'elle a 4. Ouais, parce que je la cible pas, je cible toi. Oui, d'accord. Je vois le touchous, effectivement. On n'a toujours pas assez de mana pour jouer ce qu'on a en main. Voilà, le mana, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a des trucs à 6? Ah non, hein. Toujours des petites salopes, je crois. Hein. Je crois que le mieux qu'on puisse faire, histoire de dire on fait un truc, ouais, c'est qu'on va jouer ça. Voilà. Pour 6, et donc x égale 3, et puis on va voir ce qu'on fait. Hein. Parce que bon, ça va bien, 5 minutes. Ça, par exemple, en éphémère, c'était mieux. Bah oui, mais... En fait, je connais pas mon deck. Donc là, je vais aller chercher un truc à 3, je sais même pas ce que j'ai à 3, tu vois ce que je veux dire. C'est très dur à jouer quand tu connais pas. Pas facile, la carte, c'est pas facile. Toi, tu connais, donc t'es en mode, ah bah non, ça sert à rien, bah qu'est-ce que j'en sais, moi je vais chercher un truc qui coûte 3. Parce que j'ai que 3 de mana. Tu sais, j'ai même pas... En fait, pourquoi jouer en éphémère c'était bien? Parce que du coup, ça pouvait dire que tu pouvais, bah déjà, tu pouvais me trickser, entre guillemets, et tu aurais pu engager la phytoïdre à mon tour. Donc ça te faisait. Ça engager fait, la phytoïdre à ton tour? Bah parce qu'en fait, comme ça a la convocation. Oui. En fait, si t'attaquais pas là, et que t'étais en mode je vais chercher un. À mon tour, moi. Donc je fais quoi? Je fais je défends. Ouais, alors. Et après, en éphémère, je l'engage. Ouais, alors t'aurais pas pu. Si tu faisais ça, t'aurais pas pu. Du coup, défendre avec le truc que tu vas chercher parce que t'as qu'une phase où tu défends. D'accord. Par contre, t'aurais pu dire, moi je te dis, ah bah tiens, t'as qu'une phytoïde de merde, j'attaque avec tout ça. Et là, tu faisais en éphémère, chercher un truc à 3. Il n'y a aucun intérêt de le faire en rituel, à part le fait de pas te faire contrer. Et en vrai, je peux aussi avoir des contres. Et là, le twist, c'est qu'il n'y a pas de créa à 3. Si! Tu peux en prendre une à 2 si tu veux. Ah, je peux prendre un moins, oui. Ouais. Jean qui a l'épogée d'être verte. Il n'y a pas de créa à 3, donc il faut que je prenne une créa à 2. Ok. Je regarde ce qu'il y a, hein, désolé. Ouais. Il n'y a pas de créa à 3, il n'y a pas de créa à 3. Ah, c'est vraiment un deck de musclore. Hein. Ah ouais. Un deck de musclore, malheureusement, j'ai pas eu de mana. Donc j'ai pas trop pu jouer. Ok, j'ai ça. Et je crois que le reste, je vais me faire foutre. Je crois que c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de créatures dans ce deck, je trouve. En fait, il y a beaucoup de spells qui te permettent de mettre des créatures. Ah oui, c'est possible. Je vais devoir mélanger. Alors non, je dois d'abord choisir ce que je joue. Je sais même pas pourquoi je fais ça, parce qu'au final, je crois que tu me tues quand même. Hein, mais bon. Ah, ça peut m'intéresser en vrai. Ouais. Je crois que ça m'intéresse plus de prendre le guide mage de Selesnya. Bon, je vous le montre, histoire que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il fait. C'est une 2-2, mais surtout, je peux créer un jeton de créature 1-1 vers sabre au pion pour 4 mana dans un vert. Et les créatures que je contrôle gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour 3 mana et un blanc. C'est, comment on dit? C'est quand ça peut tout faire. C'est versatile. C'est versatile, voilà. Et c'est mieux que l'autre, à ce stade du jeu. Je vais remélanger mon deck. Et est-ce que j'attaque avec quoi que ce soit? J'ai l'impression que là, je suis dans une phase où je veux défendre. Oui. Donc je vais rien faire. À moi de jouer. Alors, c'est le moment où je vais faire un truc un peu rigolo. Ouais. Attends, j'incline tout mon mana. Vas-y. Eh, casse-moi la gueule, gros. Ouais. Alors, comment je vais faire? Vas-y. Bien, je vais jouer la seule carte qui me reste en main. Qui est la suivante. Alors, est-ce que ça suffit? Oui. Ah, tu peux la zoomer. Oui, bien sûr. C'est important. Tu peux dans ton sens, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Maîtrise de Mizzet. Exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière. Pour chaque carte exilée de cette manière, copiez-la et vous pouvez la lancer la copie sans payer son coût de mana. En gros, je vais prendre une carte de mon cimetière et je vais la copier. Un truc qui fait 3 dégâts et tu vas la faire en x2 sans payer la deuxième itération et tu vas tout mettre dans la gueule. Non. Ce que je vais faire, c'est que en fait, j'ai fait la surcharge parce que j'ai de quoi payer 8 mana grâce à ma lanterne chromatique. Ça fait quoi surcharge? Ça prend, en gros, ça remplace le fait que ce soit ciblé par toutes. Donc je vais prendre toutes les cartes de mon cimetière, je vais te les mettre dans la gueule. Voilà. Ouais, d'accord, ok, bon, t'as gagné. Alors, pas les... Voilà, mais... Donc, en gros, j'aurais pioché plein de cartes, je t'aurais mis effectivement 3, je t'aurais détruit ce truc-là, et ma prophétesse aurait été très grosse, mais surtout, ça aurait permis, du coup, de te tuer avec le reste. Parce qu'en fait, en gros, je te dégageais ça, toi, tu me bloquais celle-ci qui était grosse, mais derrière, je te mettais 1, 2, 3, 4, plus les 3 blessures que je t'aurais mis. Voilà. Voilà. T'avais même pas besoin de tout ça. Non. Tu faisais ça deux fois dans ma gueule, c'était fini. Hein. J'ai fait le kéké, voilà. Voilà. Et il en alors j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça dans ta gueule. C'est rare d'avoir un truc overload. Ok, bien joué, Rof. Je suis partagé entre t'as bien joué et j'ai pas joué. C'est vrai que c'est un peu. J'ai l'impression d'avoir eu deux non-games, j'ai un peu envie de rejouer parce que j'ai l'impression que ce deck ne sort pas. Est-ce que tu veux qu'on inverse pour que toi tu arrives à le sortir? Franchement. À part les moments que tu as vus de « pourquoi tu joues pas ça à ça, machin », le reste du temps, j'ai juste joué ce que je pouvais. Donc en fait, t'aurais pas pu faire mieux parce que t'aurais pas eu d'autres cartes. Est-ce que tu veux jouer, par exemple, le deck blanc-noir contrôle que j'ai créé pendant que tu réfléchissais? Blanc-noir, il est assez contrôle, mais il est fort, il y a de très bonnes cartes. Vas-y, go. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors du coup, toi, tu joues le vert? Je peux top parce que le rouge-bleu, on a compris. On a compris. Bon. On a compris. En fait, lui, t'arrivais un peu au maximum de son potentiel. Alors vous avez pas vu... Ah si, on peut faire ça, Max, je rappelle. J'ai quand même vraiment l'impression que c'était mon compte. On avait dit qu'on montrait vite fait les cartes. Ah, de ce qui est... Vas-y. Mini deck tech du deck rapide. Rouge. Vous avez vu à peu près ça. Enfin, c'est même pas deck tech, c'est juste, voilà les trucs qu'il n'y avait pas. Ouais, si tu peux me faire un zoom, je pense que vraiment ce sera... Ah, tu veux un zoom? Ouais, zoom sur une carte. On avait le poteau Ral Zarek. Ral Zarek, qui est donc le planeswalker de cette guilde, et qui est fort, engager un permanent ciblé, puis dégager un autre permanent ciblé, donc ça permet de boucler un petit peu. Il peut infliger 3 blessures à n'importe quelle cible, il fait une foudre à n'importe où. Et si tu arrives à faire moins 7, ça devrait te plaire, jouer 5 fois à pile ou face, jouer un tour supplémentaire après celui-ci à chaque fois que vous avez fait face. Potentiellement, avoir 5 tours supplémentaires. Bon. Alors... Faut y aller, hein. Non, pas 5 tours supplémentaires, ça te coûte moins 7 quand même. Ah, tu refais? Jouer 5 fois à pile ou face, jouer un tour supplémentaire. Jouer 5 fois à pile ou face. Non mais... C'est plaisant, hein. C'est plaisant, faut arriver au moins 7. Bon après, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 fois la première compétence quand même. C'est ça, après t'as des cartes qui permettent éventuellement de... Engager un permanent ciblé, puis dégager un autre permanent ciblé. Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment... Tu peux genre te dégager un land pour pouvoir jouer des trucs en plus. Et tu peux engager une bête qui va t'emmerder, mais elle va se dégager au tour d'après. Ou alors tu fais des foudres. C'est plutôt une bonne carte. Qu'est-ce qu'on avait? On a Promptitude qui est passé de rare à Unco dans cette édition, et qui permet de jouer des éphémères en rituel. Des rituels en éphémère, pardon. Donc ça peut être un peu tricky, d'autant plus que ça se remplace, puisque ça fait piocher une carte. Ah, en plus, c'est un éphémère qui rend les autres éphémères. Je veux dire, alors je fais ça. Et du coup, je fais ce rituel en effet. Et du coup, dire, bah tiens, finalement, le truc. Parce que généralement, les rituels sont un peu plus forts que les éphémères. Bien sûr. Et ben là, du coup, tu peux trickser là-dessus et faire, bah tiens, fin de tour. Pour un mana de plus, YOLO. Ah bah, par exemple, tu peux faire des trucs. Alors attends, du coup, ce serait en blanc-bleu. Hein. Mais en blanc-bleu, il y a une carte qu'ils ont rééditée qui s'appelle, bien entendu, Verdict Suprême. Je l'ai eu en anglais. Cette sorte ne peut pas être contrecarrée et détruire toutes les créatures. Donc, tu peux dire, bah il attaque, le mec attaque, tu fais ok, bah je vais faire un éphémère rituel, on va tuer toutes les bêtes, puis à moi, je peux détaper, c'est parti. Donc, voilà, il peut se passer des choses un peu sexy comme ça. Puisqu'on est sur les choses sexy, alors je vais finir quand même sur le deck rapidement. Il y a plusieurs versions de Niv-Mizzet, Niv-Mizzet étant celui qui a créé la guilde Izzet, le dragon. Ça, c'est dans sa version rare, qui est donc 5-5, qui peut pas être contrecarré, vol. Donc c'est pour ça notamment que je jouais le... Je me permets juste avant quand même, oui d'accord, ça te permet de jouer en éphémère, il faut quand même payer le coup. Évidemment. Donc en fait, si tu payes le coup en éphémère, ça veut dire que t'as pas fait grand-chose à ton tour d'avant. Bien sûr. En fait, ce qui est pas mal avec ça, c'est que ça permet d'avoir la surprise, et ça permet de dire... D'attendre qu'il pose des trucs pour te jeter. Ah, c'est ça, exactement. S'il a des bêtes de célérité, par exemple, c'est parfait. Il pose des trucs, il attaque avec tout, tu fais je nique tout. À moi, c'est parti. Ouais. Bref. Donc, venons sur Niv-Mizzet par 1, qui est donc 5-5 vol pour 6. Donc, c'est pour ça que je jouais notamment Lanterne Chromatique. Ça permet de jouer ce truc-là quand t'as pas forcément les bonnes couleurs. Et qui a le vol, et qui dit à chaque fois que vous piochez une carte, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Donc, tu pioches, tu mets des blessures, et en plus, ça fonctionne même quand c'est l'autre qui les joue. À savoir qu'il y avait également celui-ci que j'ai pas mis pour des soucis de. Équilibrage. Non. Pour des soucis d'honnêteté. Parce qu'en fait, cette carte-là, je crois qu'on peut l'avoir que dans la pré-release. Et donc l'autre version de Niv-Mizzet, qui était la première à être sortie, et qui est une 4-4 vol pour 6, qui dit qu'à chaque fois que vous piochez une carte, il inflige une blessure à n'importe quelle cible, et on peut l'engager pour piocher une carte. Petite chaque combo. Vous piochez une carte Niv-Mizzet, je inflige une blessure à n'importe quelle cible. D'accord. En gros, tu le poses, mais en même temps, t'as 50 000 cartes Niv-Mizzet, toi. Quoi? À chaque fois que vous piochez une carte, il inflige une blessure. Ah, pardon. J'avais pas vu la virgule. Ah. Pour moi, c'était à chaque fois que vous piochez une carte Niv-Mizzet. Ah non, 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 non. C'est en mode... non, 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 non. Ça me semble le bout du monde, ton truc, là. Petit combo avec une carte qui s'appelle Curiosité. Curiosité est un petit éphémère, un petit aura, petite enchantée créature, qui dit que à chaque fois que ta créature inflige des blessures à un joueur, tu pioches une carte. Est-ce que tu as la combo? À chaque fois que une créature... Attends, t'as dit quoi? À chaque fois qu'une créature inflige des dégâts à un joueur, tu pioches une carte? C'est un petit enchantement pour 1, tu le mets sous cette bête. Ah ouais. Ouais, bah ouais, c'est fort. T'as la combo du coup ou pas? Bah à chaque fois que tu pioches une carte, tu repioches une carte. En gros, tu pioches une carte, du coup t'as infligé un dégât au mec, du coup tu repioches. Du coup t'as infligé un dégât et c'est gagné. Et c'est gagné. Et en plus, il peut lui-même... dire bah tiens je pioche une carte. Alors, comme ça, une petite combo évidemment avec ça. Si tu aimes bien le hasard, je sais Max que ça fait partie des choses que tu aimes bien, et bien on a cette carte là que j'ai pas mise parce que moi j'aime pas, mais qui t'as une chance sur deux d'avoir un tour supplémentaire. J'aime bien ça. Qui peut être sympathique, mais flemme. Voilà. Donc ça c'est les cartes que j'avais pas mises dans cette version. Mais attends, le fait qu'il y ait des cartes oui. qui puissent faire des combos infinis oui. en deux cartes. Oui. Ah, le mec qui il a gagné, c'est fini. Non, bah c'est une carte à 6, hein, frérot. Il peut te la contrer, il peut se la faire tuer, il peut se machin. Bon, s'il arrive à le faire. Ah, bah, bien GG. Il y a des. Y a des... Et je crois que vous avez vu à peu près tout le deck en vrai. Hein. Clairement, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de douille. Là, je t'ai passé dans la main un deck donc, qui est noir-blanc. Contrôle, plutôt contrôle. Et qui va s'amuser à sacrifier des créatures. Enfin, à me faire sacrifier des créatures, à... tu vois, il y a des très bonnes cartes à l'intérieur. Tu peux revenir sur le plan normal, me passer ton deck vert-blanc que je vais jouer. Tiens. Et on va essayer de sortir un peu mieux que toi. Ouais. Essayons de sortir. Il est mélangé ce deck? Oui. Super. Ouais, on fait un petit peu, ça peut être bien. Voilà pour on le petit deck Izzet. Orzhov. Orzhov, c'est une guilde dans le lore qui est un peu le clergé de Ravnica, mais qui est le clergé très très vénal. C'est-à-dire qu'ils ouais. ils ont ce principe de dîme, que même si jamais en fait, tu t'endettes pendant ta vie que tu meurs, eh ben, ils iront chercher ton fantôme pour te dire qu'il leur doit de l'argent. C'est vraiment... D'où le blanc pour le côté un peu... Capitaliste à la vie, à la mort. Ah ouais, là c'est vraiment machin. Et donc le principe pourquoi c'est assez lent, tu vas beaucoup jouer sur les points de vie, notamment ouais. sur le fait de faire perdre un point de vie, puis gagner un point de vie. Tu perds un point de vie, tu perds un point de vie, tu fais gagner un point de vie, et en fait, ces trucs-là vont t'avantager, tu le verras, avec différentes cartes. Allez, c'est parti. Et bien, c'est ce qu'on va voir. Let's go. Pardon. Bonne chance, Rofellos. J'espère quand même réussir à t'en prendre une ce soir. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, bien sûr que c'est celle-là. C'est celle-ci. Ben écoute, c'est marrant. Je suis pas une main ouf, mais je vais garder. Parce que si jamais j'arrive à faire ce truc-là, on va rigoler. Vas-y, tu peux commencer. Changement de corps dans les cadres. Ah oui, j'avoue. Ah, ça va être un peu chiant, ça. Oui, c'est pas grave. Tu vas c'est la vie. Hein. C'est la vie. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Vous savez quoi, on va reculer, on va faire les... Voilà, vas-y, raconte ta vie, hein, Rof. Moi, je raconte ma vie, je suis en train de faire un petit deck Simic, donc bleu-vert, c'est vraiment l'association que j'ai toujours... Enfin, j'aime beaucoup cette association. Qui va se baser sur les marqueurs +1/+1 notamment. Mais je tiens à dire que c'est donc édition qui, je le rappelle, est un pack de réédition de 3 blocs Ravnica qui existaient. C'est pas si évident à construire. Quel nom tu donnes à mon deck? Ton deck à toi? Orzhov Life. Comme ça, Orzhov O-R-Z-O. Il y a un H entre le Z et le H. Entre le Z et le H, entre le Z et le O. Orzhov, il me semble. Okay. Pas sûr du tout. J'ai un doute là. J'ai l'impression que non. Et donc, t'as dit Orzhov Life? Ok. Ouais, tu vas gagner des points de vie, ça va être cool. Attends, il est où le... Et te concernant? Bah, j'ai le même que le tien. Hein. Enfin, c'était ton deck en l'occurrence. Ouais, bah, vas-y, je vais. Remettre. Ouais, j'ai un doute avec le H. Hop, hop, hop. Si vous pouvez mettre vos decks des fausses à droite. Pour quel intérêt? On fait exprès de les cacher sous nos caméras parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Alors là, tu vas me dire oui, mais ah, on va bien voir ta défausse. En fait, c'est parce que la défausse, on peut la mettre au-dessus normalement, tu sais, dans le truc. Quoi? On peut mettre la défausse au-dessus, c'est avec moi, je la mets là. Ouais, moi, je la... Non, non, lui, il voulait mettre ça là. En fait, il veut voir le deck à notre défausse. Je crois que ça n'a aucun intérêt. Le deck, on s'en fout. La défausse, pourquoi pas. Pourquoi il est pas là, mon cachet d'Orzhov? Ah, il a Orzhov. O-R-Z-H-O-V, j'avais raison. Très bien. Tout va bien. Et toi, tu as un vert blanc. Ok, et je te mets du vert. Et du blanc. C'est le boss. Hop là. Tu as un vert blanc et ton nom c'est... J'avais mis quoi? Je me souviens plus. Selesnya. Selesnya token. Ok. Et bon pour toi? C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Exactement. Ah, on est parti. Ok, les amis. Attends, bah, pourquoi ça bug? Ah oui, je préfère ça. Je disais donc, les amis, on est parti pour le troisième duel de cette soirée où on a donc un deck blanc-noir contre un deck blanc-vert. Pour le moment, il y a 2-0. Ouais. Je vais inverser la tendance. C'est parti. En vrai, tu peux. T'as un deck qui normalement est fort, contrôle. Ça va dépendre de ce que moi j'arrive à sortir. J'ai un truc un peu marrant à sortir. Ça qui est cool, c'est que je gagne ou que je perde. Je voulais arriver à ce truc-là. Avant de pouvoir passer à autre chose vis-à-vis de ce deck. Vas-y. Je vais poser une porte de la guilde d'Orzhov qui créera un mana de ce que je veux à toi le jeu. Très bien. Je vais poser une plaine à toi le jeu. Je redresse, je pioche, puis je vais poser un marais. Et pour 2 manas, je vais jouer le guild mage d'Orzhov. Oui. Il permet de gratter, comme on disait, les petits points de vie. C'est une 2-2, créature humain et sorcier. Pour 3 manas dont un blanc, un joueur ciblé gagne 1 point de vie. Pour 3 manas dont un noir, chaque joueur perd 1 point de vie. Donc j'ai l'impression que là, tu as envie d'avoir 6 manas pour dire on perd tous les 2-1, mais moi je gagne 1. Alors, les guild mages, il faut bien voir un truc, c'est que ce sont des cartes qui sont cool parce qu'à la fois, ça peut coûter 2 noirs, 2 blancs ou 1 noir, 1 blanc. Donc, là, c'est bien. C'est une 2-2 pour 2, donc ça marche ce qu'on appelle un bear, donc un ours, ne fais rien, je vais pas jouer, à Magic. Et ils ont un effet qui généralement est un peu cher pour ce que c'est, mais qui va permettre ce qu'on appelle de faire un mana sink, c'est un puits à mana, c'est que quand tu sais pas quoi faire, bah, au moins tu vas pouvoir faire tes trucs. Donc en fonction de la situation, si le mec il est à 2, bah, tu payes 6, tu fais perdre 2 points de vie à chacun et t'as gagné. Sinon dans ce jeu-là, tu as plutôt tendance à vouloir gagner des points de vie, mais c'est vraiment en fin de... C'est d'abord jouer une 2-2, à pouvoir attaquer, bloquer, et puis si un jour, un peu comme toi à un moment donné, bah, j'ai rien à faire, j'utilise mon guild. À toi de jouer. J'y vais. Oui. À moi, je vais faire... Mettre un petit cachet de Selesnya. À toi. Ouais, ok, ça crée du mana. Tu l'as. 1, 2, hop. Ah, c'est intéressant. Alors là, j'ai besoin de lire 2 secondes. Ah ouais, c'est bien en commandeur ça. Il a une carte qui est bien en commandeur, il nous dit. Putain, je lui donne des infos, merde. ouais. Alors, c'est bien en commandeur. C'est pas mal, c'est clairement pas mal. Alors, est-ce qu'on préfère faire ça? Ouais, mieux. Ouais, on fait ça? C'est mieux. Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris le bail. À quand le lèche multi? En fait, à chaque édition, là c'est une édition un peu particulière, c'est une édition de réédition, il n'y a pas de commandeurs qui sont liés. Le 9 février va sortir une édition qui s'appelle Meurtre au Mar Noir Karloff, qui reviendra sur Ravnica, mais il y aura moins ce principe de guilde. C'est vraiment le principe d'une sorte de Cluedo, d'un jeu d'enquête. Ils sont un peu basés là-dessus. Ouais. Et figurez-vous qu'il y aura des decks commandeurs et qu'à chaque sortie de deck commandeur préconstruit, on fera une émission. Voilà. Oui. Obéissance aveugle, un enchantement qui a extorsion. C'est-à-dire que chaque fois que je vais lancer un sort, je peux payer 1 de plus Et si je le fais, eh bien chaque adversaire perd un point de vie et j'en gagne autant. C'est pour ça que je disais c'est bien en commandeur. Ah oui, du coup t'as du coup 1, 1, 1 et moi je gagne 3. C'est vrai. Bon, là en 1v1 c'est un peu de la merde. Mais ça reste chiant, je peux t'assurer. Donc enchantement que je vais poser là tranquillement et... Oui, puis c'est pas tout. Ça dit quand même que toutes mes bêtes arrivent engagées. C'est relou. Hein. Effectivement, bah, c'est pour ça que je l'ai posé maintenant. Ouais, il fallait. Tant que t'avais rien... Est-ce que tu me mets deux? Ça coûte rien. C'est vrai que je peux. Allez. Je te mets deux. Vas-y. À toi de jouer. Alors, j'ai potentiellement 4 manas. J'en ai pas besoin d'autant. Puisque quand de DH multiple très vite. Puisque quoi? À quand de DH? C'est ce que j'ai dit. En fait, tu faisais autre chose, mais dès qu'il y aura une extension normale qui va sortir, donc le 9 février, donc ça veut dire qu'on fera ça. On se fera, on fera ça début février, même fin janvier. Peut-être, je pense plus début février. On récupérera des decks commandeurs multi préconstruits, donc on va pouvoir vous les tester comme on avait fait avec Adi la dernière fois, et on en fera. Et faire. Voilà, en gros, ce qu'on fait là et du commandeur multi avec les decks préconstruits, c'est ce que je veux faire à chaque édition, dans la limite du possible, en fonction de ce qu'il y a. Et puis, voilà. C'est-à-dire que tu vas t'infliger de jouer à du commandeur multi alors que t'aimes pas ça. Ouais. Okay. Parce que j'aime quand même mon métier, et j'aime jouer à Magic, et en vrai, il y a quand même de quoi... Je crois que je préfère jouer à du commandeur multi que faire un jeu de société OZEF. D'accord. Qu'est-ce qui nous empêche de corriger le commandeur multi pour qu'il te fasse plus chier? Parce que ce qui me fait chier... Par exemple, dans du chasseur-proie. Non, ouais, oui, on fait chier, c'est les alliances. Non, ce qui me fait chier, c'est que pour moi, Magic et les TCG en général, c'est du 1 contre 1. Pour les subs. Pensez à lâcher vos subs et vos follow, les amis, ça soutient la chaîne de ouf. Pour moi, c'est du 1 contre 1. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le commandeur multi, et ce que je peux comprendre, et notamment les trucs à 4. Avec, en plus, à chaque fois, ils sortent 4 decks. C'est pratique. Chacun joue le deck, voilà, etc. Donc, non, je ferai du multi. Je m'en fiche. En tout cas, je pense que je m'en ficherai ça. Bon, je mets une porte de la guilde comme ça. Mmh. Je vais mettre une prédictatrice de Selesnya, en gardant du vert. Qu'est-ce qui empêche de faire un troll à 2 têtes en commandeur aussi? On l'a fait la dernière fois, parce qu'on était que 3. Wow, on était pas là. Ouais, mais bon. Troll à 2 têtes, c'est sympa, mais en commandeur, c'est pareil, c'est un petit peu... Notamment ceux qui commencent ont vraiment un gros avantage. Ouais. En fait, j'ai l'impression que le multi, c'est pas ce que je préfère, mais c'est ok de faire une soirée multi. Ouais. Les gens adorent ça, en fait, c'est ça aussi le truc. Ouais, je me plie à la volonté des gueux. 2 HD commandeur, sinon, c'est quoi ça? Troll à 2 têtes. Ouais, d'accord. Two-headed giant. Je vais mettre une prédicatrice de Selesnya, tu la connais? Oui. Eh bien, sauf qu'elle arrive engagée, à cause de ta merguez. À toi. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas la vie, pour l'instant. Ah, t'avais le mana pour l'engager. Ouais. Non, parce qu'il me faut une autre bête. Le problème, c'est quand je vais mettre l'autre bête, elle sera engagée. Je te baise un peu. Vas-y, Max. Ça me fait plaisir. Tac, 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 tac. Hop. Ah bah voilà. Alors, on commence à avoir un deck qui joue. Ça fait plaisir. Bon. Mmh. On est d'accord qu'un mana n'est pas un sort. Un terrain n'est pas un sort. Un terrain n'est pas un sort. D'accord, d'accord. D'accord, oui, je vois, d'accord. C'est vrai. Je retire une carte et j'aurai le deck. Ouais, faut même que je retire 2 cartes. Cherche au loin. Oh, allez, on va essayer de... Je crois qu'il faut essayer de curver, en fait. Curve, mec. Je vais donc poser un marais. Et pour 4. Oui, j'ai pas besoin d'attendre. Je vais faire de beau l'animal. Pour 4, je vais poser ceci. Le chasseur... Le fameux chasseur aveugle. Alors, c'est une créature chauve-souris 2-2. Ouais. Elle a le vol. Ouais. Elle a hantise. Ça veut dire que quand elle meurt, elle va hanter une autre créature qui est encore sur le champ de bataille. Et quand elle arrive sur le champ de bataille ou quand la créature qu'elle hante meurt, un joueur ciblé perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Donc, ce qui se passe, c'est que là, elle arrive sur le champ de bataille. Et donc, tu perds 2 points de vie et je gagne 2 points de vie. C'est ça. Et quand elle mourra, elle hantera quelque chose. Et quand elle double mourra, il se passera des trucs. Pour le moment, elle est là, elle est posée, elle attaque. Ouais. Tu prends 2. Ouais, il me gratte, hein. À toi. Hop, j'ai joué un sort. Tu perds un, je gagne un. Non, faut payer un. Ah putain, j'ai pas assez de... Ah merde. Moi de jouer. Allez, calmer un petit peu le bouseux. Ça, c'est good. J'ai une question. Si j'ai 10 cartes qui ont extorsion, faut que je paye 10 mana. Ouais. Ouais, c'est nul. Mais tu peux. Ouais, mais c'est nul. Enfin, c'est nul. Ce sera bien dans 20 tours. J'étais un peu en mode, ah bah trop bien, j'en pose plein, je paye un mana et brrr, brrr. Et en fait, brrr, pas du tout. Je vais mettre un Guilmage de Selesnya carrément, je vais engager. Non, merde, lui. Et ça va être une fin de tour. Oh, j'aime bien ce qui se passe là. Il y a les couilles vides, c'est ce que je préfère. Les couilles vides, effectivement. Je pioche. Ouais, on en est là. On en est là. Allez, je crois que c'est ça qui va se passer, mon bon Rof. Ouais, je te regarde. Ah, attends. Il y a peut-être plus intelligent à faire. Oui. Il y a plus intelligent à faire. Je vais poser un marais. J'ai donc 5 de mana. Puis pour 3, je vais poser les gardes de la basilique. Et comme je pose les gardes de la basilique, alors déjà c'est une 1-4 et elle a défenseur, ça veut dire... Elle peut pas attaquer. D'accord, super. Donc elle est vraiment là pour prendre des bifles. Ouais. Mais elle a extorsion aussi. Et donc... Je vais la mettre un peu par ici aussi. Comme ça m'a coûté 3 manas et qu'il m'en reste 2, eh bien je vais dépenser ces 2 manas pour que tu perdes 2 points de vie et que j'en gagne 2. Ben la réponse est non. Oh non. Tu peux faire ça qu'une fois. Quoi? C'était si aigu, ça m'a fait peur. Bah attends, c'est tout l'intérêt de ce sort, c'est de la merde. C'est vrai, pourquoi tu peux faire ça qu'une fois? À chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer 1. Ah oui, mais je peux le faire à chaque coup. Ouais, mais pas là. Je peux pas le faire pour elle-même. Ah, elle en aura pile en fait pendant. D'accord, mais j'étais pas loin. T'étais pas loin. C'est-à-dire que le prochain sort, promis, tu peux payer. Ah ouais, j'étais en mode. Ah non, putain. Ah d'accord, elle se cible pas elle-même, c'est un peu décevant. En fait, elle est dans la pile pendant que tu fais ça. Je comprends, je comprends. Donc, ah ouais, mais du coup, il me reste un mana. Ah, c'est un peu de la merde, j'aurais fait autre chose du coup. Ah, tu peux rollback. Je vais rollback. Vas-y, vas-y. Tu sauras que je vais faire ça, mais c'est pas grave. Et en fait, du coup, pour 2 mana. Attends, parce que du coup là, non, j'ai joué ça. T'as joué ça seulement pour 3. Je ne fais pas les faits. Fais pas les faits. Et ça. Pour 2 manas, je pose en plus ceci. Oui. Voilà. Bonjour. C'est un Sranandeuil. Voilà. Qui a une sorte de lien de vie un peu bizarre. C'est le tapis qu'on bouge. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais rien. Non, tu fais des trucs. Moi, je fais rien. En fait, si, j'ai la preuve. C'est que le fond est décalé. Donc j'ai la preuve que t'es une petite salope. Tout est de ta faute. Tout est de ma faute. Ok, là je crois qu'on est pas mal. Et donc, merci, c'est un peu mieux centré. Le Sranandeuil. Ouais. À chaque fois que le Sranandeuil inflige des blessures, vous gagnez autant de points de vie. Excuse-moi. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste mettre vol de vie? Tout à fait. Donc, lien de vie est normalement la capacité classique de ça. Ouais. Le lien de vie est une capacité qui est redondante. C'est-à-dire que si jamais tu as plusieurs occurrences de lien de vie, le lien de vie dit juste que quand tu mets des blessures, tu gagnes autant de points de vie. Mais en fait, c'est les blessures que vous infligez vous font gagner autant de points de vie, ce qui fait que tu peux avoir 3 occurrences, bah, tu gagneras qu'une seule fois ces points de vie-là. D'accord. 3 occurrences sur la même créature, tu veux dire? Ouais. Donc là, ça veut dire que si je mets lien de vie sur cette créature, elle le fait 2 fois. C'est ça. En fait, ça, c'était ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, le lien de vie, c'était ça. C'était une capacité déclenchée. Alors, quand c'est devenu une capacité statique, et de dire les blessures te font gagner des points de vie, ouais, on dit statique à Magic, eh bien, ça a été nerfé parce que du coup, tu pouvais pas avoir plusieurs occurrences, mais ça a été buffé parce que du coup, c'était en même temps que tu faisais les blessures. C'est-à-dire que quand tu étais à 1, et que le mec t'attaque avec 2-1-1, et que tu bloques avec une 1-1 lien de vie, t'es en mode... À l'époque, la capacité déclenchée sur la pile, et tu mourais avant qu'elle se résolve, et maintenant, c'est simultané, donc du coup, tu meurs pas. Donc, il y a eu, voilà. Et donc, elle a l'avantage d'avoir les deux. Bon, en tout cas, elle est là, à côté des gardes de la basilique. C'est une 1-1 vol. Elle va juste venir te picorer le cul. Ouais, là, t'es en train de me picorer le cul, là. Et d'ailleurs, ça vole pas. Ça a de 2. Donc. Mais t'as bien raison. Je vais quand même avoir un effet. J'ai payé 3. Et je vais mettre une lumière dévorante sur ton... Tu... Bah ouais, parce que c'est quelque chose, c'est le... Les justes sont les bienvenus dans la lumière, celle la même qui bannit le mal. Oui, d'accord. Tu es le mal. Qu'est-ce que tu fais? Exile une créature attaquante. L'avantage de l'exiler par rapport à la détruire, c'est qu'au moins elle va pas renter quoi que ce soit. D'accord. Exil. J'ai pris 2, je suis à 12, mon cher Max. À moi de jouer? À toi de jouer. Si j'ai un land, je fais un truc magique. Ouais, mais t'auras pas de land. Et hop, t'as pas de land. Voilà. Effectivement, j'ai pas de land. Et ben on va faire un truc moins magique, tant pis. J'aurais tellement aimé avoir un land. Mais tu vas l'avoir, mais quand tu seras mort. Je vais mettre l'enchantement qui est vraiment game changer pour ce jeu. Vas-y, je te regarde. Ça tombe bien, j'ai un contre-enchantement. Ça s'appelle Visite Divine. Oh putain, pour 5. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, autant de jetons de créatures 4-4 blanches, anges avec le vol et la vigilance sont créés à la place. Donc si tu as un truc qui dit créer 5 tokens 1-1, tu dis eh ben en fait c'est des 4-4 vols. Et donc là ce qui est con c'est qu'avec un mana de plus, j'aurais pu faire du coup prédicatrice de Selesnya tout de suite et avoir de base une 4-4 vol. Maintenant chaque token de merde 1-1 que je vais jouer à la place ce sera une 4-4 vol. Ouais, elle est là. Ah oui ça c'est un enchantement. Okay. Un enchantement. Donc là il faut... que je me débarrasse. Je sais pas. Il va falloir se... Il y a peu de choses qui permettent de te débarrasser, mais comme j'ai encore un petit peu de mal, et quand même ma 4-4 vol, elle a beau avoir la gigante, ça va arriver taper, tu peux quand même t'en sortir là-dessus. Attaque, tu fais quoi? Non, je pense que tu fais rien. Je ferme ma gueule, à toi de jeu. Et c'est malheureux parce que à un an de près, je faisais ma 4-4 directement et je pouvais revenir là. En vrai, un peu plus quel dommage, madame Chambi. Alors, Max va gagner, c'est sûr. Bah, on va voir. Je pose une petite porte. Ça marche. De la guilde. Ok. Ça peut servir. Ça peut servir. Pour 2. Oui. Je joue. Ouais. L'Argousin d'Orzhov. Contact mortel. Voilà. Elle a au-delà 1. Donc en gros, quand elle crève, elle fait un 1-1 blanc vol. Et j'ai joué un sort. Du coup, je vais... lâcher 2 mana pour que tu perdes 2 points de vie et que tu gagnes 2. Effectivement, sur ce petit jeu-là, tu vas pouvoir me gratter. C'est un peu chiant. Puis, t'as rien qui vole. Non. Donc, c'est sûr que j'attaque avec ça. Elle, elle vient d'arriver, elle ferme sa gueule. Elle, elle peut pas attaquer, elle ferme sa gueule. Et elle, c'est une 2-2 qui va se prendre un mur. La question que je me pose, c'est est-ce que tu préfères perdre ça pour me tuer ça ou est-ce que tu préfères laisser passer? Je crois que tu arrives au point où laisser passer va te faire chier. Et est-ce que moi, je préfère pas juste la garder, en fait, cette carte? Pour te forcer à dépenser du mana pour la tuer ou pour que je puisse utiliser ta capacité pour te faire chier? Je crois, mon cher Rofellos, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Bon, t'as pas beaucoup de mana, cela dit. Mais là, tu vas jouer un truc qui va arriver à incliner. Donc, en fait, tu vas incliner ça direct. J'y vais. Je crois que j'y vais. Ouais, faut y aller. Engage avec ceux avec quoi t'attaques. Je prends 3. Je suis à 7. Et donc, je gagne 1 grâce à lui. Tout à fait. Pardon. Je peux jouer. Jamais. À toi de jouer. J'ai plus de cartes en main. Ok. Je suis ta salope. Très bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Je vais... Moi, j'aime bien ce que je vois à l'écran, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi, je vois un 25-7. Je me dis que la messe n'est pas dite, mais quand même... ça chante fort. Fin de tour. Ah l'enculé. D'accord. D'accord, d'accord. Donc c'est soit il a rien, il fout le bluff et il est en mode pourvu qu'il ait peur, soit il a la main pleine de pièges. Alors, pour avoir joué son deck, je sais qu'il y a des éphémères qui font des croissances, des machins, des trucs qui vont booster des créas. Et il a surtout des trucs, il peut jouer en éphémère pour invoquer des trucs. Donc, méfiance. Je pioche tout de même une carte. Je pioche tout de même une carte. Je pioche tout de même une carte. Ok. Bon. Je crois qu'il faut y aller. Faut y aller, hein. Je crois qu'il faut y aller, quoi qu'il. J'attaque avec tout. Tu attaques avec tout. Bon, oui. Je vais devoir me défendre, sinon je vais mourir. Bref, que 4. Je réfléchis. Comme ça. Comme ça. Il y a des effets. Je vais faire l'effet de cette carte. Tu fais lesquels? Je fais 2 fois, ce qui t'enlève 2 points de vie. Je suis à 5. Puis... Toi aussi. Ah, moi aussi. Ouais, ça ira. Elle te met 1 et je gagne 1. Ouais. Et elle te met 1. Ouais. Donc, pour le moment, t'es à 3 points de vie, je suis à 24. On est confiant. Et... Je vais, moi, alors attends, parce que du coup je l'avais pas fini. Donc toi t'as fait ton bail. Avant que les deux se prennent des blessures, j'ai quand même un petit effet. Ah. Mais dans un premier temps, engager ça et ça pour pouvoir créer une 1-1 qui, grâce à ma visite divine, ouais, ça va être chiant. Est une 4-4. Ça va être chiant, il va falloir que je te gratte à travers tes créatures, quoi. Et je vais, avant que lui meure, payer 4 pour créer une 1-1 qui est donc une 4-4. Une 4-4. Alors j'en ai qu'une qui a la vigilance, mais on saura qu'elle a la vigilance. T'avais tout le mana pour ça, je fais confiance. Moi j'avais 4 et 1. Allez, ça meurt. Ouais. Mais c'est ça qui va me tuer. Bah oui. À moi de jouer. À toi de jouer, Yugi. Voilà, ça va être décisif. Les 2 premiers tours vont être décisifs. Je draw. Eh, on serre les fesses, hein, mine de rien. Je devrais être en mode, bon, c'est bon, c'est gagné, mais... En fait, ce qui va me faire du bien, c'est que tu vois, il pourrait se débarrasser de ma créa, mais il a probablement pas d'anti-enchant. Alors, j'ai joué le deck, je sais qu'il y en a un. Est-ce qu'il l'a en main? C'est pas dit. Tu vois, déjà, quand je connais le deck, j'ai vachement plus de trucs à dire. Hein. Tu as raison. C'est vrai qu'on joue avant. Ok, avec plaisir. En fait, normalement, je te dis, le deck building se fera sur ma chaîne en machin, et on se voit un petit peu avant, et voilà. Moi, ça me permettrait de mieux connaître, comme ça en plus, tu passes pas ton temps à me corriger, et en plus, quand tu réfléchis, je peux dire des trucs intéressants. C'est quand même mieux. Bon, alors, dans un premier temps, je vais attaquer avec mes 2 4-4 volts de vigilance. On a un métier difficile, hein. Faut qu'on joue à Magic. C'est compliqué. Tu m'attaques avec tes 2 vols, dont une vigilance. Mais les 2 ont la vigilance. De toute façon, fin du buzz, j'ai rien qui vole, je suis engagé. Tu prends 8. Je prends 8. Ça descend vite quand même, hein. Hein, à base de 4-4 balles. À base de 4-4 balles. Ensuite, ça pique un peu l'anus. Je vais engager la prédicatrice et l'ange pour pouvoir créer un autre ange. Bien sûr. Vas-y. Ah, t'en as des tokens. Oh, il hésite. Oh, il hésite parce qu'il arrive à engager ces connards. Ah bah, quand même. Putain, c'est chiant ça. Ah bah oui. C'est ça qui gagne la game, hein. Ouais, c'est 100%. T'as une carte en main, je peux pas me permettre, hein. Je peux pas me permettre. Et à 16. Ah. Je vais le faire. Et je vais payer 3 pour mettre... que dire que ça et ça mettre 1000 blessures à ta 1-4. Il veut pas que je joue un truc. En fait, je peux pas. Je vais crever. Je comprends. Je vais crever. Go. Je détape. Mais en fait, je pensais que c'était au nombre de créatures. J'ai mal joué. Vas-y, go. Ça change rien. Ça change rien. Tu veux replay? J'aurais dû le faire. J'aurais dû ne pas faire ça, en fait. J'ai juste replay en faisant ça. Parce qu'en fait, je croyais que c'était au nombre de bêtes, mais pas du tout. Il y a juste ce truc-là, en fait, pour l'instant, je l'ai pas encore mis. Voilà. J'ai juste fait ça. Vas-y, go. Ah, t'as pas fait la capa? J'ai pas fait la capa. Dans ma tête, c'était au nombre de bêtes, mais c'est une autre carte qui fait ça. Là, ça dit juste que vous ciblez jusqu'à 2 créatures, vous contrôlez, chacune inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Elle se fait emballer. J'ai pas besoin, et ça va me servir parce que je suis à 1 point de vie près là. Je comprends. Très bien. Je vais. Ouais, on va faire ça. Je vais poser un marais. Ouais. Ah là, ça vole. Hein. Ah là, bah là, je peux te dire qu'on te regarde. On te regarde avec mes copines anges et on te toise. Bon, ça vole, mais j'ai quand même un contact mortel. Si j'y vais, il est obligé de s'en suicider une. Je sais de prix. J'attaque? Ouais, chiant. pas trop le choix. J'ai clairement pas trop le choix. Je vais bloquer avec elle et l'engager pour en créer une autre qui arrive engagée. Du coup, elle meurt. Enfin, les deux meurent. Enfin, Est-ce que tu as quelque chose à faire? Non. En réponse à non. Ça, non. Moi, du coup, je vais dire que j'engage ça et ça pour pouvoir créer une autre ange. Là, je vais le faire comme ça, c'est propre. Ouais. Et ensuite, les deux meurent. Et toi, comme tu as l'au-delà, j'ai une c'est un esprit, je crois. Hein. Un esprit qui est blanc et noir. Un esprit blanc-noir, exactement. Voilà. Ok. Moi, je suis un peu un point de vie près, là. J'ai pas faire ouais, je comprends. Hein. Si j'étais l'état le prochain tour, mais c'était pas le cas. Fin de tour. Engagement, pioche. T'es à 16. Je suis à 16, oui, tu dois me fumer pendant 2 tours. Et encore, il y a bien un moment où je vais dire... Stop! J'attaque avec mes 2 bêtes. Bien sûr. 4-4 vol vigilance. 8. Je vais mettre un protecteur d'Urbis. Alors, c'est le truc, c'est qu'il met une 4-4 vol. C'est la 1-1, quand il arrive, il met une 4-4, bah, il t'en remet une, quoi. J'en remets une, alors le seul truc, c'est qu'en fait, elle est censée pas avoir la vigilance, mais grâce à ça, ça a la vigilance. Et ça, ça transforme tous mes tokens en 4-4 vol vigilance. D'accord. À toi de jeu. Je pose une plaine. Fin de tour. Fin de tour, je ponds un token. J'attaque avec... Non, tu sais quoi, je vais le jouer comme ça, ça me permettra de le voir. Je vais jouer Tolsimir, sang de loup. Qui est une 4-4... 3-4... Les autres créatures vertes que vous contrôlez gagnent +1/+1 et les autres créatures blanches que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ça veut dire que si elles sont vertes et blanches, ouais, qu'elles gagnent plus de plus. Ah ouais, la précatrice. C'est fort. Et créer Voja, un jeton de créature de 2 vert et blanc loup qui devient donc une 4-4 vol. Voilà. Ça permet à ce que mes anges soient encore plus forts. Et du coup, j'attaque avec... mes 4 anges, plus ma prédicatrice, j'en ai rien à foutre. Et donc, c'est le moment que je choisis pour poser... Vous êtes prêts? Selande. Ah, malheureusement. J'ai rien. Ça fait 3 tours que je piège Max, des landes. Max, tu as bien joué bol, un détail près. Ouais, vas-y, dis-moi. T'aurais pu gagner cette game. Il fallait pas que j'engage lui, ouais. Il fallait que je continue. Ouais. Parce que là, t'étais tranquille. En fait, il y avait. En fait, ouais. Moi, j'aurais pas forcément bloqué cette bête-là si j'étais pas aux abois. Parce que j'aurais bien aimé garder mon truc pour ponder un. Donc en vrai, je dis ça, peut-être que j'aurais pu poser plus de cartes. Mais le fait de dire à chaque tour, je te mets 2 et je suis à 3. Oh. Oui. Et évidemment que j'y ai pensé. Oui. Mais j'étais en mode, ok, j'ai 2 trucs ici qui disent que dès que je vais jouer un sort, je le baise. Ouais, donc du coup... J'ai juste passé 3 tours, après la mort de ma créature, à avoir land. Est-ce que je pouvais le prévoir? Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, ça s'arrête là. Tu n'as pas démérité, mon cher Maxildan. J'ai quand même pas châté, quoi. Tu n'as pas châté. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir que ce deck-là, notamment grâce à Visite Divine, ça peut faire des trucs débiles. Et encore, je me suis fait un petit peu bolos par ton enchantement, mais en vrai, ça pouvait vraiment faire un truc débile. Ce qu'on n'a juste pas vu dans ce deck-là, c'est Appel du Conclave, qui est une très bonne carte, qui en plus est passée commune, je crois que c'était une Unco à la base, et qui permet donc de créer un jeton 3-3. Donc en fait, avoir tour 2 un jeton 3-3, vraiment, ça peut vraiment casser des bouches. Et comme c'est un token, en plus, quand tu peux, tu peux mettre une 3-3. Mais en vrai, sinon, vous avez vu à peu près tout le deck. Je te propose une dernière game, mon cher Max, où tu vas garder ce jeu qui, franchement, au moins tu... Bon, t'as pas eu de chance. Ça marche, j'ai pas châté, mais ça marche. T'as pas châté, mais en tout cas, ça fait. Et surtout, t'as pas vu, il manque au moins 3 cartes très fortes dedans que tu n'as pas sorti, ouais, et qui vraiment. Oui, je t'offre quand même. cette victoire. Merci beaucoup, mon cher Maxildan. Moi, je vais juste voler le Bird of Paradise pour le mettre dans ce deck-là. Et on est parti. Je vais tout de même en profiter, moi, pour faire ceci. Et, ah oui, du coup, changer de deck. Donc, faut que le... Change de deck, donc faut que je te... T'as pris quoi? Ouais, j'ai pris un Simic... comment appeler ça? Donc, Simic, c'est marqueur. Vert bleu. Noir. Non, vert bleu, bleu. Pardon. Non, vert noir, c'est quoi? C'est... Me dis pas. Vas-y. J'ai joué ça pendant un temps avec la connasse, l'espèce de femme serpent, là. Ouais. J'ai oublié. Alors, la femme serpent, c'est Vraska. Ouais. Et la guilde, c'est Golgari. Ouais, Golgari. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis mis à Magic Arena, ouais, c'était au moment où il y avait les... Ils avaient mis les putains de guildes et tout. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il y a eu, je dis, des éditions de comment, de Ravnica, il y en a eu, enfin il y a eu 5 blocs quoi. C'est, je trouve que c'est parmi ce qui se fait de mieux à Ravnica. C'est très bien Ravnica. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup. Là le problème c'est qu'ils sont revenus du coup sur Ravnica, mais plus vraiment. Je vais juste mettre là. C'est vrai que du coup là il y a quand même, oh, je vais pas dire la moitié, mais un petit tiers des cartes que tu joues, je suis en mode ah je la connais. Ouais, bah, tant mieux. Enfin je la connais. Tant mieux. Je suis pas capable de citer son texte, mais j'ai déjà vu l'illustration. Et je dirais que enfin pas le défaut, mais en fait revenir sur Ravnica pour une 4e fois, c'est peut-être un peu beaucoup. Et en même temps c'est toujours un truc qui est plaisant. Mais là ce qu'ils nous ont proposé pour le donc pour février, le meurtre là, Manor Karloff. C'est bizarre parce qu'à la fois on est dans Ravnica et à la fois on n'est plus vraiment dans des guildes. En gros, il y a eu un meurtre et tu dois essayer de l'élucider. Donc ils vont faire même une collaboration avec Cluedo qui va sortir fin février. Pourquoi pas? Il y a des jeux d'aventure en fait. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, ils sont basés sur le côté. Quel est le thème de l'extension? C'est plus les guildes, c'est le détective. Côté détective. Donc c'est sympathique, mais pourquoi le faire sur Ravnica? Je sais pas trop. Il n'y a que pas un délire avec y a plein de gens qui le colonel Moutarde, machin, si, bah, le côté jaune. Bah, ils vont faire jaune, justement bleu, vert, des cartes, ils vont faire le chandelier, etc. Tout ça, enfin bref, les trucs dans la version Cluedo. Mais pourquoi faire ça sur Ravnica particulièrement? Je sais pas trop. Bon. Et la prochaine sortie de l'année, ce sera les decks Commander Fallout, qui sortiront en début mars. En fait, chaque mois, il y a un truc qui sort. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour vous. Pour nous, ça nous fait. Bah, des trucs à vous proposer. Ça fait de quoi faire, effectivement. Là, c'est un donc bleu. Je sais pas si du coup tu l'as changé. Je l'ai pas encore changé. Ouais. J'étais en train de mélanger mon deck et de boire tes paroles. Je ne peux pas tout faire à la fois. J'en peux plus des collabs, nous dit Guess Who. Moi, j'aime bien les collabs. J'aime bien. Ça permet surtout de capter un public qui serait peut-être étranger à Magic ou en tout cas n'aurait pas spécialement envie de commencer Magic parce que le fait de faire des licences fortes, ça peut être cool tant que les cartes qui font sont bien. Et ça a été notamment pas mal le cas sur Warhammer 40K, sur Seigneur des Anneaux, Doctor Who, Assassin's Creed et tout. Et donc Assassin's Creed va sortir en juillet et Final Fantasy par contre ce sera pour l'année prochaine. Bref. Donc, tu joues du vert bleu. Laisse-moi changer. Probablement la dernière game, à moins que ça se passe vraiment à sens unique. Bon, vous aussi, ça va faire beaucoup, pas mal de trucs à présenter. Ah oui, non, mais. Mais nous, c'est notre boulot, c'est pas de problème. C'est un problème de riche. Je suis très content d'avoir plein de trucs à présenter. C'est pour ça qu'on a fait 2 émissions par semaine. Et voilà. Alors, dis-moi, comment il s'appelle? Il s'appelle Simic Marqueur. Ah, il va encore proliférer ce connard. Ah, bah, malheureusement. Avec un S. Malheureusement. Car il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, je peux te le dire. Je trouve que cette édition est pas mal. Donc, il y a des cartes, c'est toujours sympa de les revoir, etc. Mais ce que je disais à Max avant en off, c'est que comme ça reprend plein d'éditions différentes, bah, par exemple, le fait de proliférer, donc de remettre des marqueurs, etc., c'est trop bien comme capa pour ce genre de deck. Mais il y a, je crois, une seule carte qui fait ça dans toute l'édition. Et en fait, il y a plein de petits trucs. Tu vois, il y a la convocation, il y a machin. Mais du coup, je trouve que déjà, c'est pas si évident à build. Et en vrai, j'ai hâte d'aller sur la prochaine édition là, de Karloff. Parce qu'au moins, t'as genre 4 ou 5 mécaniques différents et t'as plein de cartes qui vont dans cette mécanique. Et si jamais tu fais ça, machin. Là, par exemple, le coup des marqueurs, c'est bien. Mais en fait, pareil pour les points de vie, il y a peu de cartes qui récompensent le fait d'avoir fait ça. Ah bah, si vous avez gagné des points de vie, alors blablabla. En gros, il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Ils sont pas très forcés, quoi. C'est ça. Ouais. C'est plus une série là qui vous permet de choper des cartes pour améliorer globalement vos decks, pas forcément pour jouer qu'avec cette série. Ouais, c'est un peu ça. Alors, on peut quand même faire des decks qui se tiennent, tu vois. Mais tu vois, par exemple, le jeu Token, tu vois, si t'as pas la carte qui dit quand tu fais les tokens, moi, la carte que j'ai eue, moi, clairement, c'est ce qui m'a aidé à gagner. Ouais, j'ai l'impression que ce que tu cites là, c'est ce qu'on a quand on a du commandeur, en fait. D'avoir des trucs très marqués, avec des mécaniques très marquées. Je trouve ça trop bien d'avoir des thèmes comme ça. D'accord, on est d'accord. Bah écoute, ce sera pour la prochaine. Tout à fait. Les amis. Est-ce qu'il y a du Evolve? Il y a un peu de Evolve, effectivement. Il est temps. Je vais commencer, mon cher Max. Game suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Mmh. Oui. Allez, je vais garder. Oh, je garde. Let's go. Joute-moi dessus. Je pense qu'il a trouvé une des cartes un peu sympa qu'il y a dans ce deck. Ouais. Il y a vraiment des rares et des mythiques qui sont vraiment cool, qu'on n'a pas vu. Heureusement, en fait, il ne les a pas sortis tout à l'heure. Ça va peut-être être différent. En vrai, ce serait une belle histoire que tu gagnes cette game. En plus, j'ai pas une sortie qui est ouf. Donc tu peux clairement t'en sortir. Je vais commencer quand même par être un peu aggro en jouant une Expérience 1. Expérience 1 qui est une petite carte, mon cher Max, tu peux zoomer dessus. Expérience 1, on est parti. Qui est que une 1-1, mais qui va, à chaque fois qu'elle a des potes qui arrivent et qui sont un peu plus gros, commencer à avoir des petits marqueurs +1/+1. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, si sa force et son endurance est supérieure à celle de cette créature, ah, bah, pour une 1-1, merci, mettez un marqueur 1-1 cette créature. D'accord, donc en gros elle grossit tant qu'il y a des mecs plus gros autour d'elle. C'est ça. Ok. Retirez 2 marqueurs +1/+1 de l'expérience 1. Régénérer l'expérience 1. Ça veut dire qu'à tout moment, imaginons c'est une 3-3. Ouais. Je lui inflige 3 dégâts. Tu enlèves 2 marqueurs. Ça redevient une 1-1, mais du coup, elle meurt pas. C'est ça. Ouais. Casse les couilles un peu. Ok, d'accord. Elle casse un peu les couilles. Vas-y, mon cher. Eh bien, je vais piocher. Merci pour vos subs, les amis. Merci beaucoup. Continue. Bon tour, Simic 1, bah ouais. Si vous pouvez faire des mauvais tours, ça me... Ouais, ma main est pas dingue. 2 marais. Ouais. Et pour 2 marais. Je pense que tu... Allez, c'est la game où tu me bats. Ça m'intéresse aussi. Merci pour les subs. Et je crois que j'ai d'abord envie de faire ça. Donc, je vais faire ça. Ok. Pour 2. Ce sera un endeuil. Oh, je le connaissais. Il a fait son taf tout à l'heure. À toi de jeu. Je vais jouer. Évidemment, on est en émission, donc je dis beaucoup de trucs à voix haute. Si on était en tournoi, je dirais pas, je vais d'abord faire ça, parce qu'il sait que j'ai autre chose à 2. C'est pas grave. Évidemment. Je vais mettre un petit tour à Clanley, qui est vraiment le bon poteau. Puisqu'en fait, il va regarder. Je vais regarder la carte de ma bibliothèque, enfin je vais la révéler. Et si jamais c'est un terrain, je le mets sur champ de bataille. Si jamais, sinon c'est pas un terrain, je le mets dans la main. Il a l'air très peu sympathique. Il est cool, le Raclanley. C'est une. C'est pas un terrain, donc je le mets dans la main. Donc abrogation, tu connais? Ouais, je connais, ça bounce, ouais. Ça bounce. Mais là, t'as moins de tokens, donc en vrai. Ça le merde. Faut que je paye X. Et je vais. J'aurais dû le faire avant. Est-ce que je te propose un trade? J'aurais dû le faire avant. J'aurais 100% dû le faire avant. My bad. Est-ce que je te propose un trade? On sera en deux, il va me faire chier. Je crois que je suis là si tu le trades. J'attaque avec ma 1. Ah, donc là, il fait tout pour que je dise oui, je la trade pas, je prends un dégât. Mais t'as vu, si vraiment je voulais absolument pas que tu la trades, j'aurais pas attaqué. Là, si tu la bloques, l'expérience 1 peut être cool, mais en fait, dans mon deck, j'ai pas non plus de grosses cartes tout le temps. Donc je vais pas pouvoir utiliser toutes les capacités expérience. Évidemment, j'ai besoin de lire mes cartes. Lis tes cartes. Sauf qu'il n'y a pas rampe tour 1. Bah, j'ai pas eu Bird tour 1, ça dégoûte. Mais là, évidemment, il aurait fallu, avant de jouer ça, attaquer. Comme ça, il y a vraiment très très peu de chances qu'il bloque parce qu'il y a ça. Là, s'il me bloque, ça me fait un peu chier. En même temps, voilà, comme je le disais, je suis quand même content de lui traiter son truc. Qui peut gratter des points de vie. Surtout que j'ai pas énormément de cartes avec le vol en jeu. Pas mal. On va faire ça. Ah oui, mais attention. Ok. Ok. D'accord avec ça? Pas évident, hein. Non, c'est pas évident. Pour info, on sera pas là dimanche, exceptionnellement. On se retrouvera jeudi pour faire à 16h du jeu de société et à 21h du jeu de cartes. Je sais pas trop encore ce que ça sera. Si jamais j'ai rien, Ce sera peut-être d'autres decks de ça. Parce qu'on est quand même au début de la... On a reçu du One Piece aussi. Je perds un. Ce sera pas... Comme on n'a pas de deck... Tu perds un. Ah, vas-y, à toi. Ah, ça me plaît bien, ça. Ça, ça m'intéresse. Je vais donc poser pour 2. T'as combien de cartes en main? Plein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y a le Krasis dans ton Simic? Je n'ai plus le nom complet du Krasis. Ah oui, Krasis, j'ai plus le nom non plus, mais non, il n'est pas dans cette... Pour 2, je pose le cachet d'Orzhov. D'Orzhov, ok. D'Orzhov, pardon, et... Tu voles pas. Non. Vas-y. Tu fais ton petit drain de 1. Bien joué, frérot. Voilà. Tu as échangé ton point de vie. Tu es quelqu'un de très très fort. À moi de jouer. Je vais essayer de... faire ça, je crois. Ouais, allez, go. Je paye 3. Oui. Je vais faire que mon petit serpent devienne une 3-3. Une 4-4, pardon, parce que je donne plus 3, plus 3. Plus 3, plus 3, d'accord. Et j'attaque avec ça et ça. Tu prends 5. Ouais. À toi. À moi de jouer. Alors. Allez. Je pose une porte. Et... J'ai posé ça sur le serpent pour l'expérience 1, puisque quand même... glaner des petits marqueurs quand j'aurais posé une bête un peu plus grosse. Donc, merci pour le sub. Oh là 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 là. Par contre, t'as posé... Ah oui, non, t'as pas posé un truc plus gros, donc lui, il ne pas non. Encore. Hmm. Eh bien, je comprends. Parfait. Je comprends. Tant de possibilités. Lui... Il va me casser les couilles. Donc, ouais. Il va me casser les couilles. Encore un PV tiré à max. Non, 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 il était à 20. Il était à 20. Il a fait un drain avec son... par contre, l'oracle machin, il est quoi? Serpent, nanin, druide. Et, ah oui, il est vert-bleu. Bon, ouais, je te spoil, tant pis. Si je prends une protection contre une couleur, si je me protège contre le vert, ouais. Je prends quand même parce qu'il est bleu. Non. Il est protégé. Au moins vert, donc t'es protégé. Mmh. Je suis protégé, ouais, c'est quand même pas super brillant, hein, on va pas se mentir. Hein. Je crois que c'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant, c'est le moment. Pour 3. Ça me... Je crois que j'ai perdu quand même cette game, mais je vais quand même vous montrer cette carte. Oui. Je vais jouer Kaya, usurpatrice d'Orzhov. C'est un Planeswalker légendaire. Elle démarre avec 3 de marqueurs Planeswalker. Ouais, marqueur loyauté. Et je peux soit faire plus 1 pour exiler jusqu'à 2 cartes d'un cimetière. Et si j'exile de cette manière au moins une carte créature, alors je gagne 2 points de vie. Ouais. Et je peux perdre un marqueur si ça me permet d'exiler un permanent qui coûte 1. Ouais, bah heureusement que j'ai pas mis mon truc là-dessus, sinon c'est ce que je me prenais, c'était l'enfer. Eh bien, je suis en mode bon, voilà, 1-1, je m'en branle. Mais je pense que tu l'as fait aussi parce que tu connais mon deck. Non, je l'ai vraiment fait parce qu'en fait, comme elle a l'évolution, il y a plus de chances que. Enfin, quand je vais mettre des bêtes, elle. Et pour moins 5, eh bien, j'inflige à un joueur ciblé un nombre de blessures égal au nombre de cartes que ce joueur possède en exil. Donc en gros là le but, ça va être que quand il aura des cartes dans son cimetière, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, eh bien en fait je vais faire plus 1 pour prendre les cartes de son cimetière, les foutre en exil, et quand il y en aura assez en exil, je ferai moins 5 et j'unique sa mère. En gros, pour le moment, je vais surtout faire moins 1 pour tuer elle. Ça marche, donc tu me l'as exilée, elle est exilée, ce qui est important, parce que du coup ça marche aussi hein, avec, avec ça. Elle a du coup deux marqueurs. Et en fait, Kaya, pourquoi elle est assez forte? En fait, son moins 5 est moins impressionnant que, tu vois, Ral Zarek qui... Machin. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus simple pour arriver à son moins 5, parce qu'il coûte 3. Le Planeswalker à 3, c'est quand même pas mauvais. Et aussi parce que... Voilà, en fait, c'est 1, elle coûte 3. Et 2, en fait, c'est relativement simple d'aller à son moins 5. Et du coup, bah, ça met des dégâts. Mais c'est pas game breaker comme parfois certains Planeswalkers. C'est pas un ultimate qui est très impressionnant, mais elle a été jouée pendant un moment et c'est une bonne carte. Est-ce que tu gardes ce SRAN pour potentiellement bloquer et défendre Kaya, ou est-ce que tu es en mode... Ah, c'est vrai que tu peux attaquer... Ah oui, je peux attaquer le Planeswalker, sinon c'est chiant. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que c'est du gain petit d'aller te gratter un PV et donc je vais rester plutôt en défense. Ok, là la question c'est de te dire, est-ce que si j'attaque tu bloques? Si oui, alors il vaut mieux rester en défense. Si c'est de toute façon je bloque pas parce que j'ai pas envie de perdre ma un vol, dans ce cas là autant attaquer. Je défends. Dégagement. Eh bien, dans un premier temps, mes petits amis, je vais... Dommage, ça. C'est dommage. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Ouais, je crois que j'ai envie de le faire maintenant. Je vais me faire la télé couille 3 games d'affilée. Je vais bouncer ton truc. Donc, le fameux abrogation, cette fois, ça me demande de payer 3, donc ça, ça revient à ta main. Je pioche une carte. Je vais jouer. Et il me dit, tu vois, porte... tu as attaqué. Oui, j'aurais attaqué avec ça. Adieu. À toi. Ça s'annonce. Ça s'annonce perdu. Hein. On va pas. Pas j'ai une 4-4. T'as plein de trucs pour gérer une 4-4. Ah bon? Je les ai pas vus. T'as au moins une carte qui peut me refaire le cul au carré, mais bon, faut que tu la pioches. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a 5 de mana, on peut commencer à faire des trucs. Oui, bah, je crois qu'on va faire ça. Hein. Mm-hmm. Je crois que c'est vraiment le moment de faire ça. Pour 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Bah voilà! Bah oui! T'as gagné? Fallait que j'ai le mana. Ouais, ça va, 4. Donc non seulement tu donc, empêcheras ma bête d'attaquer, de bloquer, de faire ma vie, mais en plus de ça, tu gagnes 4 points de vie. C'est ça. T'as pas du tout perdu. J'ai vraiment une main qui fait pas grand chose. Hein. À moi? Ouais. Donc là, tu peux... rien faire. Tu es une salope. D'accord. Ni attaquer, ni bloquer, et il n'a pas de capacité active. Ok. Pourquoi je ne l'ai pas joué au tour d'avant? Ah bah oui, ça par contre... Je pose la question. C'est vrai. J'ai fait quoi au tour d'avant? T'as mis un truc qui du coup s'est fait casser le cul. Ouais, généralement, tu parce que j'ai fait quoi? Mais attends, Kaya, elle coûtait 3. Ouais. Et j'avais tout incliné, je crois. Non. Non ouais, j'ai merdé. Je crois qu'elle... Dans ma tête, elle coûtait 5, c'est peut-être pour ça que j'ai... Crocanora, un 3 porté qui a l'évolution, donc comme le même truc que tout à l'heure. Quand je vais jouer des trucs, ça va booster. À toi. C'est chiant, l'évolution, faut qu'elle ait soit plus d'attaque, soit plus de vie. Ouais. Ok, bon, c'est pas trop la vie qui va la faire monter, quoi, c'est ça l'idée. Mais elle a porté. Ok. À moi, j'ai toujours 5 de mana, les poils de barbe. Ok. 6 de mana, dont à peu près ce que je veux de toutes les couleurs. Est-ce que tu as la carte en question ? Te ferait gagner instantanément cette game? Je pense que non, je pense que oui, je sais pas. Ah bah... Souris un peu, non, je pense pas que ce soit ça. T'as combien de cartes en main? J'en ai 4. Tu me ferais gagner instantanément cette game? Non, mais en tout cas, tu serais vraiment très 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 bien. Là, j'en ai une qui me semble cool, de toute façon, je vais jouer plein de trucs. C'est qu'il l'a pas. Je le dis, j'ai joué plein de trucs. Heureusement. Rappelez-vous cette situation où j'ai 2 bêtes en jeu, mais toi t'as rien et t'as 6 mana. Et après, je te montrerai ce que t'aurais pu faire. Vas-y. Ce que j'aurais pu faire? T'as une carte dans ton jeu que t'aurais pu jouer. Ah d'accord, mais je l'ai pas. Ouais, d'accord, bah, je pense pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais vomir ma main. Vas-y. Puisque je vais jouer le SRAN, vous la connaissez. Ouais. Je vais jouer un rat cambrioleur. Ouais. Je t'invite à défausser une carte. C'est quand il arrive, c'est ça? Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ok, tu m'as eu... C'est un 1-1. Tu m'as eu une porte de la guilde de Simic. C'est vraiment nul. Ouais, mais c'est bien parce qu'en fait, t'as dans ton carte dans ton deck, des cartes permettent de sacrifier. Et du coup, en fait, elle a fait un carte avantage et du coup, derrière, elle fait ça. Comme par exemple, voilà, par exemple l'aristocrate du cartel qui permet, si je sacrifie une autre créature, qu'elle soit protégée contre La couleur de mon choix. Oui. Par exemple, le vert. Par exemple, ce sera... Mais ce sera quand je sacrifierai. Pour le moment, ça, je viens de le poser, donc je peux rien en faire. Fin de tour, à toi de jouer. Ok, alors... Il reste ma carte maîtresse. Un land. Ouais, pas grand-chose non plus. Hein. Tu fais défausser de quoi, du coup? Pour deux, je vais faire une porte. Je vais faire un cherche au loin qui va chercher une île que je vais mettre engagée. Ah, tu manquais de bleu? Non, mais je cherche au loin, donc je le fais pour épurer mon deck. D'accord. Parce que là, j'ai vraiment besoin de bêtes, mais en fait, j'ai une main qui était full land. Ah, et tu l'as gardée pour... parce que t'avais un... Bon, parce que j'ai quand même eu un tour 1, tour 2, tour 3. Enfin, c'était ok, mais voilà, derrière... Voilà, c'est vrai que là, il va falloir que je pioche des belles choses. Donc, cherche au loin, ce qui est bien, c'est que ça permet de filtrer un peu le jeu. Puis, eh ben, c'est à toi de jeu. Bon, ça se passe un peu mieux. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné. Mais tu peux ni attaquer, ni machin. Je peux rien faire, je suis une putain. Mais elle, par contre, elle est là. Elle est 1-3, elle est là, elle est chiante. Mais on va se regarder un chien de faïence, mais normalement... Parce que là, on peut rien faire, je peux attaquer avec rien. Et okay, ouais, mais normalement, enfin, à ce petit jeu, normalement, c'est censé gagner. Bah, quoique. Quoique. Très bien. J'ai aussi quelques cartes sympas, quand même. Pour 3. Je vais poser... Alors, le garde. C'est pas du standard, hein, c'est du scellé. De la basilique. On devrait mettre un... Tu veux que je mette quoi? J'ai mis dans le titre, j'ai mis scellé maximisé. Ah ouais? Bon, dans le titre. Les gens demandent encore, est-ce que c'est du commandeur? Ouais, c'est faux. C'est dans le titre. Alors, t'as mis quoi? T'as mis... Oui, ce truc-là, fort. Enfin, fort, ça peut être chiant, du coup. J'ai mis ça, du coup j'ai l'extorsion, je peux pas le jouer pour le moment. Ah bon. C'est vrai que j'ai peut-être fait une erreur tout à l'heure parce que je l'avais en fait en main. Ah ouais. J'aurais dû d'abord la poser puis jouer le reste. En fait, c'est d'abord tu joues ça et ça tu le joues après et comme ça ça permet de tout bloquer et tu fais ça à chaque tour. T'as un peu joué à l'envers. Attends, c'est pas grave. Ça je l'avais pas à ce moment-là. Ah tu m'as dit tu l'avais en main, tu aurais dû la jouer tout à l'heure. Au tour juste avant. Ah d'accord. Okay. Oui. Bah c'est vrai que comme là de toute façon tu fais pas grand-chose, autant faire ça assez vite pour que dès que tu joues une carte, hop tu vas prendre. À moi de jouer. On essaie de jouer vite parce que là on n'a pas grand-chose à faire. Vas-y. Ah alors. Peut-être m'aider. Ça va peut-être m'aider, ça. Bon. Ça va peut-être m'aider. Allons-y. J'ai joué un guillemage Simic. Je peux déplacer un marqueur +1/+1 d'une créature ciblée sur une autre créature ciblée dans le même contrôleur. Et je peux faire pareil avec une aura. Et là, c'est cool. Parce que du coup, ce que je peux faire... Tu vas pouvoir prendre ça pour le mettre ailleurs. Ouais. Je casse les couilles, ouais. La pile qu'il lui fallait. Attacher une aura, attacher un permanent à un autre permanent ayant le même contrôleur. Ça veut dire que je peux techniquement, comme c'est un enchanté permanent, je peux te... Ouais, alors ça marche. C'était une carte que j'adorais jouer à l'époque, parce qu'elle est assez versatile pour le coup. Généralement, ça se sert avec les marqueurs. Mais là, regardez ce que je vais pouvoir faire. Je vais payer 2, et je vais attacher ces fers de la foi à un permanent que je contrôle, en l'occurrence, un terrain. J'aurais plus le droit de le... Ah, si, dites-moi dans le chat si c'est pas légal ce qu'il fait. Hein. C'est tout à fait légal parce que c'est enchanté permanent. Et comme elle peut pas t'activer à moins que ce soit de capacité de mana, en gros j'ai un peu géré ton fer de la foi comme ça. Je me sens... Parce que du coup tu vas pouvoir quand même redresser ce mana et l'utiliser. Là grâce à ça j'ai pu gérer ça. C'est comme si j'avais supprimé la carte. Ouais. Et en plus de ça, comme il est 2-2 et que du coup il a une force supérieure, eh bien je possède un petit marqueur. Je vais relire parce que... Déplacer un marqueur. Ah déjà, ça aurait pu être toi, hein. J'aurais pu te déplacer sur toi, ça aurait été encore pire. Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de déplacer cet enchantement? À payer 2. Attacher une aura ciblée? Oui. Et c'est une aura? Oui. Ah l'enculé. Ouais, bah bravo. Je suis un grand joueur. Hein. Il y avait une carte qui permettait de le faire, il l'a eu, bravo. Hein. Ah, ça aurait pu être sympa, j'en ai qu'une seule, mais abrogation sur mon oracle permettait de récupérer l'oracle et du coup gérer l'aura. Ah, bref, j'attaque avec une 4-4 et une 2-4. J'attaque pas avec ma 2-4. Si, je attaque avec ma 2-4. Parce qu'il peut se passer un trick. Oh, il est chiant. Hein. Alors, et la 4-4, ok. Il est chiant, hein. Il m'emmerde. Je connais pas ce format scellé maximisé. C'est un paquet scellé, donc on a... Je vais défendre avec l'aristocrate du cartel. Ouais. Pour ça, je vais sacrifier un rat qui va me permettre de résister au vert. Ça, il va rien se passer. Oh, t'as l'air déçu. Bah, c'est un peu naze comme play. Enfin, bah, sinon, elle meurt. Oui, bah du coup, bloque pas. Ouais, soit tu bloques pas, bah, soit bloque tu pas, fais... je perds 10 000 points de vie. Alors là, je te mets 6. Soit, excuse-moi, soit ce que tu peux faire d'encore mieux, si vraiment tu veux absolument bloquer, c'est bloque aussi l'autre. Comme ça, ce qui se passe, c'est que du coup, tu vas... Elle est bloquée. Mm. Tu vas sacrifier, donner la protection, et en fait, du coup, les deux blessures vont pas te... Ah, je bloque avant de la sacrifier. Voilà. Donc si tu veux, tu peux effectivement prévenir 6 en tuant une bête. Là, ça commence à devenir... Bah, c'est ce que je me dis, tu vois. Oui, je vais faire ça, clairement. Donc, je fais ça. Ouais. Avant que les dégâts se fassent, ça. Je la sacrifie pour la rendre immortelle. Ça. Du coup, elle attaque pas sur moi, sur ailleurs, mais sur un truc. Elle est bloquée. Elle a pas le petit manque, ça. Et elle n'a pas rien. Et elle, elle a deux blessures. J'ai l'impression que c'était ce qu'il fallait faire. C'est pas si mal. Mon cher Max, je vais te jouer une forêt. Il me reste 3 manas, c'est à toi de jouer. Bon. Bah, ça. À partir du moment où tu as libéré ta créa. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe plus très bien. Mmh. On va le faire. Je pose un marais. Ah, je pense que tu aurais dû le garder. À moins que tu en aies besoin. Ouais, pour bluffer machin. Si t'en as pas besoin, on t'en le garder, mais c'est pas grave. Ouais, trop tard maintenant. Je l'ai fait toutes les games d'avant, mais là je suis en mode. Ah, de toute façon, bah, vas-y, j'y vais parce que j'ai perdu. Hop. Et je vais jouer ça. Ah, Teysa, Sion d'Orzhov. Elle est belle la carte. Hein. Ouais, elle est très belle. 2-3 pour 3. Sacrifie 3 créatures blanches, tu peux exiler target créature. Et à chaque fois qu'une créature noire va dans, meurt, eh ben, tu vas créer une 1-1 vol. Ça peut être ultra chiant. Bah, j'ai l'impression que j'ai envie de l'utiliser tout de suite. Déjà, quand tu la joues, il se passe, fais quelque chose. Quand je la joue, je peux dépenser un mana pour te faire perdre un et gagner un. Ça, c'est gratuit, il faut le faire. D'accord. Ensuite, est-ce que tu veux faire un truc maintenant? Attendre un petit peu? Attendre quoi? Que tu me casses la gueule? Moi, je pense que j'ai juste envie de te baiser ta créa de mort. Non, je crois que je vais sacrifier ces 3 créas. Ouais. Donc tu sacrifies. Alors, attends, c'est à mon tour de jouer? Ouais. Donc non. Dis-moi si je me gourre. Vas-y. Il y a un autre play à faire avant. J'ai l'impression que je peux attaquer avec tout. Alors, ça a le défenseur. Ouais, d'accord. Et ça, le problème, si t'attaques et que je bloque, techniquement, t'auras plus 3 bêtes à défausser. Quand Cloque, tu peux la sacrifier elle-même? Bah, pourquoi je peux la sacrifier elle-même? Non, mais attends, comment ça? Je peux sacrifier ça? Oui. Et donc? Si t'attaques avec ça, oui, et que je bloque, enfin, ça te coûte rien. Je peux la sacrifier avant que... Ah, ouais, ça coûte rien, ça coûte rien. Vas-y, attaque. T'attaques avec ça. Ouais, donc là... Donc là, tu peux pas attaquer. Ouais. Le défenseur. Donc là, tu bloques quoi? À moi, ça, je pourrais pas la bloquer. Et ça, je crois que j'ai tout intérêt à la bloquer avec le guillemage. Donc, je vais la bloquer avec le guillemage. Voilà. Et là, tu peux dire... Et là, je dis, je sacrifie tout. Ce qui fait que de toute façon, tu subiras rien. Oui. Donc, à quoi ça a servi ce que je viens de faire? Bah, en fait, c'est ça le problème. C'est que si jamais tu avais attaqué que avec ça, et oui, tu m'aurais mis 1 et basta. Le fait de devoir le faire avant... Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vois le principe? Moi, j'étais en mode, bah, je vais au moins te mettre 1 et après, je sacrifie, mais non. Bah, fais-le. Ah non. T'attaques pas avec ça. Ça rien. Ah oui, d'accord. T'attaques avec ça. J'attaque avec ça, je te mets 1. D'accord. Ok, je fais ton petit drain. Voilà. Je fais mon petit drain, puis... Et là, tu sacrifies ça. D'accord, ok, je comprends l'erreur du truc. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dégager? Oh! Bah, j'ai quand même l'impression que j'ai pas 50 000 choix. Faut que je dégage le truc qui m'afflige 4 à tous les tours. Ouais. Toi, tu dégagerais pas ça? Alors, bon, bah, pareil, on est donc dans un cas pratique. Si jamais tu dégages ça, je vais avoir une réponse. Je vais payer 2. Ah ouais, d'accord. Je vais transférer cette aura à une autre bête et tu auras géré une 1-1. Il est fort, lui. Il est pénible, cet homme. Donc en fait, je suis obligé de tuer lui. Donc en fait, tu es obligé de tuer lui. Bah, parce que sinon, ça peut être chiant, ouais. Bah, du coup, j'ai pas le choix. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais contrecarrer la capacité activée ciblée. Bon, bah, bravo. Fin de game, allez, c'est bon. Bon. J'ai plus de cartes en main, t'as tout le board. Ceci dit, en faisant ça, attends, c'est quoi, on va quand même finir pour que je te montre ça. J'ai contrecarré donc cette capa qui m'a permis en fait de sauver mon guillemage. Mais toi, tu as quand même 2 capas déclenchées qui se sont mises au cimetière parce qu'en fait, elle, quand tu sacrifies des bêtes qui sont et blanches et noires, j'en ai une. Et ben tu peux du coup, non, t'en as 2. tu peux du coup chier des 1-1. Hein. Ouais, oui, mais là, tu penses que je peux encore gagner? Ouais, parce que t'as quand même une carte, t'as au moins une carte dans ton, jeu qui est ultime et que t'as pas réussi à avoir. C'est pas de chat, si je te dis. C'est vrai que la chatte me caractérise pas sur la musique. Hein, là, c'est pas le cas. C'est compliqué. Bon, bah, allons jusqu'au bout. Alors, voilà, j'ai ça. Tu m'as tout contrecarré. Bravo à toi. Fin de tour. C'est parti. C'est quand même con, hein. Même quand j'ai l'impression de jouer ce qu'il faut, et je peux pas jouer autre chose, j'ai plus rien. Eh ben non. Me baisse quand même. Ouais, ouais, je crois toujours un moyen. Je vais attaquer avec tout. Il joue des trucs bleus. Ouais, j'aime bien bleu-vert, là. On mixe un petit peu. J'adore ça. Ouais, les bleus, ça empêche les autres de jouer. C'est chiant. J'attaque avec tout. Alors, techniquement, je te le dis, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais bon, j'en ai pas 36 des vides gluants. Mais ça, ça permettait de contrecarrer soit un sort, soit une capacité activée, soit une capacité déclenchée. J'adore toujours aimer ce petit spell qui coûte un peu cher, mais qui, coûte justement pour pouvoir... vraiment, c'est rare, de contrer capacité activée. Hein. C'est quand même pas, commun. Tu peux, si tu veux, c'est pas aux heures, hein, tu peux la sacrifier sur elle-même. C'est quoi la différence de capacité déclenchée et une capacité activée? Activée, et... ça, c'est une capacité activée. Il y a son effet, son coût, pardon, 2 points, un effet. Ouais. Et en dessous, c'est une capacité déclenchée, dans le sens où elle se déclenche automatiquement quand il se passe un truc. Il y a whenever, quoi. Ouais, ou il y a d'autres trucs, mais oui. If. Ouais. Allons-y. Donc là, tu m'attaques avec tout. Donc je suis censé prendre 4. Donc je répète. 5. Ouais. Pourquoi il y a un plus 1? C'est un plus 1 plus 1? Ouais, parce que là, j'ai mis ça. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et donc là, je répète ce que tu peux faire. C'est pas forcément bien, mais tu peux dire, je sais pas, genre je bloque avec tout. Et je sacrifie Teysa avec les 2 esprits sur elle-même. Ce qui me permet de dégager un truc. Ouais, ouais, bah en fait, c'est soit je les garde. Moi je pense que je les garde. Je perds plein de PV. Je les garderai, j'attends de piocher le truc en question. Ah mais je connais pas le truc, donc je sais pas ce qu'il fait. Ouais, donc je peux pas savoir s'il faut que je garde ou pas. Enfin, en fait, tu comprends à quel point je dois avoir la deck. La prochaine fois, en fait, je suis une salope. La prochaine fois, je te dirai. Voilà ce que tu fais avec tes œufs, etc. Ouais, il faut, c'est nécessaire. Prends des points dans la gueule. Ok. Voilà et fin de tour. Bah ouais. Alors je redresse. Je redresse. Je pioche. Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je peux t'infliger 3 dégâts nuls. En même temps, en fait, si je les utilise pas pour défendre, faut au moins que j'attaque. Ouais. Donc j'attaque. T'attaques avec tout, c'est ça? Ouais. Moi, je vais te jouer le fameux. Je l'ai vraiment à chaque fois contre toi. Abrogation qui permet de gérer un truc et de piocher. Et j'ai pris 3. À tout. Fin de tour. Moi. Pioche. Ah, pas mal ça. Pas mal, alors faut que je me rappelle de ce que j'ai par contre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que pour 6, il se passe un truc bien. Je paye, je vais le faire maintenant. J'ai intérêt à le faire maintenant. J'ai pas intérêt à le faire maintenant. Je vais attendre. Je vais attaquer avec tout. Je vais pas attaquer avec tout, je vais pas attaquer avec le guillemage. Je vais pas attaquer avec la croque noire. Ah si, parce que du coup ça me permet de faire un de plus. Allez, vas-y, je le fais maintenant, excuse-moi. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je vais payer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais faire une corde d'adjuration à x égale 6. Comme je sais qu'il y a dans le jeu, je sais que je peux aller chercher. Tadam! Je peux zoomer. Elle est belle, hein? Cool. Prime Speaker Zegana, c'est une 1-1 pour 6, c'est pas bien. Mais quand elle arrive sur la bataille, elle gagne +1/+1 pour chaque... Enfin, pour la... X étant la créature la plus forte, donc en l'occurrence 4, puisque j'ai mon oracle qui a 4-4, donc elle est 5-5. Et en plus, quand elle arrive sur la bataille, je pioche le nombre de cartes égal à sa force. Donc là, tu vas piocher 4 cartes. 5. Tu vas piocher 5 cartes et elle a 4 marqueurs +1/+1. Voilà. Et comme elle arrive en jeu avec ce truc-là, c'est pas un when, c'est elle arrive en jeu avec ça. Bien, du coup, ça a boosté Crocanora. Et du coup, ça me permet de te mettre 1 de plus. Donc, ça fait 3, plus 4, 7. Tu passes. Ah, j'ai mélangé, après avoir fait la corde d'adjuration, je vais piocher 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à toi de jouer, mon cher Maxildan. Eh bien, bravo. Mon cher Max, tu avais dans ton jeu... Montre-moi la carte qui me permet de gagner. Alors, t'avais plein de cartes exceptionnelles. Oui, bah, j'en ai eu aucune, on est d'accord. Bah, t'as eu Teysa, qui a quand même fait un truc, mais bon, qui s'est fait contrer sa capacité. Ok. En 1, il y a une des meilleures cartes ever pour le format limité, qui est le rat de meute. En plus, ils ont fait vraiment une illustration assez classe. C'est une petite 2-2, enfin, c'est une 1-1 pour 2 à la base. Quelque chose qui me vient à l'esprit, mais je te le dirai plus tard. D'accord. La force et l'endurance du rat de meute sont chacune égales au nombre de rats que vous contrôlez. Donc à la base, comme lui-même c'est un rat, c'est une 1-1 pour 2. La force et l'endurance du rat sont chacune égales au nombre de rats que vous contrôlez. Donc deux bases. Il se compte, il est 1 pour 2. Okay. Et en fait, pour 3, tu peux défausser d'une carte et pour créer un jeton qui est une copie du rat de meute. Donc ça fait une 1-1 pour 2. Ouais. Qui, au moment où tu vas la copier, va du coup devenir 2-2 pour 3. 3. Attends, en tout cas, tu as effectivement payé 3. Et ensuite, tu vas pouvoir potentiellement payer 6 pour chacune les redoubler, en avoir 4 qui vont toutes être des 4-4. En fait, ils sont redondants. C'est-à-dire que ce qui est fort avec cette carte-là, c'est que si tu te la fais pas gérer, à chaque tour, tu fais rien, juste tu fais son effet. Tu vas défausser un land, une connerie, d'accord, et tu vas mettre une autre carte. Comme c'est une copie, si jamais le mec il a un anti-bête en main et qu'à son tour, une fois, il faut faire ça au moins une fois, il te détruit un rat. T'as toujours un rat qui est là et qui peut refaire la même chose. Donc en fait, ça sert à rien d'avoir 15, mais en avoir au moins 2 permet de dire qu'il sera toujours là, en fait, le truc. Ouais. Et ça permet de transformer toutes tes cartes pour 3 manas en éphémère sans s'engager. Tu vas pouvoir donc le dupliquer et du coup faire qu'il soit de plus en plus gros. C'est vraiment une carte qui, elle, toute seule peut te faire gagner si tu l'as tour 2. Si je gère pas ça, à tous les tours, tu mets une carte qui va être 2-2, puis 3-3, puis 4-4, puis machin, etc. Et à chaque fois, elle se booste. Donc ça, c'est une carte que tu aurais pu avoir, mais tu as décidé de ne pas la piocher. Ensuite, on va voir Karloff du Conseil Fantôme, qui est une 2-2 pour 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez 2 marqueurs plus 1 sur lui. Il est 2-2, mais il passe vite beaucoup. Et tu peux payer de retirer 6 marqueurs pour exiler une créature ciblée. Donc ça, avec toutes ces cartes extorsion, c'est complètement crétin. D'accord ? Ouais, tu peux l'affaiblir pour tuer un mec, ok. Ensuite, tu vas avoir la massacreuse, qui aurait été pas mal. Trop fort, ça, la massacreuse. La massacreuse, tu as connu, hein, elle met des... On a fait gagner des games. 4-4 menaces pour 5, donc elle peut pas être bloquée par moins de créatures. Et quand tu arrives sur le champ de bataille, chaque autre créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois qu'une autre créature meurt ce tour-ci, chaque créature autre que la massacreuse gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc si tu as une, dans l'idéal, si tu as une 1-1, une 2-2, une 3-3, une 4-4, en fait, tu vas... Tu tout le monde. La massacreuse aurait pu, à certains moments, te tirer d'un mauvais pas. Tu vas avoir également le petit faucheur de minuit, qui est très sympa, puisqu'il dit à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, il vous inflige une blessure et vous piochez une carte, donc ça te permet de te rentabiliser et de faire du card advantage, clairement, là-dessus. Je finirai par la petite merveille. Tu vas avoir pour ton double truc... bon, on va la mettre comme ça. Donc c'est une double carte. Bon, attends, je vais la mettre comme ça. Attends, je peux zoomer, regarde. Hop. Ouais, tu dézoomes, parfait. Donc toi, tu avais Revive qui disait renvoyer sur champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, donc tu pouvais récupérer Teysa, récupérer, bref, la plupart des cartes que je t'ai montrées là, tu pouvais les récupérer, ou alors doubler votre total de points de vie. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondis à unité supérieure. Donc tu peux dire, bah, je passe de 20 à 40, et puis bah toi, t'étais à 15, tu passes à 7, je crois. Eh bien, je n'ai pioché aucune de ces cartes, et enfin... c'est encore une victoire de Rof à pardon. Ouais. Et enfin, la carte où je t'ai dit, tu vois là, quand il me reste 2 bêtes, et toi t'avais 6 mana, eh bien si tu jouais la carte, la meilleure carte, enfin une des meilleures cartes de ton... Parce que là, c'est bien déjà, hein, mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vous présente Liliana, générale de la Horde-Défense. T'as vraiment pioché toutes tes communes. J'ai pas eu. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte, c'est cadeau. Soit tu fais un +1 qui dit tu mets une 2-2. Donc tu peux te protéger comme ça en la montant à tous les tours. Moins 4, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Donc en gros, je leur ai posé, moi sacrifie 2 créatures, j'aurais fait ah bah j'ai plus de bêtes, c'est cool. Je connais. Et enfin, moins 9, si tu y arrives, chaque adversaire choisit un permanent qu'il contrôle de chaque type de permanent, donc terrain, créature, etc. Et sacrifie tout le reste. Les enchantements, les machins, les trucs. Non, non, c'est sacrifie tout le reste en fait. Tu gardes un permanent de chaque type et tout le reste tu dégages. Donc il te reste plus qu'un terrain, une bête. C'est débile. Ah mais attends, mais tu l'as pas. Chaque adversaire. Ouais, donc ah non, c'est pas toi. Ah non, toi t'es tranquille. Liliana va passer. Bon, t'es vraiment passé à côté de tout ce qui me. Ce qui est beau, c'est que j'ai quand même réussi à tout avoir, sauf ça. Bah t'as eu une Teysa mais en deux games. Tu vois, mais quelque part, ça me rassure. Oui. Parce que de base, je me dis, Putain, je suis vraiment con comme une bite, quoi. Genre, je perds toutes les games, je comprends rien, ou alors... Enfin, voilà. Et même quand il change de deck, il me rebute. Enfin, je suis en mode, OK, vraiment, je suis une petite salope. Bon, j'ai quand même pas de chat. T'as quand même pas chat. Donc, probablement que ma femme est en train de penser à moi très fort. C'est le principe. Voilà, mon cher Max. Ça me... Plus que de perdre, ce qui m'embête, c'est de ne pas avoir pu montrer en situation... les synergies des decks et dire regardez, il se passe ça, 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 machin. Là, les gens, ils ont. Alors, toi, ça va, ils ont vu un peu. Moi, et je crois, j'aurais pas pu faire mieux. Ils ont juste eu l'impression que j'étais en train de faire un scellé avec 3 boosters. T'aurais pu gagner l'avant-dernière, enfin celle d'avant. T'aurais pu la gagner si t'avais laissé ton guide mage. Okay. Et en fait, ce qui est intéressant pour, j'ai l'impression, les gens, au-delà du fait qu'on a passé de bonnes games, ils apprennent des trucs. C'est qu'ils apprennent et qu'ils voient un petit peu. Comment dire, qu'ils apprennent 2-3 trucs et qu'ils voient un petit peu les thèmes de cette extension. Sachant que là, on a joué du coup 4 guildes sur les 10, donc il en reste 6 autres. Mais voilà, vous pouvez faire plein de choses un peu sympas. Rapidement, le vert noir va... Tiens, je sais quoi, je vais prendre à chaque fois la carte maîtresse de chaque... en fait, j'allais te demander un petit truc juste avant, mais tu peux peut-être le faire maintenant. Ouais. Là, tu as ouvert plein de cartes, elles sont toutes sur le... Regardez, je vais reculer. Il y en a partout. Il y en a un peu partout. Parlons thunes. Ouais. Il y a quoi qui coûte cher, là? Ah bah en fait, déjà il y a ça. Déjà, tout ce qui est ces bilans de là, c'est joué dans... Donc on a une fontaine en foil. Ça coûte combien? Ça coûte, je sais pas, mais ça doit... Enfin, alors je sais pas, j'ai pas vu les prix, mais ça va coûter cher, puisque elle est à la fois frameless et foil. J'en ai une frameless non foil, mais voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a pu récupérer plein de bilans comme ça, qui valent plein de thunes, que ce soit les versions rétro, les versions frameless. Tu dis plein de thunes. Par exemple, là, celle-ci, elle vaut combien? J'en sais, ça va être entre, j'imagine, entre 10... Là, tout ce que j'ai mis, il doit y avoir entre... peut-être qu'il y en a qui coûtaient peut-être un peu moins de 10 balles, et d'autres qui vont coûter peut-être la folle, machin, peut-être qu'elle va coûter 20, 25, 30. Donc là, il y a 100 balles, là. Ouais, à peu près. À peu près. Ouais, 100 balles. À peu près, sachant que ce qui est cool, c'est que des bilans comme ça, vous pouvez en avoir dans des boosters en plus de votre art. Et donc ça, c'est plutôt, cool. Donc voilà. 15 balles le bilan, j'ai l'impression que c'est le bout du monde, alors que c'est hyper facile à avoir. Tu prends des decks commandeurs et il y en a plein des bilans. Non, c'est pas ceux-là. Ceux-là en particulier, c'est dans ce qu'on appelle les Shocklands, des Ravlands. Ça fait partie des meilleurs bilans. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est cher. Parce que des landes comme ça, si tu vas par là... Et tu les slives pas? Non, parce que je les ai pas mélangés. Je slive en fait. Quand je mélange... Alors là, je suis en train de faire perdre de la valeur. Là, si tu frottes la carte, je vais frotter la gueule. Si tu... j'ai dû la voir, j'ai dû la mettre dans le deck. J'ai récupéré ce bassin-là en normal, enfin en version... old school, que j'ai évidemment slivé. Alors j'ai pas double slivé parce qu'on faisait une game ou deux, voilà, mais évidemment, genre sur les cartes, on les double slive. Ok. Bref, donc non, il y a un peu de thunes. Après, il faut savoir que les boîtes collecteurs, les boosters sont entre, ça dépend où tu les chopes, mais c'est entre 20 et 30 balles le booster. Et donc bah, très vite, tu as 12 boosters à l'intérieur, ça chiffre un petit peu. Les boîtes de boosters, je sais plus trop combien c'est maintenant, mais c'est plus de 100 balles, 120, je crois, 130 balles. T'as dit quoi, 35-40 balles, c'est ça? Ça dépend. Ça, c'est une extension qui n'est pas en stock. Qui s'appelle prix maximum. Environ une trentaine d'euros. 30 € le Ravnica Remastered Collector Booster en anglais. Ouais. Question qui paraît stupide, je suppose quand même. Si je l'achète, j'ai forcément plus de 30 balles de cartes dedans? Absolument pas. Sinon, tout le monde en achèterait. C'est ma question. Pas du tout. Craquer des boosters, c'est pas rentable. Sauf si t'as la chatte d'avoir des trucs spéciaux dedans. Mais... Ah, donc c'est une question de proba. Tu vois, c'est exactement comme... Donc c'est rentable à partir d'un certain nombre de boosters. Tu vois l'Arcana, toutes les boîtes que tu vas ouvrir vont être pas rentables, sauf quand t'as une enchantée. C'est un peu le même principe. Pas rentable du tout? Non. Alors, peut-être que tu peux avoir plusieurs légendaires foil, je dis pas que... Mais, en gros, si jamais... Quand à chaque fois que tu achètes une boîte, tu es plus rentable que le prix de ta boîte, tout le monde achèterait des milliards de boîtes et ouvrirait et machin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, personne du coup ne voudrait ces cartes, puisqu'il suffirait d'ouvrir des boosters. L'intérêt d'ouvrir des boosters, donc les cartes c'est soit et fin du buzz. L'intérêt, voilà ça. Donc l'intérêt d'ouvrir des boosters est uniquement pour se faire kiffer. Ouais. C'est toujours sympa d'ouvrir machin. Ouais. Pour récupérer, là tu vois, plein de cartes d'une collection, bah nous c'était cool, puis en plus en vrai on les récupère pour les ouvrir notamment. On va en faire quelque chose. Bah, alors la preuve. Et pour pouvoir faire notamment grâce à ça des drafts ou des scellés. Du coup, tu peux jouer avec les boosters que tu ouvres. Mais de manière générale, il vaut mieux acheter des cartes à l'unité pour ces decks. Plutôt que... Alors après, si tu achètes un booster et que tu as la grosse carte super rare qu'il te fallait, GG à toi. Mais de manière générale, bien sûr, c'est plus rentable d'acheter à l'unité. Fort bien. Voilà. Tu voulais nous présenter d'autres decks? Oui, rapidement. Enfin, dire un peu ce qu'on peut trouver. Rapidement, donc on a le deck blanc-bleu qui, bah, je l'ai déjà un petit peu montré. Bon, je vais vraiment aller que sur les rares... doré, bah, j'avais déjà montré. Donc on a deck blanc-bleu, ça va être notamment avec Verdict Suprême, un deck assez contrôle. Deck bleu-blanc est évidemment très contrôle. Avec, en vrai, là, en scellé, tu le joues peut-être plus avec le vol. Tu joues peut-être un petit blanc-bleu vol avec éventuellement quelques petits moyens de gestion. Notamment Tomic, ce petit avociste éminent qui, dans le lore... Ouais, il est stylé. Dans le lore, il s'est marié avec Ral Zarek, donc le Planeswalker. C'est un couple gay. Et il est surtout 2-3 vols pour 2. C'est surtout ça qui est bien. Après, son petit effet, en plus, il est un peu moyen. On a cette carte-là qui aurait pu te faire kiffer si tu l'avais pu la jouer. C'est dessiné par un japonais. Oui, oui, bien sûr. Regarde, l'Arconte Brûlant, ça a été une carte qui a été réanimable à l'époque. Maintenant, c'est plus trop joué. Mais à l'époque, en livre. 9. Ouais, donc tu la réanimais, tu la mettais au cimetière. Puis après, tu l'as réanimé pour 2, et t'avais une bête qui disait « Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ». Donc si le mec la gérait pas, c'était très chiant. C'est pour ça, 5, 6 pour ça que ça coûte. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer. Donc en fait, tu ne peux la tuer qu'en défense. Et encore, le mec va pas attaquer pour rien, il va juste la laisser tranquille. Par contre, tu peux mettre n'importe qui anti-bête pour la tuer. Évidemment. Attends, mais c'est trop fort. Bah, c'est pour ça que ça coûte 9. Et voilà. Quand tu la poses, le mec il est en mode ah, bah bien joué. On a un écumable tyran, j'avais joué à l'époque ce truc là, une grosse carte qui a été remodelée, qui est 5-5 vols pour 8, donc un peu moins fort, mais à chaque fois que tu lances un sort, tu renvoies un permanent ciblé dans la main de son propriétaire. Donc ça peut être vraiment débile de renvoyer plein. Tu renvoies les landes. Bah, alors, les landes, plus rien jouer. Les landes, c'est vraiment à la fin quoi, mais on va avoir. La réédition de Patron de guerre de la Légion, j'aurais bien aimé vous faire un petit deck Boros, je connais, lui. Ouais, qui a Mentor, donc ça, il peut booster les bêtes quand il attaque, et surtout en fait il va chier un gobelin par tour, donc c'est un peu relou. Blanc-rouge et... On a un petit Phoenix qui permettait de revenir. D'ailleurs j'aurais pu jouer dans mon deck... En fait, c'est plutôt un jeu de contrôle ça. Mais j'aurais pu jouer dans le deck... le deck bleu-rouge. Bleu-rouge, ouais. Avec, tu sais, le petit enchantement là, qui permettait justement de faire que tes tokens devenaient des anges, et bien on a Krenko, Mob Boss, qui peut être cool, puisque lui, il va créer des petites 1-1 en fonction du nombre de gobelins qui est en jeu, donc lui compris. Ah, faut faire un... Évidemment, gobelin, quoi. Si tu as plein de... Voilà, donc il y a de quoi faire un petit truc gobelin. Il y a le Ilarg. On a... Attends, est-ce que je l'ai en version? Bah, je l'ai en version comme ça, mais il est en anglais. C'est ce qu'on a montré en début de... tour, qui rappelle un petit peu le sanglier de Princesse Mononoke, pour ceux qui ont la ref. Qui est 6-6 effectivement pour 5, et en gros quand il attaque, tu peux mettre une carte de ta main engagée et attaquante que tu vas pouvoir renvoyer, et en plus il a ce côté un petit peu, il revient si jamais tu le gères. Le dieu. Donc, ça c'est chiant. On a ça qui peut être très relou contre un deck qui joue artefact, 6-5, vol piétinement, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, acquiert le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Et au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 20 artefacts, bon faut le faire, vous gagnez la partie. C'est surtout bien pour pouvoir récupérer artefact, ouais, bon bah. Voilà. Il va y avoir un gameplay orienté sur ça, mais bon courage quoi. Ça, dans une logique très contrôle, c'était joué à l'époque en standard. Tu payes X, bon, faut quand même payer machin. Tu vas piocher des cartes et tu vas gagner X. Ça marche pas avec le truc avec les contes et légendes là. Quand t'as de la bouffe, c'est pas un artefact. Ouais, ça marche. 20 faut, de bouffe, 20, faut y aller. Hein. Ouais. On a le chef de Rakdos, qui s'appelle Rakdos. Il a appelé la. Un démon qui a appelé Seigneur la guillotine. Des émeutes. 6-6 vol piétinement pour 4, donc il a quand même un petit défaut. Vous ne pouvez pas lancer ce sort à moins qu'un adversaire ait perdu des points de vie ce tour-ci. En vrai, ça va, c'est jouable. Et les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque 1 point de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Donc vraiment, une fois que tu arrives à le sortir, c'est complètement crétin. Avec une petite vrille d'effroi qui va permettre de gérer n'importe quelle créature ou planeswalker. C'est toujours ça de prix. On a le planeswalker d'Omrirad qui est dans la faction Grul. Et qui va permettre de faire se battre notamment des bêtes et qui va permettre de faire éventuellement du card avantage si vous avez plein de créatures dans votre bibliothèque. Voilà, et puis... Oui, rassembler les gens, ça aurait pu être sympa, justement, il y avait une petite combo avec le petit token, avec le petit truc qui faisait des anges. Au début de votre entretien, mettez un marqueur rassemblement sur, sur elle, au début de ton tour. Tu crées ensuite un jeton de créature 1-1 rouge, blanche et cela avec la célérité pour chaque marqueur rassemblement. Au début, t'en fais 1, puis 2, puis 3, ouais. etc. etc. Pas mal. Voilà, et une petite dernière éventuellement. Ah bah oui, quand même. Il y a deux dernières, je peux pas passer à côté de ça. Tu vas avoir le chef. Dans l'histoire, en fait, il est mort, le Niv-Mizzet en question, là. Il est mort, et puis en fait, il est revenu. Bref, tu as Niv-Mizzet Reborn, qui est un peu le chef de très belle cette carte, hein. de Ravnica. Très très belle carte. 6-6 vol pour 5 mana de chaque couleur. Et en fait, quand elle arrive en jeu, tu vas arriver les 10 cartes de dessus de ta bibliothèque. Et pour chaque paire de couleurs, donc pour chaque guilde, entre guillemets, tu vas mettre une carte, si jamais tu as réussi à en révéler, de chaque donc, guilde dans ta main. Donc non seulement tu as une 6-6 vol, mais en plus... tu joues avec plein de cartes bicolores, et bien tu vas pouvoir te gaver, Et enfin, évidemment, on ne peut pas parler de Ravnica sans celui qui a bien foutu sa merde, à savoir Nicolas Bolas, le dragon dieu. J'ai pas pu mettre dans un jeu parce qu'il coûte 3 couleurs et que j'avais fait que des jeux bicolores. Mais il est très fort. Déjà, il a les capacités de loyauté de toutes les Planeswalkers sur champ de bataille. Donc, si jamais tu veux faire autre chose que ces capas et que tu as des Planeswalkers ou ton adversaire, ça marche. Plus 1, vous piochez une carte, chaque adversaire exile une carte de sa main ou un permanent qu'il contrôle. C'est relou, il fait plus 1, il fait du card avantage, puisque... Enfin, il fait un double card avantage, non seulement tu pioches, mais en plus tu fais chez l'autre. Moins 3, il détruit à peu près... Enfin, en tout cas, une créature ou un Planeswalker. Et si tu arrives à faire le moins 8, faut quand même se buter. Hein. Chaque adversaire qui ne contrôle pas une créature légendaire ou un Planeswalker légendaire perd la partie. Voilà, le bon vieux Nicolas Bolas qui a foutu sa merde sur le plan qui s'est fait battre. En fait, le seul défaut que je vois à cette carte quand même, c'est qu'une fois que tu la poses, imagine tu la joues en commandeur. Ouais. Et que les mecs, ils ont tous un peu des Planeswalkers, quoi. Ouais. En fait, t'as du coup tellement de capacités, à chacun de tes tours, t'es en mode... Alors... Ouais, bon. Après, les Planeswalkers durent pas non plus très longtemps, généralement. Hein. Ils sont attaqués, ou ils sont détruits, ou machin. C'est assez rare d'avoir un board rempli de Planeswalkers. Moi, je me souviens, quand je jouais à Arena, il y avait des decks qui étaient orientés pour, et tu te retrouvais des fois avec 4, 5, 6 Planeswalkers. T'es en mode, alors, frérot, bon quoi. Ça peut, ça peut. Et puis, bah, tiens, je l'ai pas mis du coup, mais j'aurais pu... En fait, je voulais le mettre dans le deck... J'aurais pu le mettre dans ton deck. À la base, il était dans ton deck, mais je trouvais qu'il était mieux dans un deck... Il est fort, Gideon. Il est pas mal celui-là, mais il est plutôt aggro, puisqu'en fait il peut se transformer en 4-4, et il va pouvoir... en fait il est intéressant, parce qu'il se transforme en bête. Moi je l'ai joué à l'époque où je jouais Winnie White, donc mono blanc, aggro en EDH. Pendant ton tour, c'est une créature 4-4 qui est indestructible. Ouais, c'est un peu ça, et qui en plus tu préviens toutes les blessures. En fait il va pouvoir filer... Comme c'est un mec sympa, il va pouvoir filer une capacité pendant un tour à une autre bête que tu contrôles. Soit la vigilance, soit l'invis sont indestructibles. Et en fait, à moins 6, il va exiler un permanent dans terrain ciblé. Ce qui est assez cool. Et dans l'histoire, en fait, ils se sont fait chier à récupérer la lame noire, qui est une super épée. Et en fait, ils volent sur le dos de Rakdos. Ouais, je l'ai plus là. C'est pas grave. Okay. En fait, t'as Gideon qui se fout sur le dos de Rakdos, qui va essayer de tuer Nicolas Bolas, sauf que Nicolas Bolas avait tout prévu, et il est en mode rien à foutre de ton truc, il le dégage. Nicolas Bolas se fera baiser pour plusieurs raisons, mais notamment Niv-Mizzet Reborn qui va lui donner du fil à retordre, et surtout le trahison de Liliana, bien sûr. Attends, mais tu sais tout ça parce qu'il y a les romans? Ouais, il y a eu les lis pas, toi, les romans? Non, mais moi je vais sur la chaîne notamment de Magic C'est Chic, qu'on embrasse, et qui fait un résumé des histoires, ce qui permet de les avoir en audio en plus. Et de... C'était vraiment pour moi un arc qui a été trop bien, parce qu'on était allé sur Amonkhet, on savait pas trop ce qui se passait, c'était un peu chelou. Puis on est allé sur Ixalan pour récupérer une sorte de truc qui empêchait les gars de transplaner. Vraiment, ça a été un arc, bah, c'était vraiment un peu calqué sur, et c'était à peu près en même temps en plus, que les Avengers, où tu as les Planeswalkers qui font les sentinelles, donc qui se mettent un peu ensemble pour essayer de faire des trucs, pour déjouer les plans du grand méchant, qui en l'occurrence était Nicolas Bolas, Thanos pour Avengers. Et lui, en fait, il a prévu tout un truc de dire, je vais aller... En fait, le plan de Nicolas Bolas, c'est pour redevenir une sorte de dieu comme était avant les Planeswalkers. Et ben, il se dit, je vais absorber les étincelles de Planeswalkers d'un maximum de Planeswalkers. Et pour ça, il me faut plusieurs trucs. il me faut un truc qui s'appelle le flambeau planaire pour pouvoir attirer les planeswalkers comme des mouches sur le plan, que je vais choisir, en l'occurrence Ravnica. Quand il met le flambeau, ils sont tous là. Quand il met le flambeau, un mec qui va être appelé, en fait, il va être attiré par ça, et s'il se téléporte, il va aller sur ce plan-là en question. D'accord. Il y avait un bail comme ça. En tout cas, voilà, ça va attirer un peu les planeswalkers. Puis, pour que le planeswalker ne transplane pas ailleurs, il a pris le soleil immortel d'Ixalan qui permet à tous les planeswalkers de ne pas pouvoir transplaner. Okay. Et il a fait un pont planaire qui a été créé par une meuf sur le plan steampunk de Kaladesh. Donc en gros, il les fait se téléporter dans une prison. Ouais, dans une sorte de... Bah, un plan... Ouais, voilà, enfin, Ravnica elle devient en gros une sorte de prison, quoi. Donc il les attire, il empêche de les téléporter, et en plus, pour les défoncer, eh ben, il s'est fait chier à aller sur un plan qui s'appelle Amonkhet. Il a fait en sorte de momifier des gars pour les rendre très forts. Donc en gros, il a une grosse armée de morts-vivants qui a la possibilité d'absorber l'étincelle de Planeswalker. Il y a des Planeswalkers qui sont là. Contrôlé par Liliana, à qui il lui a fait un pacte qui fait qu'en fait, s'il désobéit, bah, elle crève. En fait, elle est un petit peu en mode, bon, bah, désolé les gars, mais bah, vous avez... Mais elle devrait se suicider. Et parce que, sauf qu'en fait, Liliana, elle est en mode, moi, c'est une bête noire. Et donc, elle est dans un mood de, bah... Et en fait, elle voit ses amis un peu mourir, machin. Mais elle en mode, je suis quand même plus important. Bah, en fait, moi, je vais pouvoir m'en sortir, quoi, tu vois. Et c'est là où, en fait, il se passe un truc, c'est que du coup, elle voit... je crois que c'est Jace notamment, enfin bref, elle est en mode, bon bah j'ai quand même un semblant de cœur, parce qu'elle a été copine avec Jace, enfin ils ont été amants. Et un semblant de cœur, elle est en mode, vas-y rien à foutre, je balance mes... C'est le mec bleu. Ouais. Je balance les morts-vivants sur Nicolas Bolas, voilà. Et là c'est le trailer. Et c'est le trailer où du coup tu as... enfin tu crois qu'elle va crever, puisque du coup bah, elle est en mode, cramer, elle est en train de cramer. Et en fait dans l'histoire, juste après, enfin donc dans une des cartes, ça t'explique ça, dans l'histoire, qu'en fait, c'est pas Liliana qui meurt, c'est Gideon qui touche Liliana pour absorber ça, qui est censé normalement être indestructible, et qui du coup meurt à sa place. Et du coup, il se sacrifie à la place. Il meurt alors qu'il est indestructible ? Ouais. En fait, il est indestructible, comment dire, théoriquement, mais en vrai, bah, y a quand même moyen de le tuer, et en l'occurrence, ce truc-là... Et pourquoi il se sacrifie à la place d'elle ? Parce que c'est un loyal bon, Gideon, il est mono-blanc, il voit que Liliana a... et en fait, le truc, c'est que Liliana a besoin de ça. Liliana, a besoin de résister aussi pour que bah, son armée de morts-vivants, notamment les dieux d'Amonkhet qui ont été faits, machin. Pour que ça aille jusqu'au bout. Et donc Gideon se sacrifie, de toute façon, c'était un peu le rôle de sa vie. Hein. Gideon, c'est Captain America. C'est vraiment ça. C'est les autres avant tout. Je suis un leader et les autres avant tout. Voilà. Et il se sacrifie. Et c'est pour ça que Liliana, bah, elle s'en sort. Elle est en mode putain, mais en fait, j'en dois une à Gideon. Comment je vais essayer de le ranimer ou machin. Bref. Et elle arrive à le ranimer je crois. Alors, pas que je sache. Je sais qu'elle allait sur Strict 7, donc après, pour pouvoir étudier et être en mode, bon bah, il n'y a pas de raison que moi j'ai une dette du coup envers l'autre connard. Strict 7, c'est les écoles. C'est les écoles, là. Et après, j'ai pas trop suivi, j'avoue, mais je suis en train de me refaire ça. Vraiment une histoire qui était très très cool et vraiment intéressant à suivre parce que tu savais pas trop où ça allait. Et donc il allait sur Amonkhet, je finis parce que j'avais commencé par là, aidé par notamment Tezzeret, pour pouvoir récupérer un pont planaire qui te permet de faire transplaner les zombies qu'il a créés sur Amonkhet directement sur Ravnica. Et quel est son plan ? Parce qu'à part devenir le plus puissant de tous les puissants... Il peut devenir dragon dieu. Ouais, d'accord. Il a besoin d'aide pour arriver à ses fins. Pourquoi d'autres l'aident ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Par exemple, Tezzeret, il l'a... Comment dire ? Il l'a assouvi en esclave, entre guillemets. Et je te dis ça parce que Thanos, par exemple, ouais. Certaines personnes... être d'accord avec son plan et dire bah, bien sûr, il y a trop de monde, t'as raison, faut en enlever la moitié. Ouais. Et donc, tu n'es pas vraiment méchant. Lui, tu fais ce qui doit être fait. C'est un dragon qui a, je crois, 25 000 ans, qui est super fort, qui est fort en termes de télépathie. Enfin, il y a un moment de l'histoire où en fait, il se rencontre contre, il se bat contre les 5 Planeswalkers et il les détruit. Enfin, les cinq principaux, ouais. Gideon, machin. À chaque fois, t'as une carte qui s'appelle défaite de Gideon, défaite de Jace, défaite de Liliana, etc. Et il les démonte. Jace essaie de s'infiltrer dans son cerveau, mais en fait, il le dégage. C'est un peu la professeur Xavier. Et en fait, il l'emmène sur Ixalan et Jace, il a plus tout de souvenirs. Et il se souvient plus de rien. Ouais, il se souvient même plus qu'il est un Planeswalker. Ouais, et en plus, il est sur Ixalan, donc il peut pas s'enfuir. Ouais. En fait, comment tu fuis d'Ixalan ? Tu fuis parce qu'en fait, ils se sont démerdés pour que du coup, le soleil immortel, en fait, c'était le plan de Bolas, mais que le soleil immortel, donc, qui retenait les gens sur Ixalan, change de plan. Grâce notamment, je crois, au pont planaire. Bref, en tout cas, voilà, une histoire qui était vraiment cool à suivre. Et là, du coup, on retrouve un petit peu tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'il y a un peu de intéressant. Et c'est cool. Voilà. Les amis, c'est bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous passez du bon temps avec nous sur ces émissions TCG. On se retrouve, non pas dimanche, car là, je vais devoir décoller demain. Mais on se retrouve à partir de lundi prochain pour Friendzone, bien sûr, où je peux vous dire déjà qu'on sera avec Maripalo, avec Rofellos, avec Jumpé et avec Super Zulu. Bref, à lundi, 18 h pour Friendzone, et puis sinon, jeudi prochain pour du jeu de société, du jeu de cartes. Est-ce que je sais déjà à quel jeu de cartes on joue? Moi pas. On est en janvier. On sera le combien? Est-ce qu'on sera le 25, par exemple? On sera le 25. On sera pas très très loin de la sortie de Heavy Hitters de Flesh and Blood. Tout va bien, ça se un truc. Ce sera du Flesh and Blood la semaine prochaine, mais il y a un monde où ça ne se passe pas. Et ça... Altered, oui, c'est prévu. Oui, on va... D'ailleurs, oui, on va le faire. On a un truc bientôt. Mais on peut pas... je vais pas jouer avec des proxys de merde sur du papier. Je veux des vraies cartes. Et pour le moment, j'ai pas des vraies cartes. Donc, tant que j'ai pas de vraies cartes, je joue pas au jeu. Voilà. Simple. Peut-être que je peux te convaincre de l'inverse, on verra. Tu veux jouer avec des proxys, ça me fait chier. Bah comme ça, tu présentes le jeu. Comme ça, t'as une vidéo qui dit, voilà, la présentation du jeu. Pas pressé. Bon, on verra. On verra. Non, les proxys sont dispo depuis 18 000 ans. Il y a déjà 12 mecs qui ont fait des vidéos. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un truc de prévu sur Altered bientôt et que on va y jouer cette année. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ça sort en août. On va voir. Si on peut peut-être repartir avec des cas, je sais pas. En fait, c'est simple. On est invité à une présentation bientôt. Ça dépendra de ce qu'ils nous filent. S'ils sont en mode, bah voilà, c'est comme ça qu'on joue, vous pouvez tester, merci, au revoir, et on repart les mains vides, bah, il n'y aura pas de vidéo, qu'est-ce que je te dis. Si par contre, c'est en mode, ah bah, on fait une avant-première, machin, nanana, vous pouvez faire des tutos, ah, voilà, là, on discute. Okay. Pour le moment, on verra. Voilà, on en est, n'oubliez pas que ça ne sort finalement que cet été. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. Bisous tout le monde, bon week-end, à lundi. Merci mon bro. Ciao.